Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Le gars il fait genre 4 mètres ou quoi, genre... Lucci, c'est un bébé quoi. C'est un bébé. Ouais, premier chapitre, mon ami. Premier chapitre. Comment ça, ce n'est pas ton problème? Alors dis-moi qui est le responsable si ce n'est pas toi. Ferme-la, je ne supporte pas non plus de voir la tête d'un autre sur mon avis de recherche. Je n'en crois pas mes yeux, le monde nous réserve bien des surprises. Sanji est sûrement né sous une drôle d'étoile pour qu'une telle une chose pareille se produise. Le jour de sa mort sera sûrement des plus drôles. Attends, Robin? Non mais... Non mais Robin, ça va? Genre... 3m18. Ah ouais, putain, il est grand, Kumadori. Non mais Robin... Non mais... Tiens, en plus, là, je sais pas si vous voyez bien. Mais genre, elle dit ça avec un grand sourire en plus. Hein. Elle est là en mode, let's go! Le jour de sa mort, ce sera vraiment... très amusant. Non mais genre, elle dit ça avec un grand sourire, tu sais. Mais tout va bien, Robin? Genre... tranquille, hein, qu'est-ce qui lui arrive? La personnalité de Robin. Non mais Robin, en fait, c'est trop... c'est ouf parce que... tu sens, tu sais, qu'elle est trop... elle est super gentille, qu'elle a, elle a vraiment des super côtés et tout. Mais des fois, t'as le côté Baroque Works qui revient d'un coup, tu vois. Genre le côté Baroque Works qui revient d'un coup en mode... genre le truc, l'histoire avec Sanji où elle lui chope les boulasses, tu vois. Je crois qu'il y avait eu autre chose aussi où pareil, elle était un peu en mode vicieuse, tu vois. Tu sens qu'elle est vicieuse par moments, genre. Merci Spirit pour les 14 mois d'abonnement, merci beaucoup mon frérot. Aïe aïe aïe. C'est la pute de l'humour noir, c'est juste de la violence. Mais oui, de ouf. Mais en fait, c'est ça, j'ai l'impression que des fois, elle a des moments de vice, en fait, tu vois. C'est des moments Baroque Works, tu vois. Elle s'en rend juste pas compte. On est là, et oui, mon frérot, merci beaucoup. C'est son côté démon d'Ohara, c'est ça le racaille. Moi, j'ai surtout pitié de ce pauvre Duval, la vie a été dure avec lui. On se dit que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres. Ils se ressemblent vraiment beaucoup, oui, comme deux gouttes d'eau. T'es sûr, le suivant sur la liste, Brooke? On te laisse régler ça tout seul, Sanji, nous on part devant. Mais c'est pas de ma faute, tout ça. Je pense juste qu'elle est traumatisée de son passé. En vrai, tu vois, je sais plus qui m'avait dit ça un jour. Je crois que c'était quelqu'un qui faisait des études de psychologie. Et la personne m'avait dit un jour que quand t'as vécu des traumas, des trucs vraiment atroces et tout, eh ben, il y en a leur moyen de défense. Genre en mode leur moyen pour pas péter les plombs, devenir fou, ou tu vois, pour tanker et tout. Il m'avait dit qu'il y en a leur moyen, c'était de l'humour noir, enfin de l'humour glauque, tu vois. Genre limite, ils sont ultra cyniques, tu vois. Alors qu'ils ont vécu des trucs de dingue, mais parce qu'en fait, ils ont l'impression de se protéger en faisant ça, tu vois. Et en vrai, moi je vois la logique derrière, tu vois. Mais je trouve ça ouf, en fait. Tu sais, c'est jouer avec le feu, j'ai l'impression, tu vois. C'est un peu en mode, toute ta famille a été assassinée par des gens qui avaient des poignards, et tu sais, tu jongles avec des couteaux, quoi. Tu vois, genre, je trouve ça trop bizarre, genre. Ouais, c'est un peu une forme de déni, ouais. Ouais. Le cynisme, c'est ça. Ça m'a l'air plutôt évident. Non, mais j'ai pas dit le contraire, tu vois. Justement, c'est pour ça que je dis que je trouve ça logique. Mais c'est juste qu'en même temps, tu sais, t'es un peu là en mode, tu te fais du mal, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Psychanalyse 404. Ouais, Joker vibes. C'est un peu ça, en vrai. C'est un peu ça, franchement. Et puis, si tu ne voulais pas me ressembler, pas ressembler à cet avis de recherche, tu aurais pu commencer par te couper les cheveux ou bien te laisser pousser la barbe, non? Bon sang, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Sans doute parce que t'es un abruti fini. Non mais vraiment, mais alors, non mais ça va être un arc troll, ça Baudi en fait. Ça va vraiment être un arc troll en fait. Teubé le Duval. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas si bête. Écoute la jambe noire, écoute donc mon histoire. Autrefois, je vivais paisiblement dans un village paumé à la campagne.
J'étais un petit voyou sans grande envergure. J'ai gagné ma vie en raquettant les habitants. J'étais plutôt heureux, si tu vois ce que je veux dire. Mais du jour au lendemain, tout a basculé. Des soldats d'un rang assez élevé ont débarqué au village. Et ils m'ont profondément entaillé le dos alors que je tentais de fuir. Finalement, j'ai dû me résigner à dissimuler mon visage derrière un masque de fer. Tu as gâché ma vie. Je te poursuivrai jusqu'en enfer s'il le faut. À moins que tu n'aies l'intention de me tuer ici même. Je vais mourir, chef. Ça ne suffit pas de proférer de fausses accusations. Il faut en plus que tu t'en prennes à ma nami chérie. Ce navire sur lequel tu navigues qui a fait ta réputation. Ma haine s'étend donc à tous les membres de ton équipage. Tu sais, j'aime bien, t'es trop là en mode, ouais, ça va être le boss de l'arc et tout, genre il va être dur à vaincre. T'es là en mode, bon, minute zéro, voilà ce qui se passe. Let's go. Mieux écrit que Sakura. Oh, la balle perdue. La balle perdue. Ah, c'est trop bon ce truc. C'est incroyable. Je vais tous vous exterminer. Des harpons empoisonnés. Ça, c'est une belle saloperie par contre comme arme. C'est vraiment une belle saloperie d'utiliser ça. Franchement, même Don Krieg, en fait, il utilisait du poison, tu vois. Mais genre du poison en mode, il balance un truc qui fait un nuage, tu vois. Genre pas du poison sur ses armes. Franchement, moi je sais pas vous, mais le poison sur des projectiles ou quoi, je trouve ça tellement fourbe, tu sais. Après, je me rappelle qu'une fois, j'avais lu un truc. Je crois que t'as des peuples encore, tu sais, qui vivent un peu à l'état sauvage, tu vois, dans genre en Amérique du Sud ou quoi. Genre, de ce que j'avais compris, ils vivent dans la jungle, et genre pour tuer leurs proies, qui sont souvent des proies assez grosses et tout, ils enduisent le bout des flèches avec, vous savez, les petites grenouilles, là. Les petites grenouilles toutes vives, là, de couleur vive, qui sont grandes comme ça, là. Et en fait, ils les capturent. Ils prennent leurs flèches et ils les enduisent sur la grenouille. Et en fait, ces grenouilles-là, apparemment, elles ont un poison, mais il est tellement toxique que tu le touches avec ton doigt, mais tu meurs 10 minutes après, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Australie, mais il n'y a pas qu'Australie, je crois. Crocodile que tu apprécies, mais du poison dans son crochet. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est vrai que ça, j'ai oublié, effectivement, ouais. Les rainettes, ouais, c'est ça, là. Mais c'est une dinguerie, hein. Elles sont minuscules, si elles te touchent, elles te foudroient, genre. Merci, Kaka 13003 pour le follow, merci beaucoup. Plus la couleur est vive, plus c'est dangereux. Mais de toute façon, la nature t'apprend ça, en fait. La nature, systématiquement, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur les animaux, tu vois, quand j'étais gamin. Genre, j'ai bouffé des livres sur les animaux, la nature, les plantes, mais pendant toute ma jeunesse, tu vois. Et systématiquement, j'ai toujours vu qu'en fait, dans la nature, les plantes ou les animaux, dès que c'est une couleur vive, c'est pour avertir du danger, en fait. C'est systématiquement comme ça. Merci Nairog pour les 20 bits, merci beaucoup, mon frérot, merci énormément. Les proies sont pas contaminées avec le poison. Bah après, je sais pas comment ils font, mais effectivement, elles sont contaminées. Mais je pense qu'à mon avis, tu sais, quand ils les font cuire ou quoi, peut-être que ça... Je sais pas, ça enlève le poison, ou je sais pas comment ils font. En vrai, j'avoue, je sais pas comment ils font. Merci Victor Littlebro pour le follow, merci beaucoup. En formation... Ah oui, en formation OBCD. Non, mais ça me fume. Genre, à chaque fois, il va dire OBCD, à chaque fois, Francky, il va péter son crâne en mode... Parle de moi. En formation OBCD, par paire vers la cible. Ok. Attends, ils ont capturé Sanji. Déchire le filet, il t'entraîne vers la mer. Impossible, ses mailles sont en acier trempé. Noie-toi et meurs. Et par contre, les gens, vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'on dirait Zoro? Vous trouvez pas qu'on dirait Zoro de ouf? Que ça soit les cheveux, la couleur des cheveux, le regard. On dirait un mélange de Zoro et de Smoker. Tu insultes Zoro? En vrai, il y a un petit truc Zoro. Zoro est un traître. Zoro, il aime tellement pas Sanji qu'il s'est rangé du côté de Duval.
Quand j'ai relu le chapitre, je me suis dit exactement la même. Ah, mais tu vois, j'allais plus dire Smoker. Mais en fait, ouais, on dirait un mélange un peu des deux, tu vois. Zora, à la limite. C'est son cousin. Tu vois, Zoro, il aime tellement pas Sanji qu'il l'a trahi. Sanji, je vais le sortir de là. Non, Luffy reste ici, c'est à moi d'y aller. Attendez, les humains sont bien trop lents pour pouvoir les rattraper. Laissez-moi m'en charger. Ah, Octi. Octi qui va se rattraper. Let's go. Toi non plus, tu ne les rattraperas pas, l'homme poisson. Les Exocètes font partie des créatures marines les plus rapides qui existent. Et comme j'ai pris soin d'équiper mes hommes de bouteilles à oxygène, ils peuvent rester plusieurs minutes sous l'eau sans problème. Nous avons donné à ce supplice le nom de filet à marée. Quand la géante noire remontera à la surface, ce ne sera plus qu'un cadavre imbibé d'eau de mer. C'est vraiment un salaud, lui. Hein. Pas du tout, tu vois des ressemblances bizarres. Mais vous abusez de vous. Il y en a certains, vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Non, mais par contre, en vrai, je sais pas vous, mais moi, une des pires morts, vraiment, ça me fait flipper de fou, c'est mourir noyé. Genre, je sais que sur ça, on est vachement différents, tu vois. On est tous ultra différents. Mais je sais que moi, mourir noyé, je le vois comme une des pires morts pour moi. C'est, tu sais, cette sensation de plus pouvoir respirer comme ça, ça me... Ah, ça me... Ah, tu vois. Askip, c'est paisible. Ah, franchement, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est affreux. Je pense que c'est vraiment affreux. Oui, bah après, mourir brûlé, ouais. Ah là, bon, mourir brûlé, je pense que tu peux difficilement faire pire. Oh, ouais. Mais oui, je suis d'accord avec vous. En fait, brûlé, c'est que t'as la douleur. Je pense, dans l'idée, tu vois... Noyer, c'est pas une douleur, c'est juste que c'est une sensation que moi, je déteste, en fait, tu vois. Ça t'étouffe. En soi, ça dure pas longtemps. Ça brûle les poumons, mais c'est rapide. De quoi, de mourir noyé, tu veux dire? Comment ça brûle les poumons? Ah, non, tu voulais dire pour brûler vite, tu veux dire. Au Moyen-Âge, c'était un privilège de se faire exécuter noyé. Bah, en fait, tu vois, tu te dis, c'était tellement horrible de se faire brûler que limite, tout le reste, c'était un privilège, tu sais. Genre, tu sais, t'étais là en mode, bon, toi, t'as une faveur, tu seras pas brûlé, tu seras noyé. Le mec, il est là en mode, ouais, genre, let's go, je vais finir noyé, pas brûlé. Tu sais, il est là, il fait la teuf et tout, en mode, eh, les gars, soirée ce soir, demain, qui c'est qui finit noyé, pas brûlé? Let's go. C'est horrible. Merci, Trias, pour le follow, merci beaucoup. Je suis mort de noyer, je vous dis, c'est pas ouf. Une des pires morts, ce serait d'essayer de rentrer et mourir noyé parce que la mer t'éloignerait du village. Mais ouais, moi je sais pas. Après, c'est personnel, mais moi, je sais que la sensation d'être oppressé au niveau de là, de plus pouvoir respirer, ça me hante, cette sensation. Merci, Time Noob, merci beaucoup pour le follow. En tout cas, c'est un beau salaud, lui. Hein. Quoi? Je n'arrive plus à respirer. Attends, mais comment il va faire en vrai, par contre? Genre là, je vois vraiment pas comment il s'en sort. Voilà ce qui arrive quand on met le chef en colère. Mais franchement, ouais! C'est vraiment Smoker et Zoro mélangés. C'est Smoko. C'est le mélange entre Zoro et Smoker, c'est Smoko. Ou c'est Zorreur, je sais pas. Mais c'est le mix des deux, c'est la fusion. Smother. Smoko. Smoko, c'est incroyable. Smoko, je trouve ça incroyable. Il y a vraiment un truc, je trouve. Il y a vraiment un truc. Allez, vas-y, tu t'appelles Smoko, toi, à partir de maintenant. À partir de maintenant, tu t'appelleras Smoko. Salut, Kirox, comment ça va? Ne vous en fait... Eh, en vrai, Kirox, est-ce que tu trouves pas qu'on dirait Zoro mélangé à Smoker? Et c'est vraiment flagrant ici, tu vois. Là. C'est vraiment flagrant ici, tu vois. Et on dirait vraiment Zoro et Smoker mélangés. Ne vous en faites pas, Kemi. Le cowboy, je crois que t'as oublié quelqu'un dans cette histoire. En effet, les Exocètes sont plus rapides que les hommes poissons. Ils sont au top en matière de vitesse sous-marine, je te le concède. Mais les sirènes, elles, sont au top du top. Oh! Attends, du coup, t'es en train de me dire que elle, là... attends, elle est où? Elle était avec eux, je crois, non? Je sais plus où elle est. Mais genre, la meuf sirène, tu veux dire que c'est elle qui va sauver Sanji? Non, mais si c'est la meuf sirène qui va sauver Sanji, il va être encore plus amoureux, en fait.
Genre Sanji qui se fait sauver par une sirène, il va être fou. Oui, carrément. Eh, mais t'as vu, c'est flagrant en vrai. C'est vraiment flagrant. La mémoire de nourrir par noyade est plus forte que la brûlure. Ah, en vrai, je pense pas. Brûlure, c'est vraiment affreux, à mon avis. Smoko, il me lance Smokoko. Oh putain. Ah putain, mais Sanji, il va péter son crâne. Il va se faire sauver la vie par une sirène, quoi. Dans toutes les mers du globe, aucune créature ne peut rivaliser avec elle. Tout va bien se passer, je vais te sortir de là, Sanji. Kimi n'agit si vite que ça. Oui, si elle n'était pas si distraite, personne ne pourrait l'attraper. Tu m'entends, personne? Ça alors. Kimi, on compte sur toi pour sauver Sanji. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ancre de leur île artificielle, elle est gigantesque. Viser le navire de chapeau de paille. Nous vont l'atteindre de plein fouet pour qu'il coule sur le coup. Ceux qui ont mangé un fruit du démon périront aussitôt, la victoire est proche. Franchement, vu à quel point le navire est résistant, je me demande même si cette ancre va faire quelque chose. Attends, ouais. La dernière fois, le navire, il a pris des tirs de bazooka. Le navire, il était là en train de flex en mode. Je m'en fous. C'était incroyable. Ah non, mais vraiment, je crois, la dernière fois, je sais plus, c'était des tirs de bazooka. Je crois que c'était ça, hein. Ils avaient envoyé des missiles ou je sais pas quoi. Et là, le navire en mode, bah non, un bois de je sais plus quoi, là, de Ada je sais pas quoi, là. Bois d'Adam, là. Je m'en fous, hein. Dose. Mais la dernière fois. La dernière fois, le navire, il avait bien pris des espèces de roquettes, là. Les tirs n'avaient pas touché. Ah bon? T'es sûr? Parce que justement, il y avait eu un tir. On voit le tir à côté du navire. Et je crois que c'est plus qui c'était, mais c'était quelqu'un qui avait dit « Ouais, t'inquiète, c'est du bois d'Adam, ça passe, tu vois. » Enfin, genre, ça tient, quoi. Merci, Pister, pour les 3 mois avec Prime. Merci, Chrome Populos, pour les 7 mois. Avec Prime également, 7 mois à supporter le flopper fou, exactement. Merci beaucoup les frérots, merci énormément pour le soutien. C'était quelqu'un dans le chat. Ah, moi je pensais que ça avait touché, moi, les missiles. Peut-être pas le détruire, mais le faire plonger dans l'eau. Ouais, ah bah du coup, bois d'Adam surcoté, hein. Eh, bois d'Adam surcoté dans ce cas-là, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Franchement, le navire de Roger, du coup, c'est de l'eau. Hein. Attends, comment il s'appelle déjà le navire de Roger? Attends, je vais pas regarder le chat. Et je vais essayer de retrouver tout seul. Comme ça, vous pourrez toujours me dire mémoire 404, mais non. C'était un truc un peu comme Michael Jackson, en fait. C'était genre... Oro Jackson. Ouais, c'est... Voilà. Alors, ceux qui spammaient mémoire 404, là, vous êtes où? Gaimon Jackson. Alors, les mémoires 404, hein. En fait, ça me fume parce que je reçois des codes 404 pour me rappeler de quelque chose. Ça, c'est vraiment terrible. Sinon, c'est le navire de Foxy. Non, je te crois pas. Il a juste cherché sur Google. Eh, j'avais mes mains comme ça. Faut être fort, quand même. Le légendaire Michael Jackson, navire de Paul Podger. C'est pas l'occasion qui manque pour les mémoires 404. Ah, ça, oui, par contre... Mais pour moi, tu vois, je pense pas que ça couperait le navire vraiment en deux, une ancre comme ça. Hein. Si vraiment le navire est si fort que ça, ça commence à sentir le roussi. Ils vont nous couler. On peut pas essayer d'éviter l'ancre avec un coup de burst ou grâce aux roues à aube. Non, c'est trop tard. Ou ça peut te mettre en position au niveau de la proue. D'accord, j'y vais. On va utiliser l'arme secrète. L'arme secrète? Oh là là, il va nous régaler là. Il va nous régaler. Tu auras ça des gouttes pour se souvenir du passé, pour prédire le futur du bon flop. Exactement. Je suis un oracle. Tu connais le nom du navire de Foxy? Le nom du navire de Foxy. Non. Non, ça me dit rien du tout. Je pense pas que ça a été dit, non. Peut-être que ça a été dit, mais je me rappelle pas du tout, en tout cas, si c'est le cas. Le bois d'Adam résiste au feu et aux explosions. Bah alors du coup, le missile de la dernière fois, il aurait résisté alors, pour moi. Tu vois, le navire. C'est quoi le nom du navire de 404? Le nom du navire, c'est Mémoire 404.
Sexy Foxy, sérieux? Attends, le navire de Foxy s'appelle Sexy Foxy. Oh non, c'est cringe de fou. C'est cringe de fou. Aïe, aïe, aïe. Le bois d'Adam, il est résistant de fou arrêté. Mais oui, il y a des acteurs. Il y a des acteurs qui me disent le bois d'Adam, ça résiste pas et tout. Pour moi, le bois d'Adam, le navire, il coule pas. Peut-être qu'il est endommagé, mais il coule pas avec ça, tu vois. Je me dis, c'est le navire, c'est le bois du navire du roi des pirates. Ah, le roi Jackson, je pense qu'il a dû en voir d'autres, tu vois. Alors, lâchez-la. Le Seigneur est en danger. Les affaires se gâtent. Ayez confiance en lui. Sa crinière s'est mise à tourner. Couler. Esquive d'urgence, arme secrète. Chicken voyage. Ah, c'est genre un... Ça fait un peu en mode hélice, en fait. En fait, la tête du lion, c'est une hélice. C'est une hélice en mode, il recule. Il recule s'il y a un danger. Oh, mais non, mais... Ah, je suis désolé, hein. Franky, constructeur de génie, voilà, c'est dit. C'est dit, machine arrière. Eh oui. Après, même résistant, du bois reste du bois. En tant que bûcheron... Ah, en tant que bûcheron, je sais de quoi je parle. Oh, sérieux, Sam, des bûcherons? Incroyable. Incroyable. Et en vrai, tu vois... Oh, vas-y, hé. Hey. Oh, j'ai trop envie de savoir, ça m'a chauffé quand j'ai su ça. Parce que là, Sam, il vient de dire qu'il est bûcheron. Les gens... Alors, vous n'êtes pas du tout obligé, hein, si vous n'avez pas envie ou machin, ou vous voulez pas le dire ou je sais pas quoi, aucun souci. Mais en vrai, pour ceux qui sont d'accord, pour ceux qui sont d'accord, je serais trop chaud pour que vous marquiez le nom de votre métier dans le chat. Je serais trop chaud pour savoir, genre. Pour voir un peu tout ce qu'il y a, genre. J'ai trop trop envie de savoir le nom de votre métier, là. Chômeur, boulanger, toi ça je savais. Chômeur, cuisinier, chômeur livreur, poissonnier, spammer de développeur 404, développeur web, cuisinier, étudiant, pirate, DJ producteur, astronaute, boulanger. Ah, il y a quelques boulangers quand même. Ah, il y a pas mal d'étudiants, chauffagiste, joueur de football manager, comptable, psychologie, top laner, président, chargé événementiel, préparateur de commandes, gendarme, étudiant, putain, c'est trop stylé. Agent courrier. Ok. Ambulancier. Fromager. Étudiant ingé. Moniteur de ski. Putain, développeur. Mais non, mais c'est trop bien. Développeur web. Informaticien. Technicien d'usinage. Toiletteur canin, sérieux? Mais c'est génial. Banquier. Logistique bac, géomètre. Technicien, informaticien, électricien industriel. Ah, il y a pas mal d'étudiants en vrai, il y a pas mal d'étudiants, mais il y a un peu de tout, je trouve, c'est trop bien. Mécanicien, dev, opticien, vendeur, videur, mais c'est trop bien, genre. Roi des pirates. Non, franchement, c'est trop cool. Genre, il y a vraiment tous les métiers, genre. Et toi, t'as Hunter, ah bah ouais, et ouais. Dernier métier, Hunter. Non, franchement, c'est trop cool. Oui, bah après, je me doute qu'il y en a plein qui trollent. Mais en vrai, ça se sent, ceux qui ont trollé dans les messages, tu vois. Mais je pense, tu vois, ceux qui ont mis boulanger ou je sais pas, ou comptable ou quoi, je pense pas que c'est du troll, tu vois, genre. Non, franchement, c'est trop cool. On l'a évité. C'est impossible. Aucun bateau à voile n'est capable de faire marche arrière. Ou Sop rentre dans la proue. Dans la proue, une porte. On a peut-être réussi à l'éviter, mais c'était pas encore fini. Oh ! Ah, c'est incroyable ! Il y a un putain de canon. En plus, attends, je crois que Usopp, techniquement, c'est... Mais oui, Usopp, c'est un canonnier, non? Je crois que de base, il me semble que le boulot de Usopp sur le navire, c'est canonnier, il me semble. Parce que vu que c'est le côté sniper et tout, genre... Ouais, ça, c'était bien canonnier, ouais. Oh, c'est trop bien, du coup, il est là en mode retour aux sources, tu vois. Retour aux sources, Usopp, il va bombarder, là. Canon Graou. Ah, je viens de comprendre le nom du chapitre, du coup. Je viens de comprendre le nom du chapitre, pourquoi ça s'appelait Canon Graou. Mais tu vois, j'ai dit Canon Graou, et en fait, j'ai dit Graou, ça me fait penser à un tigre qui rugit, tu vois. Eh, au final, un tigre qui rugit, on n'était pas loin. On n'était pas loin, tu vois. Mais c'est trop stylé, par contre. Putain, le Seni.
qui est là en mode let's go. Un bon petit coup de canon. Il est très bon en plus, il manque juste confiance. Ouais, non mais clairement. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Fais en sorte qu'il y ait le plus d'ennemis possible dans le viseur. Comme ça? Oui, c'est bon. Maintenant verrouille le tir et tire le levier. C'est quoi ce truc? J'ai trouvé. Mais gros, ça tire des missiles! C'est même pas des boulets de canon, c'est des missiles! Non, mais... Attends, c'est quoi ce canon, genre? Mais frère, le canon, il rase une... Le canon, c'est un Buster Call. C'est une Baggy Ball, c'est ça. Tu parles d'un condamné, il connaissait pas l'existence du canon. Bah après, tu vois, vu que genre le navire est récent, qu'ils sont dessus depuis pas longtemps et tout, ça peut se comprendre, tu vois. Mais... Oh putain, zéro mort avec ce canon. Mais en fait, genre... En fait, c'est comme si ça envoyait de l'air comprimé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai limite l'impression que ça envoie pas... Ça envoie pas un boulet de canon ou ça envoie pas un missile. C'est comme si ça envoyait de l'air comprimé, c'est trop bizarre, genre. Wouah. t'en fais trop le fier. Il est là en mode c'est mon navire. Le canon Kuma. Le coup de paix. C'était un coup de vent. Bah ouais, on dirait. Ouais, c'est ça, on dirait un coup de vent. Vous avez raison. On dirait un coup de vent, genre. Un canon qui aille. Regarde bien le navire au moment du tir. Je sais pas, il y a un truc bizarre là. C'est comme s'il y avait du vent qui était expulsé. Alors, soit c'est du vent qui est expulsé, soit c'est un système qui fait que ça tire tellement fort que le navire est censé partir en arrière et que ça rééquilibre, tu vois. C'est pour subir le contre-coup. Ah, voilà, bah c'est ce que je me disais, ouais. C'est genre un truc en mode, quand tu tires pour pas que tu sois à taille vers l'arrière, ça te stabilise, genre. Merci, Kiroax, pour... Oh, Blackstart. Blackstart qui n'avait pas de sub. Je me sens trahi. Je me sens trahi, Blackstart qui n'était pas sub à la chaîne. Ok, voilà. Les gens, je me sens extrêmement trahi. Et pour me consoler, je vais manger un bout de tarte soleil. Mon petit cœur a été trahi. C'est une première. Aïe, aïe, aïe. Ma vie n'est plus la même maintenant. Aïe, 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 aïe. Admirez ce dont est capable Sony. Ce coup de canon nous a débarrassé de la quasi-totalité des exosets. Grâce à Usopp qui est vissé comme un chef. Parfait pour un premier tir. Choqué des modos passèmes. Ah ouais, Samy Fleur, je suis d'accord avec toi. C'est une honte. Moi, je vois, je constate qu'il y a une conspiration. Il y a vraiment une conspiration. Genre, Garnis, systématiquement, n'est pas sub. Blackstart, qui était sub d'habitude, n'est pas sub. Moi, je dis, ils sont en train de programmer un coup d'état. Hein. Moi, je dis, il y a une destitution, tu vois. Ils sont là, en mode petit à petit, ils croient que je les vois pas. Mais ils sont en train de préparer un coup d'état 100%. Ils sont en train de préparer un coup d'état obligé. Quelle puissance! Ce petit lion est impressionnant. Je n'en crois pas mes yeux. Sony, il faut 3 barils de cola pour balancer un coup de canon haut et afin que le recul ne fasse pas chavirer bientôt. Ah, c'était bien ça du coup, ok. Je tire un coup de burst qui brûle 2 autres barils de cola. Vu la quantité d'énergie nécessaire, je peux vous garantir qu'on n'utilisera pas cette arme secrète tous les jours. Oh, quel crack. J'ai décidé de claquer mon prime chez la concurrence. Oh non, Black, comment oses-tu? Tu les paies pas assez, Hunter. Ouais, je pense que ça doit peut-être être ça, ouais. Parnis Prime. Tu vas repout, tu vas rien comprendre. Allez, bâtard. On est emmêlé dans le filet, et c'est à cause de cette fichue sirène, elle est vraiment trop rapide. On y est presque. Tiens bon, Sandy.
Et franchement, j'ai envie de te dire, heureusement qu'il a perdu connaissance, parce que là. En vrai, heureusement qu'il a perdu connaissance, parce que là, je crois qu'il aurait perdu 3 litres de sang. 100% il est conscient. Eh, je sais pas, en vrai, je pense pas. Je pense qu'il est conscient, là, il perd 3 litres de sang par les narines. Ah, ça me fume. Ça me fume. Il est bien là. Ah ouais, là tu fais un gros dodo là. Là tu fais un gros dodo. Aïe aïe aïe. Finalement, se noyer, c'est pas si mal. Ah, en fait, je préfère me noyer finalement. Il est conscient, je crois. Ah, je sais pas, là il a vraiment l'air d'être au pays des merveilles. Hein. Là. Kemi, tu as réussi, comment va Sanji? Pas bien du tout, il saigne énormément. En fait, je crois que vous aviez raison. En fait, je crois que vous aviez raison. Vous aviez raison parce que j'ai l'impression qu'il saigne énormément. Il est blessé. Elle va dire non, il est pas blessé. C'est juste il perd du sang par les narines. Ah putain, les gens. C'était trop sûr. C'était sûr. Je ne sais pas, je croyais l'avoir secouru à temps, mais il s'est soudainement mis à saigner du nez. Du nez? C'est bon, Kémy, tu peux me la le laisser mourir. Au moins, il partira heureux. Oh putain, il me tue. Il me broie de rire. C'est pourquoi DiCaprio a choisi de ne pas monter sur la planche du Titanic. Ah là, il a trouvé son All Blue, ouais. Oh putain, ça me fait trop rire. Il est encore en vie, lui. Ce qu'il est coriace, le bougre. Accroche-toi à moi, Sanji. Tu as perdu tous tes hommes, on dirait. Maudit pirate. Heureusement pour moi, il me reste mon fidèle Motobaru. Je ne compte plus le nombre d'hommes que ces cornes solides comme l'acier ont transpercé. Ce sont ces mêmes cornes qui ont percé deux trous géants dans le barrage de notre village. Aucune cage ne leur a résisté très longtemps. Et ce sont encore ces cornes qui m'ont permis d'échapper aux hommes de la marine à nombreuses reprises. Les gens? Vous voyez cette case-là? Est-ce que cette case, ça s'appelle pas théorie de la fraude? Par hasard. Le mec se met de ouf en avant. Il fait que dire, ouais, mon taureau, c'est un ouf, il a transpercé plein de gens, il a réussi à faire ça, on est les meilleurs. Ah là, ça pue la théorie de la fraude. Là, toutes les preuves sont là. Hein. Les astres s'alignent, théorème de la fraude. C'est QFD, je pense. Hein. Laissez, il est à moi. Les gens leur ont donné le nom de Crève-Cœur. Vas-y, Motobaro, fonce. Luffy, attention. Voilà, et voilà. Ça rate jamais. Ça rate jamais. Le théorème de la fraude, ça ne rate jamais, en fait. Ça ne rate jamais. Les cornes n'ont rien à voir là-dedans. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à me battre contre toi. Ah, il est en sueur. Il est là en mode... Oula! Qu'est-ce qui t'arrive, Motobaro? Bah oui, non mais en fait maintenant, vous avez vu que maintenant on a un radar à fraude. Hein. On a un radar à fraude. Hein. C'est terrible. Hein. L'image que t'as mis sur Twitter, ça. Ah ouais? Attends. Attends, c'est ça que j'ai mis sur Twitter? J'ai mis l'image, je sais même pas ce que je mettais. Genre, franchement. Putain, je suis mort. Genre, tu sais, j'étais là en mode, bon, je vais mettre une image de l'autre, là, Duval, là, avec son taureau. Et j'ai même pas fait attention que c'était ça. En fait, mais vous savez que je crois que je n'ai même pas vu Luffy, en fait. Vraiment, je vous jure que je crois que quand j'ai pris l'image, je n'ai même pas vu Luffy. Parce qu'il est ultra petit sur l'image en fait. Ah, c'est une honte, putain. Oh là là. Tu serais capable de mettre des énormes spoils sur Twitter avant un stream. Non mais par contre, mais vraiment, le pire, c'est que je n'ai même pas vu Luffy sur l'image. C'est un truc de dingue. Elle t'évite les spoils. Non mais en vrai, la plupart du temps, tu vois, je lui demande. Mais franchement, là, j'étais là en mode, bon, ouais,
Si je prends une image de Duval, j'ai pas l'impression que ça va faire quelque chose, tu vois. J'avais même pas vu Luffy sur l'image, je suis mort. On se rappelle quand t'avais mis une image de Girtou sur Twitter sans le savoir. Mais tu vois, par exemple, ça me fait trop rire. Parce que genre, j'avais mis une image à l'époque de Luffy. Enfin, pendant qu'on regardait les Slobby, j'avais mis une image de Luffy en Girtou, en fait. Mais genre pas la pose emblématique. C'était juste une image, je sais pas, où il montrait son poing. Enfin, je sais pas, il était dans une position autre, tu vois. Et j'avais mis cette image, et les gens m'avaient engueulé, tu vois. Mais il m'avait engueulé, mais il m'avait pas dit pourquoi, tu vois. Il m'avait juste engueulé. Et moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, j'ai rien fait de mal et tout, tu vois. Et en fait, l'image, j'avais pas fait gaffe, mais il y avait un peu de fumée. Et j'avais pas encore la ref, tu vois, du Girtou. Et en fait, c'est plus tard, les gens, ils m'ont dit, mais en gros, on t'a engueulé parce que t'as mis une image du Girtou et que t'aurais pu te spoil. Et en fait, c'est là où j'ai compris qu'il y avait la fumée qu'à ce moment-là, c'est une image qui devait me spoil, en fait. On voit même pas Luffy, on le regarde. Même s'il voit un spoil, il s'en rappelle pas, le Girtou. Ah oui, le Sunny, j'avoue. À chaque début de rediffusion YouTube, l'image du Sunny au loin, j'ai jamais tilté. Ça, par contre, c'est légendaire, les gens. Ça, c'est légendaire. Genre, chaque début de rediff YouTube, une image du Sunny au loin, et j'ai jamais tilté que c'était pas le mérite. Ça, par contre, c'était légendaire. Non, vraiment, ça, c'était incroyable. Vraiment. Aïe, 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 aïe. Non, mais je vous jure, vraiment. Mais en fait, moi, je vous l'ai dit, quand je suis sur Twitter ou autre, je débranche mon cerveau. C'est très grave. Mais après, je pense que c'est Twitter qui fait ça, tu vois. Je sais pas vous, mais moi, Twitter, ça me fait débrancher mon cerveau. Genre, je suis sûr que des fois, je dois avoir des dingueries, mais je tilte pas parce que mon cerveau, il est à côté, en fait, tu vois. Mon cerveau, il est posé à côté, donc... Les potos de YouTube doivent bien se marrer. Ouais, j'avoue. Un jour, tu vas mettre le One Piece, même nous, on va pas savoir, j'avoue. Non, en vrai, c'est Twitter, tu débranches ton cerveau. Le taureau a l'air bizarre tout d'un coup. Motobaro, où est-ce que tu vas? Waouh! Alors, par contre, en vrai... Alors, attends. Là, il y a un truc bizarre, parce que... Je sais pas ce que vous en pensez. La réaction du taureau, je la trouve excessive, en fait. La réaction du taureau, je la trouve excessive. En fait, tu vois, pour moi, le taureau, il a pu prendre peur en mode, il s'est fait arrêter par Luffy, tu vois. Mais je trouve quand même sa réaction excessive. Parce que genre là, il est tétanisé, le taureau, tu vois. Les gens, j'ai une théorie. Les gens, j'ai une théorie. Je sais que je suis chiant avec ça, mais je me réfère beaucoup à Hunter, tu vois, avec le naine. Et plusieurs fois, j'ai dit que le fluide, du coup, donc ce qu'on appelle le haki, apparemment, donc le fluide. Plein de fois, j'ai dit que ça me faisait penser à Hunter avec le naine, parce que dans l'idée, quand on a vu Shanks sur le bateau de Barbe Blanche, on nous fait comprendre que, genre, son fluide, là, son haki et tout, c'est oppressant, ça broie la matière, enfin, c'est oppressant, tu vois. Et genre, dans Hunter, t'as ça, un peu. Genre, quand tu te protèges pas avec ton naine et que tu te prends le naine de quelqu'un dans la tronche, c'est... Oh, ça te fait une sensation de terreur, en fait. Et genre... Je me dis... Est-ce que Luffy, le gear et tout, c'est pas du haki qu'il utilise? Genre en gros, est-ce que le gear tout, le gear fruit et tout, c'est pas du haki que Luffy utilise? Et genre en mode là, le taureau il a senti ce haki, il a eu peur, tu vois. Parce que pour moi, tu vois, surtout quand c'est un animal qui est autant effrayé comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est le même délire que le début du manga avec la Poiscaille qui a eu peur de Shanks. En fait, maintenant qu'on sait que Shanks, il a ce fluide, du coup, et qu'on sait que, au début, la Poiscaille, elle est effrayée par le haki de Shanks, enfin, pour moi, ça ne fait plus aucun doute, en fait, j'ai envie de te dire. Eh ben, pour moi, de revoir un animal autant effrayé comme le poisson du début, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça, hein. J'ai l'impression que c'est genre, il a senti le haki de Luffy et il a eu peur. Ouais, non, mais les gens, franchement, je veux bien que c'est peut-être pas ça, tu vois. Je veux bien que c'est peut-être pas ça. Genre que juste le taureau, il a eu peur de Luffy. Non, mais là, frère, c'est même plus des tétanisés. Là, il va nous faire une crise cardiaque, le taureau, quoi.
C'est vraiment là, il est en mode, il a la salive qui sort et tout, tu vois. Qu'est-ce qui lui a pris? On dirait qu'il a perdu connaissance. Comment est-ce arrivé? Qu'est-ce que je lui ai fait, Luffy? Il a perdu connaissance. Non, les gens. Il a perdu connaissance. Sachant que, je crois que c'était Marco. Je crois que c'était Marco qui disait ça, il me semble, sur le navire Barbe Blanche. Marco, il avait dit, quand t'es pas habitué à une rencontre avec Shanks, ceux qui sont pas habitués, ils tombent dans les pommes, en fait. Ouais, là ça sent le même truc quand même, hein, je veux pas dire, mais... Merci Fatih, j'avais pas vu, merci Fatih404 pour les 7 mois d'abonnement, merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup mon frérot. Merci Kamel, merci Rizan pour les follow, merci beaucoup. Ça passe vite. 3 mois, merci pour les hacks, hâte de pouvoir parler librement One Piece. Aïe aïe, Kurosenai, merci beaucoup. Ah, t'as vu, ça passe vite, hein. C'est un truc de fou. Tu es complotiste, c'est juste une coïncidence. Non, franchement. Franchement, tu vois, le même délire qu'au début avec le poisson et Shanks, tu vois. Sachant que comme par hasard, c'était Shanks. Que là, il tombe dans les pommes et qu'on te fait comprendre que quand tu prends une décharge de haki, tu tombes dans les pommes aussi. Ouais, c'est trop gros pour moi, là, c'est ça. Moi, rien du tout. Motobaron, ne me laisse pas, tu n'as pas le droit. Luffy n'a pas touché ce taureau. Comme s'il avait intimidé en le fixant dans les yeux. Non mais c'est obligé, c'est obligatoire. Non mais les gens, c'est obligatoire en fait. Shanks s'est passé par les yeux. Shanks, il y a eu un truc, et tu le vois beaucoup en animé, dans la scène animée. Tu vois que Shanks, il l'a... Genre, Shanks, t'as l'impression, il l'a fixé du regard en mode comme ça, tu vois. Et genre, ça l'a séché, tu vois. Le monstre, ça l'a séché direct, tu vois. Le taureau, il est diabétique, et il entend une hypoglycémie. La pression du caoutchouc. Merci Kurosenai-san pour les 3 mois, merci énormément. J'ai pas le kick au bon endroit pour le message, donc t'as lu, donc vous êtes dans la taquette, mon frérot. Merci beaucoup pour le soutien. Non, c'est sûr. Y a tout qui coïncide. Il y a tout qui coïncide. C'est genre, ça fait les mêmes effets secondaires que Shanks. Donc le taureau qui tombe dans les pommes. Le fait qu'il le touche pas, tu vois, comme Shanks. Shanks qui, pareil, s'était passé par les yeux, tu vois. Genre en mode, il avait envoyé une décharge avec les yeux. Là, pareil, avec Luffy. Non, c'est trop. Il y a trop de points communs, en fait. Son odeur de pirate qui l'a séché. T'es chaud, Hunter. Merci, Ojime. Ah, en vrai, là, il y a trop de points communs, je trouve. Comment tu veux dire qu'ils se sont contentés d'une baston de regard? L'animal s'est tout de même évanoui, ce n'est pas rien. Mais c'est ça, c'est obligé, c'est ça. C'est obligé. N'importe quoi. Chapeau de paille, toi et ton équipage. Vous allez me le payer tout autant que vous êtes. Luffy attend un peu. Sanji content de te savoir en vie. Je n'ai toujours pas digéré les fausses accusations de ce crétin. Oh, il est immense par contre. Genre, j'avais vu qu'il était grand, tu vois. J'avais vu qu'il était grand, mais là, frère, il fait quoi? Il fait 3m50? Je vais lui régler son compte. La jambe noire. Il fait la taille de son mollet. Ils font la taille de son mollet, genre. Bizarre cette coïncidence. Non mais t'as vu? C'est quand même bizarre, quoi, tu vois. Luffy a oublié de prendre une douche. Bah, les gens, l'odeur, j'y crois pas. J'y crois zéro. En plus, c'est pas Barbe Noire, tu vois, y'a pas cette excuse-là. Ah, il est... Ouais, il est immense, hein. Je pense qu'il fait 4 mètres, c'est ça, quoi. 4 mètres, hein, à mon avis. Oh, me régler mon compte. C'est plutôt toi qui vas mourir tant que tu seras en vie, fichu pirate. Je ne pourrai jamais vivre en paix. J'en ai marre d'être celui qu'on accuse à ta place, ras-le-bol. Ferme-la, je n'ai pas plus envie que toi de voir partout où je vais le dessin d'un type qui n'est pas moi. Voilà. Allez hop. Espèce de fraude là. Théorème de la fraude rempli. Œil, nez, joue, bouche, dents, menton. Arrête. Parachute, allez hop. Ça dégage. Voilà. Finito les fraudes. Finito, et pour fêter le départ de cette fraude, petit morceau. Du coup, tu rigoles? Tu me fais rire, du coup, tu fais une pause pour manger. Ah bah, c'est compliqué de parler et de manger en même temps. Ah, ils sont trop bons. Incroyable. Même 404 qui cuisine mieux que Sanji, j'annonce. Voilà. C'est pas bien compliqué à faire.
J'ai cru qu'elle allait dire c'est pas bien compliqué, tu sais mieux que Sanji. J'étais là en mode, oh, t'abuses quand même, là, j'avoue t'abuses. Je te jure, j'ai vraiment cru que t'allais dire c'est pas bien compliqué de cuisiner mieux que Sanji. Aïe aïe aïe. On veut goûter. Ah, les frérots, je vous les envoie par la pensée. Je peux pas vous les envoyer vraiment comme ça. Mais je vous les envoie par la pensée, c'est une dinguerie. C'est quoi ce plat? Ben, en fait, ça s'appelle une tarte soleil apparemment. Et en gros, tu sais, c'est un peu comme un friand. Et dedans, c'est de la sauce tomate, tu vois. Voilà. Chapitre 496, Mangrove groove à fond. Qu'est-ce que c'est que ça, genre? C'est quoi ce nom? Pourquoi tu rigoles? Parce que moi, je sais ce que c'est, et ça me fait rire de devoir... Non, mais c'est quoi ce vieux nom, genre? Oui, j'avoue, c'est bizarre. C'est quoi ce vieux nom de marécage, genre? Le Cipinagne sans le sou à Saint-Poplar. La cité de la reine du printemps. Ah, elle est toujours dans les vapes. Hein. Oh, par contre, en vrai, ce qui me fume, c'est de me dire que là, tu sais, il y a quand même du temps qui s'est écoulé, quoi. Et tu te dis, il est toujours dans les pommes, quoi. En fait, tu te dis, mais Luffy, il l'a frappé tellement fort qu'il est dans les vapes encore maintenant, quoi. Enfin, c'est une dinguerie, je trouve. Merci Gotagachewish pour le follow, merci beaucoup. Une mangrove, c'est un endroit où des arbres poussent dans l'eau. Mais c'est pour ça que je te parlais de marécage, tu vois. Parce que mangrove, moi, ça m'a fait penser à ça. Enfin, je sais plus que si on dit mangrove ou enfin le nom, comment on l'appelle. Mais moi, mangrove, ça me fait penser au marécage parce que je revois les arbres qui poussent dans l'eau comme ça, tu vois. Mais je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est bizarre, genre. T'as dit mangrove. Non, mais enfin, en fait, la prononciation, je me rappelle plus comment on dit, mais je me rappelais que c'était un truc style marécage, sinon j'aurais pas dit le mot marécage, tu vois. Un vrai délice. Je vous l'ai bien dit, les takoyaki d'Octi sont les meilleurs du monde. Ah, ils sont repartis, là, du coup. Ok. En fait, attends, mais il y a eu aucune transition. Genre, il n'y a eu aucune transition entre le moment où il s'est fait exploser la tronche et... Ouais, j'avoue, One Piece Z. Il n'y a eu aucune transition, genre. Genre, tu vois Duval qui se fait exploser la tronche et après, tu les vois, ils sont en pleine mer. Genre... Ah ouais. Oui, je me doute, tu vois, que la timeline n'est pas pareille, tu sais, dans les mini-aventures. Mais, en fait, pour moi, le fait qu'ils arrivent à cette ville et qu'ils soient encore, entre guillemets, dans les vapes, c'est que vraiment, il a frappé ultra fort, tu vois. Ok. Pas One Piece 7, car ils sont juste partis. Ouais, mais tu sais, genre, on aurait pu le voir à leur départ. C'est pour ça que j'étais là en mode, what, c'est passé quoi, genre? Je n'arrive pas à m'arrêter, c'est trop bon, je vais tous les manger. Je reconnais qu'ils sont exquis, tout est dans la sauce. Une échoppe flottante, c'est d'un chic. Je n'ai jamais eu l'occasion de goûter quelque chose d'aussi bon, je suis comblé. Mes frères, c'est un squelette qui bouffe des takoyaki, quoi. Ceux-ci sont saveurs bouillons, et ceux-là sont fourrés au riz. Allez-y, mangez jusqu'à plus faim, c'est moi qui régale aujourd'hui. Je peux bien faire ça pour vous remercier de nous avoir sauvés. Mais en vrai, par contre, ça me fume à quel point t'as l'impression qu'il s'est amendé de zinzin, quoi. T'as limite l'impression que c'est devenu un goat. T'as limite l'impression que c'est devenu un personnage, mais trop gentil et tout. Alors que tu te dis, à la base, c'était le second Darlon, quoi. C'est ouf, en vrai. Et toi, Nami, qu'est-ce que tu en penses? Tu apprécies? J'ai l'impression qu'elle a encore une dent contre lui, tu vois. Avoir autant de bras, c'est le rêve d'Oda. Ah oui, c'est Kurobi, pardon, ouais, le second, effectivement. Tu penses peut-être que la qualité de ta cuisine me fera changer d'avis à ton sujet. Tu imagines que je vais te pardonner? Non, bien sûr que non, ce n'était pas dans ce sens-là. Je voulais juste savoir si c'était à ton goût, je te jure. Ça se mange sans fin, j'en raffole. En vrai, par contre, je pensais qu'elle allait lui en vouloir plus longtemps. Je pensais vraiment qu'elle allait lui en vouloir plus longtemps, parce que je me suis dit, ouais, quand même, tu vois. Quand même, bon, ah, ce qui s'est passé à Long Park, on va pas se le cacher, c'était quand même un peu violent, quoi, tu vois, pour un ami, genre. Ouais, en vrai, je pense qu'elle lui en veut encore un peu, à mon avis. Peut-être qu'elle le cache, tu vois, mais...
Ah, c'est tellement de choses qui lui arrivaient, tu te dis... vraiment, tu es sérieuse? Mais regardez les trois compères, là. Regarde-moi ça, là. Les trois compères, là. Ok, les amis, faites-vous plaisir autant que vous voulez. Dans ce cas, t'as intérêt à tenir le rythme parce qu'on va pas laisser une miette. Et la sirène, j'en prendrai bien, moi aussi. Oui, tout de suite. Et le poulpe, qu'est-ce que tu mets dans ta sauce? Il s'agit d'une recette secrète qui se transmet depuis des générations entre vendeurs de takoyaki. Après, Octis, c'était clairement pas le pire. Ah oui, clairement. Ah ça, je suis d'accord, c'était vraiment pas le pire, hein, tu vois. Mais tu te dis, bon... Voilà, quoi, tu vois... Octi a toujours été gentil avec El Hunter. Bah, après, on n'a jamais trop vu Octi et Nami fricoter ensemble à Arlong Park, tu vois. Ils se sont pas trop parlé ou quoi. Donc, on connaît pas trop comment il était avec elle, mais... Tu sais, il était du côté d'Arlong, tu vois. Il la défendait pas non plus, tu vois, genre... Hachi, c'était un peu l'idiot qui faisait que suivre le groupe. Une sauce à l'humain. Ah, quelle horreur. Et vous là-bas, mes jeunes amis. C'est qui? On dirait la voix des gens de tout à l'heure. Mais par contre, tu vois, regarde, là, ils mangent sur le Sunny. Ils mangent pas là. Alors qu'il y a au moins un tabouret de libre. J'ai un peu l'impression, tu vois, que genre... ça, c'est le camp de ceux qui ont pas pardonné. Mais après, c'est con, parce que du coup, bah, Franky, il l'aime bien, tu vois. Je sais pas pourquoi il mange là. Bon, bref. Attendez, vous ne pouvez pas partir sans dire au revoir. C'est moi, beau gosse? Ah non, que dis-je? C'est moi, Duval? La non-transition. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de transition. Attends, mais... Mais il a été faire de la chirurgie esthétique. Mais même la coupe. Rappelle-toi Wanze. Oh putain, oui. Attends, Wanze, il n'y avait pas un truc où il s'était fait fracasser la gueule par Sanji? Et quand il s'était fait fracasse la gueule, ça lui avait fait un visage stylé? Mais attends, mais du coup, c'est un pouvoir de Sanji, en fait. L'expression de se faire refaire le portrait... Ah, oh, c'est incroyable! Mais j'avoue, c'est l'expression se faire refaire le portrait, en fait. Rappelle-toi le nom des attaques de Sanji. Attends, il a dit bouche, pied, machin. Donc, en fait, Sanji, quand il frappe quelqu'un... À la tête, il lui refait le visage, en fait. Je ne l'aurais pas reconnu, tiens. Je me suis permis de le relooker. Comme ça, au moins, on ne l'entendra plus se plaindre. Non, mais par contre, mais c'est incroyable. Non, mais Sanji chirurgien, ses heures perdues, en fait, tu vois. Sanji chirurgien, ses heures perdues. Ok. Merci pour les travaux, Sanji. Ah ouais, mais... Non, mais... Pff. Non, mais franchement, mais... Le gars a toutes les compétences du monde, quoi. Mon cher Jambe Noire, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai repris connaissance après ta correction, et que je me suis regardé dans la glace. Grâce à toi, je suis devenu un véritable Apollon. Je me suis trouvé beau à ravir. Désormais, toutes les filles se retourneront sur mon passage. Je peux enfin dire que je vois la vie en rose. J'aurais aimé rentrer de ce pas dans ma région natale pour y passer du bon temps, mais j'ai réalisé que j'aurais fort mauvaise conscience le premier jour à mon réveil si je ne m'acquittais pas de ma dette envers mes bienfaiteurs. Vous n'avez encore jamais parcouru cette mer, n'est-ce pas? S'il y a la moindre chose que nous pouvons faire pour vous, n'hésitez surtout pas à nous en faire part, nous nous exécuterons. Entraîne-toi avant de faire des clins d'œil. Tant mieux si ton nouveau visage te plaît. Le seul service que j'aimerais te demander, c'est de disparaître à tout jamais. Oh le bâtard. Oh putain. Oh le chassé qu'il lui a mis là.
Ouais, c'est cool, frérot, c'est cool. Mais en fait, tu peux me rendre un grand service, c'est tu fermes ta gueule et tu dégages. Voilà, merci. Ah non, mais... Oh putain, la malveillance. Mais en vrai, Sanji et Zoro, c'est... Pour ça, ils sont terribles. Sanji et Zoro, ils sont tellement crus des fois dans ce qu'ils disent, c'est ouf. Il peut même te faire pousser des cheveux avec son coup de pied, ça, c'est dingue. Tu m'écoutes quand je te parle, hein? C'est marrant. Qu'est-ce que j'aimerais chevaucher un cheval blanc? Chef, il vous parle, écoutez-le. Oui, que disais-tu? Que tu me trouvais beau? J'ai jamais dit ça. Oula. C'est très embarrassant, ce baiser que tu m'envoies me va droit au cœur. Je ne t'ai pas envoyé de baiser, je suis juste la sauce que j'ai sur la bouche. Il faut arrêter de prendre tes rêves pour des réalités. Miroir, oh mon beau miroir, à ce moment le plus beau des hommes. Il n'y a que deux réponses possibles. Oh là là. Là, c'est bon, ça va devenir un... Comment on appelle ça, là? Les... Hein? Non, pas ça. Les mecs qui sont comme lui, là. Les pervers... Pas pervers narcissiques, mais les mecs qui sont ultra narcissiques, là. Mais je suis sûr, vous avez déjà vu des épisodes de Tellement Vrai sur ça. Genre, ça passait partout en... Tu sais, sur... À l'époque, sur Facebook, t'avais plein d'extraits de Tellement Vrai avec des gens comme ça, là. Des gens ultra narcissiques, tu sais, qui genre... Il y a que eux dans leur vie, t'sais. Ils sont là en mode, ils se regardent dans le miroir toute la journée et tout. Ah, mégalo, ouais, c'est ça. Ah, c'est terrible. Mais franchement, je crois que ça vient du mythe de Narcisse, je crois, non? De mémoire, je crois, c'est ça, hein. Ça vient du mythe de Narcisse, et le personnage, il faisait que se regarder dans le miroir, je sais pas quoi, là. Des gens Kevin... Le gars qui pense qu'il a la 8ème merveille du monde. Mais vous vous rappelez pas d'un gars dans Tellement Vrai qui genre, il était un peu, je crois, brun et tout, yeux bleus. Oui. Et genre le gars, il était là en mode, il disait qu'il était trop parfait, que je sais pas quoi. Vous vous souvenez ou pas? Mais en plus, il était moche. Mais en plus, enfin, ouais. Il était pas terrible. Ouais, t'étais pas là en mode, waouh, il est incroyable, tu vois. Je me rappelle de ce gars là, qui était là en mode, ouais, je suis trop beau, il disait. Je suis trop beau, du coup, les meufs ne veulent pas de moi, je suis trop beau pour ça. Mais en plus, moi, ça, il m'avait fumé de rire parce que... il m'avait fumé de rire parce que le gars, il avait fait une explication scientifique, tu sais. Genre, en mode, il avait expliqué scientifiquement que quand tu es trop beau, eh ben, tu les subjugues tellement par ta beauté qu'en fait, elles te voient comme quelqu'un d'inaccessible et du coup, elles n'imaginent même pas que tu puisses aller avec elles, tu vois. Et que c'est pour ça que quand tu es trop beau, ça te dessert. Mais le mec, il était dans son monde, tu sais, genre en mode dans sa doctrine, t'étais là, mais waouh, waouh, waouh. Le métis yeux bleus, oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Et il avait été recadré par les agences de mannequinat, exactement. Tu te souviens pas de Michael Vendetta, c'était un des premiers à faire ça. Ouais, mais Michael Vendetta, dans l'idée, il y avait un peu un côté troll, tu vois. Genre, en fait, c'était... Le mec, il savait, je crois que j'ai vu une interview de lui, mais il y a pas longtemps, mais récente, tu vois. Et il avait expliqué qu'en fait, il faisait exprès, enfin, bon, ça se voit, hein, Michael Vendetta, ça se voit qu'il faisait exprès, tu vois. Mais lui, ça se voyait, il y avait un côté un peu troll assumé, tu vois. L'autre, il était vraiment sérieux, tu vois. Genre, en mode, il était à fond là-dedans, quoi, tu vois. Pour un faible trop beau, non, mais c'est ça, c'est terrible. Il s'est dit, fils de Dieu. Oh, non, mais c'est terrible, hein. David, ouais, je crois qu'il s'appelait peut-être David, ouais. La vidéo, c'est ma beauté, est un handicap tellement vrai. Oh non, mais c'est une dinguerie. Il y a des gens, je vous jure, ils sont fous. Ils sont vraiment fous. Le mec, il a le théorème de maths en mode, ouais, je suis trop beau, du coup, les gens me veulent pas. Ah, ok, d'accord. T'es peut-être devenu beau gosse, mais ça ne t'a pas rendu plus intelligent. Tu es jaloux? Pas du tout. Laisse tomber Usopp, ce type est complètement timbré, tu ne fais pas le poids. Le mythe de Narcisse, en gros, c'est un gars qui était censé marier la fille d'une déesse et lui lancer un sort qui fait qu'il verrait un reflet, serait subjugué par sa beauté. Du coup, une fois, il est mort en regardant son reflet dans l'eau. Et moi, il me semblait qu'il y avait un truc avec le reflet, ouais, dans le mythe de Narcisse, effectivement. Oui, oui, en plus, t'as raison, Rena, il disait qu'il trouvait pas de taf parce qu'il était trop beau, ouais. Je me souviens de ça, il avait dit ça, ouais, qu'il disait qu'il y avait un délit de faciès. Il y avait un délit de faciès parce que les recruteurs le trouvaient trop beau et du coup ils voulaient pas le prendre. Ah, frère, c'est le déni 404 à ce niveau-là. C'est le déni 404. Non mais tu comprends, le recruteur il a dit que j'étais trop beau.
Il a dit que j'étais trop beau, donc tu vois, il s'est dit, il va me faire de l'ombre dans l'entreprise. Non, il peut pas me prendre. C'est normal, il peut pas me prendre. Aïe aïe aïe. En général, c'est l'inverse. Bah, surtout que l'inverse est totalement vrai. Hein. Honnêtement, les gens, on va parler français. Hein. Le délit de faciès à l'inverse, donc quand en gros t'es pas pris parce que le recruteur il est là en mode t'es pas assez beau, c'est totalement vrai. Hein. Genre, et pour le coup, je connais des gens qui genre. Ouais. Ah la bâtarde, non mais ça va aussi là. Je connais des gens qui genre soit bossent en bijouterie. Genre tu sais dans les bijouteries, je sais plus comment elles s'appellent, la bijouterie là, pas loin de chez nous là. Mais en gros je connais des gens qui bossent en bijouterie ou quoi. Et ils m'ont dit, dans les bijouteries, mais vraiment, mais tout le temps, tu verras jamais quelqu'un de moche. Mais c'est réel hein. Vraiment les gens, je vous jure, les bijouteries vous ne verrez jamais quelqu'un de moche. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'avait expliqué, qui m'avait dit, mais là-bas, ils disent rien, hein. Bien sûr, ils peuvent pas l'affirmer, tu vois. Mais genre, t'es ultra recruté sur ton physique, hein. Mais en mode, c'est limite, ça passe avant tout, quoi, tu vois. Swarovski, exactement, j'ai dit, c'est exactement ça. Swarovski. Genre, la bijouterie Swarovski, c'est hallucinant. Je vous jure, c'est un truc de fou. Mais tous après, ouais, tous. Les politiques sont moches, ça les empêche pas de faire carrière, mais parce que là, c'est pas pareil. Là, faut être méga, manipulateur, quoi. Aussi, les stewards, bah ouais, tu vois, voilà, pareil. Hein. En vrai, c'est horrible, genre. C'est... Tu sais que t'es des critères physiques, quand tu fais du mannequinat, bah, frère, c'est la définition du métier, c'est normal, tu vois, genre, dans l'idée. Mais au bout d'un moment, quand tu vends des bijoux, bon... Parce que vraiment, t'as besoin d'être un Apollon, quoi, tu vois. Tenez, mes chers, ceci est mon numéro d'escargophone. N'hésitez pas à faire appel à moi, je saurais me rendre utile. Je vous ai causé bien des ennuis. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. En route, les amis, faites place à la vie en Rose Riders. Oui, beau gosse. Bon débat. Quel repas, je me suis régalé, un vrai bonheur. Et vous savez que ça c'est exactement moi il y a 2 jours, parce qu'on a fait une raclette. J'étais exactement comme ça, sur le canapé après. Et toi, t'as pas le droit de rire. Moi, j'en ai fait 2. Merci à vous, chef, j'ai passé un excellent après-midi. Je suis content d'avoir pu goûter à mes premiers takoyaki. Veuillez m'excuser. Burp. Non mais Brooke, par contre, c'est trop grave à quel point il se sent trop à l'aise. Merci Christan pour le follow, merci beaucoup. Du coup, madame 404, te trouve pas BG? Eh non. Eh non, elle me trouve pas BG. Je me prends en photo devant une bijouterie pour réfuter ta théorie. Vas-y Kirox. Vas-y. Fais-le. Ah putain, non mais... Franchement, Brooke, ok, tu vois, il est trop cool, mais il se sent un peu trop à l'aise, en fait, tu vois. Genre, en vrai, tu fais ça quand t'es chez toi, tu vois, mais devant tout le monde, c'est un peu chaud. Espèce de gros porc, tu pourrais te retenir. Les membres de l'équipage ont tous un appétit doc, je suis épuisé. 6 bras de plus n'auraient pas été de refus. Tu as bien travaillé, Octi, je crois qu'ils étaient tous très contents. Dans ce cas, moi aussi, je suis comblé. Qu'est-ce que c'était bon. Je ne peux plus rien avaler. Non mais regarde-les. Regarde-les. Ils sont énormes maintenant, quoi. Tu n'as pas lu le prout. Ouais, t'inquiète que je l'ai vu, hein. Ah oui, non mais vous inquiétez pas, hein, j'ai vu, hein, que... Il a sorti par tous les orifices, Brooke, hein. Littéralement. Octi pardonné, j'avoue. Octi a fait un bon repas. Il est pardonné. Eh, le poulpe, l'étoile de mer. Et ma petite Kimi adorée. Venez donc vous reposer sur le pont. Je vais vous servir le thé. Tu es sûr? Ce thé est délicieux. Nous suivons le bon itinéraire. Nous nous dirigerons droit vers l'archipel des Sabaudis. Ah, mais moi, je pensais qu'on y était déjà, moi, en fait. Non, ils avaient dit que c'était 5 km. Moi, je pensais que l'archipel des Sabaudis, ça englobait un peu tout l'endroit avec plein d'îles, tu vois. Ah, on n'y était pas encore. Ok. En fait, Sabaudi, ça a techniquement pas encore vraiment commencé, en fait.
tu vois des îles. Ouais, mais non, mais tu vois, quand tu dis une archipel, tu sais, tu prends en compte un peu... Pas que les îles, tu prends en compte l'alentour, tu vois, enfin... Ouais, c'était un peu un arc de transition dans l'idée, quoi. J'ai l'impression. On est obligé de passer par là pour aller sur l'île des hommes-poissons. Oh, et tout de suite les flops, là. Eh, c'est même pas un vrai flop, en plus, techniquement. Nous, les sirènes et les hommes-poissons, nous pouvons plonger pour l'atteindre directement. Mais vous, les humains, si vous descendez à cette profondeur, vous mourrez à cause de la pression. Oui, même le sous-marin n'y est pas parvenu. Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous semblez ne rien connaître du coin, je crois qu'il va falloir un petit cours de rattrapage. Et devinez qui va s'en charger, je vous en donne en mille. C'est moi. Mais lui, il me fait mourir de rire, quoi. Le fameux arc troll. Bah, au final, c'est l'arc de transition, en fait, qui est un peu troll, tu vois. C'est vrai que ça m'a étonné au début, genre. Pour moi, c'est le préquel de Sabaody. Bah voilà, en fait, moi, pour moi, Sabaody, maintenant, pour moi, ça n'a pas tellement vraiment commencé, quoi, dans l'idée. Ah, du lore 404, ça m'avait manqué, ça. Du lore 404, je vous avoue, ça m'avait manqué un peu. Tout d'abord, sachez qu'il existe deux routes permettant d'accéder au Nouveau Monde. Mais dans votre cas, puisque vous êtes des hors-la-loi, vous ne pouvez en emprunter qu'une seule. Bon. Je suppose qu'il y a une route qui passe par Marineford. Enfin, je suppose. Ouais. Parce que bon, vu que vous êtes derrière là, vous pouvez en emprunter qu'une seule. Ça pue. Voilà, pas se le cacher. Pour la simple et bonne raison que pour prendre la première, il faut demander l'autorisation au gouvernement mondial et traverser ensuite la Terre Sainte de Marie-Joie, la cité qui se trouve au sommet de Redline. Et en plus, vous m'avez dit... Mais non, mais en plus... Mais c'est pas Marineford, flop. Mais... Ouais, mais... Non, mais y a pas de flop qui tienne. La dernière fois, je pensais justement que Marie-Joie était éloignée de Marineford. Et en fait, apparemment, c'est collé. C'est juste à côté. Donc tu peux rien dire. Mais non, mais comment ça, flop? Mais vous êtes des ouf. Mais vous êtes des ouf. Mais vous êtes des... Mais... Vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Vous êtes des DiCaprio. Mais en plus, la dernière fois, c'est vous qui m'aviez dit... Que Marineford était collé à Marie-Joie. Que moi, je pensais que c'était l'inverse. T'as rien compris. La dernière fois, j'étais là en mode, c'est éloigné, tu vois. Genre, en mode, Marie-Joie et Marineford, c'est éloigné. Et genre, tout le monde m'avait dit, ouais, flop et tout. Genre, c'est le même endroit, entre guillemets, tu vois. Et là, vous me dites l'inverse. Mais les gens, mais... Non, alors, soit c'est moi qui dis mais full chiasse, soit c'est moi qui suis rincé, soit vous êtes en train de me troll, mais de me troll x2 en fait. Personne ne t'aime sauf moi, Under 404, Marion, nous refaisons notre vie ensemble. Vas-y, ça me va, mais c'est Kirwax, ça me va. C'est toi qui flop. T'avais dit qu'il y avait une erreur de trad là-dessus justement, ah ouais? Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi les gens m'avaient balancé des flops alors? S'il y avait une erreur de trad. S'il y avait une erreur de trad et qu'au final les gens me balançaient des flops, dans un sens, ça voulait dire que j'avais raison. Donc pourquoi me balancer des flops quand j'avais raison à cause d'une erreur de. Enfin, que j'avais, entre guillemets, raison, mais tort à cause d'une erreur de trad et maintenant l'inverse? 404, ton problème, c'est que tu lis que les trolls à chaque fois. Mais oui! Totalement! Accepte ton flop avec dignité! T'es rincé quand tu finis ta sieste. Bon, en vrai, ça joue un peu, je pense. Mais tu avais lu dans un des précédents scans, mais c'était une erreur de travail. Mais non, mais genre, vraiment, je me rappelle que vous m'aviez dit, ouais, non, c'est pas le même endroit, c'est le même endroit et tout, genre. Justement, je vous avais dit que pour moi, Marineford, c'était un port, en fait. Et la preuve, je vous avais dit la dernière fois, pour moi, Marineford, c'est un port. En mode, vu que c'est la marine. Si le quartier général de la marine n'a pas un port, frère, ça n'a pas de sens. C'est genre. La marine, il leur faut un port pour les bateaux, tu vois. Et en fait, quand je voyais Marie-Joie, machin, là, à chaque fois, je voyais des collines et tout, tu vois. Donc je me disais, c'était pas pareil, c'était pas le même endroit. On n'a jamais dit que c'était le même endroit. Mais je. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis fou de rincé. Mais je suis persuadé justement que le chat était là en mode flop 404, en mode ah non, c'est le même endroit. Et donc, bah, après, d'après ce que vous dites, c'est une erreur de traduction, du coup. Non, là, je sais pas. Je sens que là, il y a un troll qui se trame, là. Ils sont juste malveillants, mais oui!
Je ressens une malveillance 404, en fait. Mais non, par contre, en vrai, je pense que Elias a raison. Je crois qu'il y a vraiment eu un quiproquo, pour le coup. Je pense qu'il y a vraiment eu un quiproquo. Parce que là, ça me semble trop bizarre, genre. C'est sûrement ça, tu es tellement flopesque que le problème vient probablement de toi. Non, je pense qu'il y a vraiment eu un quiproquo, en vrai. Non, mais c'est sûr. Et là, vous essayez de me faire retomber la faute dessus. C'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Vous doutez bien qu'on ne permet jamais aux pirates d'y passer. Et les gens qui traversent Red Line à pied, que font-ils de leur embarcation? Ils l'abandonnent et en achètent une autre de l'autre côté. Ah oui! Quoi, ils abandonnent leur navire? Oui, cela coûte cher et les démarches pour obtenir l'autorisation demandent du temps, mais c'est le moyen le plus sûr. Mais vous allez pouvoir traverser à bord de votre bateau, en empruntant la route sous-marine qui passe justement par l'île des hommes-poissons. Ah! Ok! Oui, mais alors attends. Ça veut dire que quand t'es en hors-la-loi, t'es obligé de passer par l'île des hommes-poissons, du coup. Parce que un mec comme Shanks avec son navire, qui a voulu aller sur... Parce que techniquement, je crois que Shanks est de l'autre côté, il est sur le Nouveau Monde. Ça m'étonnerait que Shanks y soit allé toquer à Marie-Joie en mode... Eh, salut. Genre, j'ai besoin de passer. Ou même Barbe Blanche, tu vois. Donc en fait, ouais, mais par contre, ça c'est grave cool comme info. C'est grave cool parce que ça veut dire que tous les gros pirates bien recherchés, ils sont tous passés par là, tu vois. Ça, c'est grave cool à savoir. Non mais en vrai, t'imagines, t'as Barbe Blanche et Shanks, ils sont là, ils toquent à Marie-Joie en mode... Eh, hey, oh, on voudrait passer, s'il vous plaît. C'est possible. L'exemple de fou. En vrai, je pense que les Shichibukai, ils peuvent, tu vois. Mais... L'ennui, c'est que cette route sous-marine est extrêmement dangereuse. Kemi, tu m'as coupé la parole. La plupart des équipages qui l'empruntent sont dévorés avec leurs bateaux par des monstres marins et autres créatures des profondeurs. Tout compte fait, je crois que j'ai plus trop envie d'aller sur l'île des hommes-poissons. Moi non plus. Attends une minute, Kemi, tu as bien dit que les bateaux aussi étaient avalés. Mais quel genre de bateau peut naviguer sous l'eau? Celui-ci par exemple. Non, là, si tu te trompes, le Sony n'est pas équipé pour la plongée sous-marine. Oui, mais ça ne fait rien, vous verrez, en fait, sous cette muraille qui fait le tour du monde, il y a un tout petit passage par lequel on peut passer. Pas si petit que ça, remarquez, pour nous, il est immense. C'est là que se trouve l'île des hommes-poissons. Ok. Ils peuvent être nés dans le Nouveau Monde aussi, comme Lola. Bah, ouais, mais pas Shanks. Shanks, techniquement, il est forcément pas parti de là où était Luffy. Et du coup, il est allé dans le Nouveau Monde, tu vois. Donc Shanks, pour moi, c'est obligatoire, en fait. On a vu Doflamingo, Kuma et Mihawk à Marie-Joie. Ouais, mais du coup, vu que eux... C'est des corsaires, ils ont des laissés-passer, tu vois. Genre, pour moi, ils font un peu ce qu'ils veulent. Genre, ils peuvent passer en mode salut la compagnie, tu vois. Tranquille, quoi. Mais un mec comme Shanks ou Barbe Blanche, je pense que il toque à Marie-Joie. Je pense qu'à mon avis, ils sont tous là en mode Anjou, tu vois. Genre, on le tient, quoi. Shanks l'a dit qu'il venait de Whis Blue Air. Bah, de toute façon, on l'a vu au début du manga, tu vois. Donc, elle est juste en dessous de Marie-Joie. Pour l'atteindre, il suffit de plonger à 10 000 mètres de profondeur. Ça vaut le détour. Ma mémoire joue des tours où la distance qui nous séparait de l'île céleste était aussi de 10 000 mètres. Je crois qu'il a raison en plus. Je crois qu'il a totalement raison par contre, Zoro. Je crois que Skypiea c'était 10 000 mètres d'altitude, de mémoire. Et en vrai par contre, je sais pas si c'est un hasard, tu vois, si c'est un peu un hasard en mode c'est à la même distance, tu vois. Mais je trouve ça incroyable. T'imagines, genre, il y a 20 km entre l'île des hommes-poissons et Skypiea. C'est une dinguerie. Il y a putain de 20 bornes, quoi. Shanks a dit qu'il venait de West Blue. Il était à East Blue avec Luffy. Ça ne veut pas dire qu'il fait des allers-retours. Ouais, mais le Nouveau Monde, du coup, t'es forcément obligé de entre guillemets, de... En fait, West Blue ou East Blue, c'est pas dans le Nouveau Monde, du coup, tu vois. C'est de l'autre côté, du coup, il a forcément dû trouver un moyen, tu vois. Oda voulait juste pas se prendre la tête. Ouais, en vrai, c'est possible. Zoro qui connaît distance, c'est fou, j'avoue. C'est inédit, ça.
Je ne vois toujours pas comment on va faire pour envoyer ce navire sous l'eau. Rien de plus simple, on le fera revêtir une fois qu'on sera sur l'archipel. Revêtir ? Regardez, on est arrivé. Ouah, c'est magnifique. Où est-ce qu'on est ? Il y a plein de trucs qui volent. Non, d'un squelette, des bulles. C'est tout simplement fantastique. Ah, mais c'est ça l'image que j'avais mis sur Twitter. Non, mais toi, tu mets des images, tu t'auto-spoil, ça, c'est grave. Bah, en fait, moi, tu vois, quand on m'a dit Archipel Sabaody, je me suis dit, bah, je sais pas, genre, tu mets une photo de l'île, tu vois. Tu mets une photo de l'île, pour moi. Genre, une photo de l'île, tu vas pas te spoil, tu vois. Bah, un peu, quand même. Bah, non, mais genre, Jaya, quand j'avais fait ma pub sur Twitter, pour le live, j'avais mis île Jaya, tu vois. Genre, tu t'en bats les couilles. J'ai mis île Jaya, t'es là en mode, je m'en branle. Si tu mets Jaya, ouais, tu vas te faire spoil. Donc, pour moi, en mettant île Sabaody, jamais j'allais me faire spoil. Je sais pas, moi ça m'inspire rien, mais bon. Une photo de l'île. Tu vois les mangroves, du coup, ouais. Ouais, c'est ça, quoi. En fait, c'est genre pas vraiment... Enfin, si, c'est une île, mais bizarre, genre. C'est risqué quand même. Bah, pour moi, tu vois, quand je tape le nom de l'île... Tu vois, je sais pas. Je me dis, bah, quand même, quoi, le nom de l'île, ça va pas me spoil, genre... Enfin, j'espère, quoi. Demande à quelqu'un de choisir tes images par pitié. Bah, en vrai, je pourrais demander à mes modérateurs, hein, en vrai. Ça évite que je prenne un potentiel spoil, mais pour l'instant, ça va, hein. Franchement, pour l'instant, globalement, quand je dois rechercher une image pour le stream, j'ai vraiment pas de souvenir de spoil ou quoi, tu vois, donc... Bon, tu t'es fait spoil, tu l'avais mis pareil sur plein d'autres trucs sur Skypiea, t'avais mis plein de gens que tu verrais après. Mais Moria, j'ai jamais vu avant Skypiea. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais jamais. Bah, en tout cas, y avait le mec dans Skypiea, là. Tu l'avais mis plein de fois sur tes images. Ah, mais parce que j'avais mis la cover du tome avec Ener. Mais franchement, pour moi, en fait, pour moi, dans l'idée, quand la couverture du tome, tu la vois avant de lire, donc en fait, bah, peut-être tu vois des personnages, mais tu sais pas qui c'est, quoi. Donc bon. Avec Marineford, ce sera trop chaud. Tu peux te faire spoil si tu mets le nom de l'île. Bah ouais, mais par exemple, tu vois, Skypiea, j'avais mis le. Pour le live, j'avais mis genre la couverture, donc tu sais, tu voyais Ener en hauteur, etc. Mais moi, pour le coup, j'avais mis l'image en mode. J'avais même pas regardé, tu vois. Mais c'est surtout pour moi, si tu mets une image de tome, bah tu sais, le tome en mode. Le tome il est pas censé te spoil, tu vois ce que je veux dire, genre. C'est ouf en fait. Tu vas le regretter un jour, Hunter. Bah après, je peux faire ça, hein. Si les modérateurs sont d'accord, je vais leur demander qu'ils le fassent eux-mêmes, enfin qu'ils me donnent les images. Mais pour l'instant, ça va, franchement, les gens. Pour l'instant, enfin je touche du bois, mais pour l'instant, ça va quoi, tu vois. Après, comme tu dis, peut-être que je vais le regretter plus tard, mais... Tu t'es fait spoil la Cité d'Or à Skypiea aussi. Je me rappelle plus. Je suis mort, tu te fais menacer, c'est trop ça. En tout cas, par contre, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Oui, non, mais en vrai, je peux faire ça. Je peux demander au modérateur de prendre les images à ma place. Hein. Mais pour l'instant, franchement... Bah, de toute façon, pour moi, quand il y a des personnages que j'ai pas encore vus, que je connais pas et tout, que je peux pas mettre leur nom, pour moi, je peux pas me faire spoil. Enfin, bref. Bienvenue sur l'archipel des Sabaody. Des bulles de savon. Comment ça, des bulles de savon, genre? Ouah, c'est immense, par contre. Oh, c'est immense, le truc, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Des bulles n'arrêtent pas de faire leur apparition de tous les côtés, comme si l'île les fabriquait. Il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça. Elles émanent bien de l'île. Tu peux être plus précise? Comment ça se fait? Je suis désolé de vous interrompre, mais que dit le logpose? Tu fais bien de me le rappeler, c'est bon, il indique toujours l'île des hommes-poissons. Mais il risque de changer de cap si on fait escale ici, non? Tu n'as pas à t'en faire pour ça, Nami. L'archipel des Sabaody est un rassemblement d'arbres sans aucun champ magnétique. Oui, voilà, donc c'est pas une vraie île, en fait, au final. T'as rien lu à droite. Ah si, tout ça, j'ai lu.
Tu veux dire que c'était pas une île à proprement parler. En fait, ouais, vu que c'est des... une mangrove, du coup, que c'est des arbres, c'est pas une vraie île, en fait. Le retour de Khalifa. Avez-vous déjà entendu parler du palétuvier, la principale espèce d'arbre qu'on retrouve dans les mangroves? Tu veux parler de cet arbre dont les racines émergent à marée basse? Merci Belsen pour les 6 mois d'abonnement, merci énormément. Salut Hunter, bonne soirée, bonne soirée à toi également. Et merci beaucoup. Oui, sauf que sur cet archipel, les racines ne sont jamais totalement immergées. Les arbres à mangrove qu'on trouve ici sont parmi les plus grands du monde. Quant à la mangrove elle-même, on l'appelle la mangrove groove à fond. Une mangrove qui balance. Ça donne la pêche comme nom, moi aussi j'ai le groove. Il est trop con. Il y a en tout 79 arbres. Chacun d'eux abrite une petite ville et divers équipements. À eux tous, ils forment l'archipel des Sabaodies. Putain, 79 arbres. Le lieu où se réunissent tous les voyageurs qui se rendent dans le Nouveau Monde. Le Groove 44 qui se trouve face à nous est une entrée réservée. On va essayer d'accoster un peu plus loin. Vu de près, ses racines sont encore plus grandioses. Merci Kirox pour le sub à Capitaine Rex. Attends, mais... mais Capitaine Rex est également un modérateur et lui aussi n'était pas sub à la chaîne. Il y a vraiment une conspiration. Il y a vraiment une conspiration. C'est incroyable. Non, mais je... suis mort. Merci Coco Lastico qui renouvelle son sub pour ses 6 mois. Puisque c'est la journée des resubs. Ah ben voilà. Coco, c'est également un modérateur, mais... mais il a son sub. Donc en fait, je vois qui veut me trahir et qui ne veut pas me trahir. Kiroa qui nous sape juste pour nous mettre dans la sauce. C'est tellement ça, putain. Les arbres aussi sont gigantesques et ses rayures, on dirait des bonbons. Ça y est, nous y voilà, c'est le Groove 41. Surtout, retenez bien ce numéro. Comme toutes les îles sont reliées entre elles par des ponts, si vous vous souvenez du numéro, vous ne serez jamais perdu. Ah putain, mais ils ont carrément fait... un système de reconnaissance avec des nombres et tout, genre. C'est des alertes qui me trahissent. Même avec ça, il y en a un qui va se paumer. Oui, ça c'est sûr. Pas la peine de me regarder. Par contre, alors, j'ai peut-être mal compris. Mais j'ai pas forcément... non, j'ai pas l'impression que ça a été expliqué. J'ai pas compris pourquoi t'as des bulles de savon qui montent, en fait. Genre, la fabrication des bulles de savon, je comprends pas trop d'où ça vient, mais... non, mais ça me dit pas comment elle les fabrique, en fait. Bon, je me doute que ça va être expliqué, mais... les bulles sortent du sol. Je me demande comment c'est possible. Quoi ? J'ai réussi à monter dessus. La chance. Les racines des arbres de la mangrove groove à fond sécrètent une résine spéciale. C'est tout gluant. Je suis pas sur moi. Quand elle respire, ses racines recrachent de l'air qui gonfle la résine et lui donne la forme de bulle. Tout ce paysage est donc parfaitement naturel. C'est incroyable. Le fil a l'air de s'éclater, mais c'est génial par contre. C'est vraiment génial. Tu n'es pas le streamer préféré de tes propres monos, mais t'as vu ça? Je me sens trahi. Je me sens vraiment trahi. D'ici, je vois un parc d'attractions. Venez, allons-y, on pourra faire la grande roue. Un parc d'attractions? Oui, c'est le Sabaodie Park. La grande roue, j'ai toujours rêvé de pouvoir y faire un tour. Ton rêve, mais pourquoi tu ne le réalises pas? Ne dis pas de bêtises, Kémy, tu sais très bien que c'est impossible. Oui, je sais. Moi non plus, je n'ai pas le droit d'y aller. Octi, tu pourrais nous rappeler la raison qui nous amène ici? Je croyais que tu parlais de revêtement tout à l'heure. Pourquoi elle pourrait pas faire la grande roue, genre? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la grande roue, en fait, genre? C'est parce que t'as des nageoires? Merci, Capitaine Rex, pour les 3 subs offerts à la communauté! Let's go! Merci, Captain! Bon, ça va, en vrai, Captain s'est rattrapé. Captain s'est rattrapé, ce n'est pas un traître. Il ne conspire pas. Il ne conspire pas pour prendre possession du Discord. Mais d'ailleurs, vous savez que j'ai une anecdote à propos de ça. C'est que pour le 1er avril,
avec les modos, on avait, ils avaient eu une idée. Et en fait, c'était Capitaine Rex, en gros, qui devait faire le rôle du méchant. Et en fait, l'idée, c'était de faire croire que le Discord avait été piraté et remanié par Capitaine Rex, du coup. Et en fait, Capitaine Rex, faut savoir que c'est un fan hardcore de Star Wars, en gros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 1er avril, on a fait croire aux gens que Capitaine Rex, il avait pris ma place, tu vois, dans le Discord, qu'il avait renommé le Discord, je sais plus quoi, enfin, Star Wars, machin et tout, et qu'il dit, il avait dit, voilà, il avait fait un long message en mode, voilà, j'ai pris possession du Discord, j'ai banni Hunter 404 et les autres modos et tout, et genre en mode, ça sera maintenant un Discord Star Wars, genre les gens, ils ont pété un plomb, ils m'ont envoyé des messages de partout, j'en étais là, wow. Ah, c'était incroyable. Hardcore est un pauvre mot. Ah oui, ouais. Nous sommes venus rendre visite à un artisan revêteur afin qu'il enduise votre navire de cette résine spéciale. En bref, ce qui vous permettra de naviguer sur la sous la surface de la mer. Quoi, t'es sérieux? C'est le seul et unique moyen pour les humains de rejoindre l'île des hommes-poissons. Mais il faut faire attention à ne pas tomber sur un amateur. Sans quoi votre embarcation ne résisterait pas à la pression et s'en serait fini de vous. Je ne fais confiance qu'à un seul homme pour ce genre de travail, je vais vous conduire à lui. On a beau dire, ce poulpe est un brave type. Ou un brave poulpe. En échange de quoi, je veux que vous me fassiez une promesse. Oui, laquelle? En ville, il se peut que nous croisions des membres de la noblesse mondiale. Des quoi? Il s'agit des habitants de la Terre Sainte de Marijoie. Mais genre... Et alors? Une fois que nous serons en ville, quoi qu'il arrive, vous devez me promettre de ne jamais vous opposer à eux. Même si quelqu'un se fait tuer juste sous vos yeux, vous devrez faire comme si de rien n'était. Alors, ça, c'est un peu beaucoup leur demander, je pense. Je crois que c'est un peu beaucoup leur demander. Hein. Si quelqu'un, il meurt devant leurs yeux, je pense qu'ils vont pas rien dire. Hein. Oh, par contre, eh, quand tu vois à quel point Octi, il a peur. Il a peur de la noblesse. Noblesse, hein. Mondiale. Oh, c'est chaud. Mais par contre, attends, mais à quel moment ces vieux gars là de Marijoie, ils viennent à Sabaody se balader et tout, tu vois? Genre d'où ils viennent là en fait, barrez-vous quoi, tu vois? Sabaody Arc Troll, on rappelle, mais je pouvais pas savoir. C'est un peu du foreshadowing, ils croient que les chapeaux de paille peuvent respecter des instructions aussi claires. Ah non, c'est pas possible, je peux pas respecter ça. Hein. Oh putain. Mais jamais, mais c'est sûr qu'il va se passer un truc. Il va se passer un truc qui va faire qu'ils vont être dans la merde, c'est obligé. C'est obligé, genre. Juste le fait qu'ils disent tenez-vous à carreau, tu sais très bien que ça va partir en couille. C'est obligatoire en fait. Sinon il n'y aurait pas d'arc en fait, tu vois. Incroyable les dingueries monumentales qui nous attendent à partir de maintenant. Alerte au poulet. Ah let's go, tio, ça va. Ok, chapitre 497. Aventure sur l'archipel des bulles. Souvenir de ma mère, Kumadori lève des fonds pour soigner son ami. Attends quoi? Le gars, il est en train de faire la girouette en ville pour gagner un peu de thunes pour aider Lucci. Ah ouais. Ok. Ça marche. Merci Arthurus Rex pour le sub offert, merci énormément, mon frérot, merci beaucoup. Devine ce que je viens de m'acheter. Tu t'arrêtes au combien aujourd'hui, Hunter? On a commencé au 495, donc normalement, vu qu'on a le chapitre supplémentaire, on s'arrête au 499, normalement. Oui? Devine ce que j'ai acheté. Je sais pas. Un pull de Noël. Non mais, une gamine, je vous jure, c'est une gamine. C'est une gamine. Je sais pas. Un film de Noël. Non mais je vis avec ça, hein. Vraiment, c'est très grave. Hein. Moi, je t'ai apporté la joie et la bonne humeur. C'est vrai, c'est vrai. Et des flops aussi. Oussa, Frankie, vous ne quittez pas le bateau. Tous les autres sont sortis en ville. Bon, moi, j'en profite pour faire quelques réparations. Le Sunny a un peu morflé durant le combat de tout à l'heure. Et moi, je vais lui filer un coup de main. On n'aura qu'à sortir tous les trois une fois que tout sera terminé. Cette île a l'air vachement sympa. Désolé, mais je serais sans doute parti avant, les gars. J'attends que quelqu'un revienne pour aller faire les courses. Pourquoi ça?
pour rassurer ma Nami chérie. Attends, il faut impérativement que tu ailles au chapitre 500. Meilleure conclusion pour le live. Vous êtes sûr de vous, là? Est-ce que vous êtes sûr de vous, genre? Parce qu'en plus, je suis encore un peu la tête dans le cul, là. Vu que je me suis réveillé il y a pas longtemps. J'ai le droit de craquer, s'il te plaît. En vrai... Je peux mettre le chauffage. Oui, vas-y, vas-y. Merci. Et genre, en vrai, je me dis, est-ce que c'est pas mieux, justement, si à partir du 500, c'est incroyable, c'est peut-être mieux que je commence au 500 mardi, non? Je pense que c'est peut-être mieux que je commence au 500 mardi. Tu fais comme tu veux. Les deux sont bons. Parce que pour moi, je trouve que c'est plus sympa, tu vois, quand vraiment il y a un banger. Je trouve que c'est plus sympa de commencer, tu vois, le stream avec ça, genre. C'est la fin du 500 qui est incroyable. En vrai, je pense que... Même si c'est mieux que je commence au 500, tu vois, dans l'idée, je vous aurais écouté, je me serais dit, bon, allez, ça va leur faire plaisir et tout. En vrai, je pense que, tu vois, le fait que ça puisse être cool que je commence au 500 mardi, et qu'en plus, genre là, tu vois, je suis un peu la tête dans le cul et tout, je pense que dans l'idée, c'est peut-être mieux que je commence au 500 mardi, je pense. La conclusion du 500 va te mettre en bouche. Celle du 499, pas ouf. Mais le truc, c'est que si on fait un vote, je sais très bien ce qui va se passer si on fait un vote. Commence par le 500 mardi, ce sera le poulet 404. Mais je pense aussi, tu vois. Je pense que commencer le live par le 500, ce serait incroyable, moi, je pense. Nah, en vrai, je pense qu'on va faire ça, les gens. Exceptionnellement, d'habitude, je cède. D'habitude, je cède et en général, je vous dis, bon, allez, vas-y, on le fait et tout, tu vois. D'habitude, je cède. Je pense, je sais pas pourquoi je le sens. Je le sens que si vous avez l'air de dire qu'à partir du 500 c'est une dinguerie, je pense qu'à mon avis on va commencer par le 500 mardi. Ça va être incroyable. Tu sens rien. Punition 404. Dictature 404. Bon, en vrai, ok, vous savez quoi? Je vais prendre ma décision de tout à l'heure. Voilà. Je vais prendre ma décision à la fin du 499. Et je vous dirai si on le fait ou pas. Donc je prendrai la décision de tout à l'heure, vous inquiétez pas. Comment vais-je faire si seulement j'avais un chevalier servant pour surveiller tous mes trésors? Je suis la pardie, t'es tombé en plein dans le panneau, Sanji. Nah, je vous dirai tout à l'heure. Je suis un esclave de l'amour. Si tu le dis, je ne peux plus rien pour toi. Tiens, mais que vois-je? Allô Zoro, c'est bien toi, tu m'entends? Où est-ce que tu vas tout seul? Je sors juste me promener. Surtout pas. Arrête ça tout de suite, tu vas encore te paumer en chemin. Vous allez me lâcher, oui, je sais ce que je fais. T'oublies qu'on est sur un archipel. Si tu t'égares, on ne te retrouvera jamais. Tout est super bien indiqué sur cette île. Chacun porte un numéro et au pire, je pourrais toujours demander ma route à quelqu'un. Même un gamin retrouverait son chemin. Pouette, 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 pouette. Tu sais très bien qu'il va se perdre. Tu sais très bien. Je vois, tu t'es creusé la tête sur ce coup-là. Désolé, on t'a sous-estimé. Bonne balade et sois prudent. N'hésite pas à demander aux habitants. Ils en font beaucoup trop, c'est limite vexant. Tu dois croire en toi. Il suffit que je mémorise le numéro de cette arme et tout ira bien. C'est le numéro 1. Non mais il va se perdre, mais c'est obligatoire qu'il va se perdre en fait. C'est mieux que le poulet soit à la fin, c'est le climax. Les membres de la noblesse mondiale sont aussi appelés les dragons. Alors attends. J'ai déjà entendu ce terme sur Twitter. Et les gens, de ce que j'ai compris, j'ai vu des gens parler du terme dragon céleste, mais en parlant de l'actualité. J'ai vu des gens qui disaient. Qui parlait de l'actualité, genre le truc qui est en ce moment avec le Israël, Palestine, etc. Et de mémoire, je crois que j'ai vu des gens parler de ça. Genre en mode... Mais je vous jure qu'à un moment, j'avais pas compris.
Genre j'étais là en mode dragon céleste, genre j'étais là en mode ok. Le terrain glissant. C'est le terme pour dessiner les juifs. C'est une dinguerie par contre. Ah non mais de toute façon le but c'est pas du tout de parler de ça tu vois. Du conflit ou quoi. Mais c'est juste que je crois avoir vu quelqu'un qui avait employé ce terme pour parler du conflit en fait. Tu vois. Retourne la page d'avant. Y'a quoi la page d'avant? J'ai pas compris. Merci Bogota, merci beaucoup pour le follow. Tu vas comprendre avec Zoro. Ah oui, c'est que bah en fait il s'est... Putain, ok, j'aime comprendre. En fait, la bulle, elle cachait le 4. La bulle, elle cachait le 4, putain. En fait, j'avais pas compris. La bulle, elle cachait le 4. Enter 404, désolé de te le dire, mais le terme dragon céleste a été repris par une partie de la communauté One Piece comme un terme antisémite composite pour désigner les juifs comme les nobles mondiaux. What the fuck? Ok. Ouais, c'est... En vrai, c'est un peu glauque d'utiliser un truc de manga pour des trucs comme ça, je trouve. Je trouve ça un peu glauque d'utiliser un truc de manga pour des trucs sombres comme ça, tu vois. Enfin, après, c'est mon avis, mais... Mais oui, moi, j'avais vu un tweet où quelqu'un parlait de ça. Parlait de l'actualité en disant Dragon Céleste. Alors, ils sont extrêmement arrogants et portent un masque pour ne pas respirer le même air que les gens ordinaires. Je vous rappelle que vous m'aviez promis de ne jamais, je dis bien jamais, vous opposer à eux de quelque façon que ce soit. Oui, d'accord, trois petits points. Ouais. D'accord, trois petits points. Ouais, ça marche. Il y a plusieurs autres points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais vous devez savoir que se rassemblent ici tous ceux qui cherchent à atteindre le nouveau monde. On trouve bien évidemment des pirates comme vous, mais aussi des soldats de la marine et des chasseurs de primes à leur trousse, ainsi que de nombreux ravisseurs. Ils prennent souvent les pirates pour cible, car ces derniers ne sont pas protégés par les lois concernant le commerce d'humains. Non mais attends, c'est une blague par contre. Attends. Faut savoir que One Piece est très politique, et ça sera de plus en plus poussé d'où les rapprochements que font certains. Ah ouais... Ouais mais tu vois, je trouve ça malsain, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça malsain d'utiliser des termes d'un manga, entre guillemets, qui a rien à voir, pour parler de trucs aujourd'hui qui sont très tendus ou quoi, tu vois, je trouve ça un peu malsain, genre. C'est... Enfin, après, peut-être que, je sais pas, bref. Mais ouais, je trouve ça un peu malsain, genre. Mais par contre, attends, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, genre, là, les pirates, genre, en mode... Ils sont pas protégés, tu vois. Ils ont pas de sécurité sociale, les pirates. Les pirates, ils ont pas de sécurité sociale. Genre en mode... Les pirates ne sont pas protégés par les lois concernant le commerce d'humains. T'as pas carte vitale quand t'es pirate, là. T'as pas de protection par la police ou la gendarmerie. T'as pas de carte vitale. T'as rien, quoi. Normal. Ouais, je sais pas. Je sais pas, genre... Après, peut-être que... Ouais, ça peut être vu comme normal, mais je me dis... Tu sais, que le gouvernement, ils se disent « Ah, lui, c'est un pirate, on lui coupe tout, tu vois. » Genre, en mode, s'il lui arrive une dinguerie, on le protégera pas, tu vois. Malsain de dénoncer. Mais il faut pas... Non, mais par contre, quand vous dites des trucs comme ça, j'espère vraiment que vous trollez, quand même. J'espère vraiment que vous trollez quand vous dites « malsain de dénoncer ». J'espère vraiment que tu trolles quand tu dis ça, quand même. Genre, non, mais c'est comme si vous essayez de me faire dire un truc que j'ai pas dit. J'ai dit que c'était malsain d'employer un terme d'un manga pour parler d'un conflit géopolitique. J'ai dit que ça, oui, je trouve ça malsain. J'ai jamais dit que c'était malsain de dénoncer. C'est quoi ce truc? T'as mal dit ton truc, mais... Bon, ok, on va arrêter de parler de ça, parce que, genre, il y a un moment, si vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre et pas ce que je dis, on va pas s'en sortir. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais juste,
et essayer de comprendre ce que je dis en termes de mots plutôt que d'essayer de comprendre ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas la même chose. T'aurais jamais dû lancer le sujet, mais moi j'ai lancé le sujet parce que j'ai vu une fois, j'ai vu un tweet où ça parlait de ça, donc tu vois, enfin je me suis dit c'est quand même bizarre genre. Non mais par contre vraiment les gens, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une dinguerie genre. Vous pouvez être sûr qu'à la moindre incartade, ils vous remarqueront. Alors faites bien en sorte de ne pas attirer l'attention. Oui si tu veux, mais dis Octi, tu t'es fait cette blessure quand? Ça ce n'est rien. Les soldats de la marine qui sont envoyés ici ne sont pas non plus des rigolos, vous devez vous méfier. Leur quartier général se situe d'ailleurs tout près d'ici. Quant aux chasseurs de primes, ceux que vous trouvez sur l'archipel sont de vrais brutes. Tout comme ceux qui les chassent. Enfin, je terminerai sur un dernier point. Encore, ça commence à faire beaucoup, dit. Kemi n'est pas une sirène et je ne suis pas un homme poisson. Vous devez nous traiter comme si nous étions des humains, c'est compris? Pourquoi? Parce que ça nous facilitera la vie. Tu sais ce qu'on dit, Luffy, autre pays, autre mœurs. Faisons ce qu'il dit sans trop poser de questions. Ouais. Ça va être trop pour lui, là. Ça va être trop pour lui. Je crois que ça va vraiment être trop pour lui. Mais en plus, tu sais, j'avais même pas calculé quand il a dit tu t'es fait cette blessure quand. C'est genre juste en fait, il va cacher son tatouage, quoi. C'est pas une blessure, c'est juste qu'il cache le tatouage, quoi. Putain, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un. C'est vraiment un endroit explosif, en fait, tu vois. C'est un endroit explosif de fou, genre. C'est, tu peux tomber vraiment sur les pires gens dessus, quoi. Poussez votre tête doucement, mais avec vigueur. J'ai réussi, je suis dedans. Et l'air ne s'échappe pas. Ça alors, c'est surprenant. Étrange phénomène. Tiens, installe ça à l'intérieur. Comme ça. Oui, tu es à la bonne hauteur. Maintenant, pédale pour avancer. C'est génial. J'adore. Je trouve ça génial. J'avance, c'est génial. Moi aussi, je vais en faire. Le bon de Charis se loue 500 berries la journée. Si vous préférez l'acheter, il vous en coûtera la modique somme de 10 000 berries. Avantageux, n'est-ce pas? J'en veux un, je vais l'acheter avec mes économies. C'est inutile, mieux vaut les louer. Le poule, pourquoi est-ce que c'est toi qui décide? Je vous expliquerai plus tard. Vous avez l'air de vous y connaître, vous êtes du coin, c'est bien ma veine. La bulle tient toujours. Ah, oh, c'est incroyable par contre, genre. Ça donne trop envie. Ouais, mais ça m'a fait penser à Water 7, moi aussi. Ça m'a fait penser à Water 7 avec les trucs pour les espèces d'hippocampes, là. Ah, j'ai trop envie d'essayer, quoi. C'est un moyen de transport très agréable, en plus de ça, il y en a de toutes sortes. C'est décidé, je vais m'en acheter un. Chapeau de paille, rappelle-toi tout à l'heure. Quand tu as grimpé sur les bulles et que tu es monté vers le ciel, à ton avis, pourquoi est-ce que tu es finalement retombé? Oui, je me souviens, j'avais dépassé la cime des arbres, alors que je voulais aller plus haut encore. Les bulles autour de moi ont commencé à éclater, jusqu'à ce que la mienne explose aussi. C'est comme ça que je suis tombé. Genre quand ça sort de l'île, les bulles, elles explosent? C'est arrivé parce que tu as quitté l'espace climatique de l'archipel des Sabaody. Le climat qu'on trouve ici est spécifique à la mangrove groove à fond. Une fois sorti de ce périmètre, la résine qui compose les bulles perd de sa vigueur et ne résiste plus longtemps à la pression atmosphérique. Putain, mais par contre, le lore de l'île est incroyable. Les gros boules, ouais. Les gros boules de Water 7. Ça, c'était légendaire, ce moment. Le moment du gros boule de Water 7 était quand même légendaire. Toujours des idées de ouf. Non, franchement, c'est... En vrai, tu vois, genre, l'île a l'air d'être un peu mouvementée, donc moi, ça me plairait pas de vivre là en tant que personne, tu vois. Par contre, en design d'île, ah, ça donne trop envie d'y habiter, tu vois. Les gros boules sont remplacées par des grosses bulles subtiles. Ça signifie qu'en dehors de cet archipel, les vélobulles sont inutilisables. Tout à fait. Mais les commerçants profitent de l'ignorance des visiteurs. Pour essayer de leur vendre à chaque fois, ce n'est pas très fair-play. Une location à la journée, c'est amplement suffisant. Eh, moi je dis, Octi, il a compris le bail, tu vois. Octi, il est là en mode, voilà, économiste, là. Putain, mais par contre, en vrai... Après, oui, c'est vrai que c'est normal, il doit connaître le coin, quoi. Il connaît le coin parce que forcément, bah, il est un poisson, tu passes par là, donc forcément, tu connais un peu, quoi. Mais limite, tu te dis, c'est... Enfin,
à la base, Octis était leur ennemi, mais t'en viens presque à te dire que c'est ultra positif qu'il soit tombé sur lui, en fait. Ouais, Octis dans le business, ouais, c'est ça. Les commerçants qui anarquent les touristes, c'est vraiment de la fiction. Ah ouais, j'avoue. Ah, les commerçants qui anarquent les touristes, ah, c'est du jamais vu, hein. One Piece, ils ont inventé quelque chose. C'est le comptable d'Arlong. En vrai, ouais, c'est vraiment une bonne chose qui a tombé sur lui, au final. Bof, c'était pas trop convaincant. Juste un seul, j'en achèterais peut-être juste un seul. Tu n'as rien compris à ce qu'il vient de dire, Luffy. Pour faire simple, la bulle de ton vélo éclatera dès que nous quitterons cet archipel. C'est comme ça, on n'y peut rien. Elle éclatera sans raison, vous auriez pu me le dire plus tôt. Mais Luffy, branche ton cerveau. On dirait moi avec ma mémoire, genre. Par contre, les vélo-bulles demeurent opérationnelles sur l'île des hommes-poissons. On trouve les mêmes bulles de savon au fond de l'océan. Je suis impatient d'y aller sur cette île des hommes-poissons. Je sens qu'on va bien s'y amuser. C'est quel genre d'endroit? Et puis non, ne dis rien. J'espère que tu pourras rencontrer la princesse sirène. Elle est sublime. C'est une étoile de mer qui te le dit, tu peux me croire. D'ailleurs, je peux te la présenter. Si tu veux, on s'est pas mal fréquenté. Ça serait avec plaisir. Si ce que tu dis est vrai, je risque de tomber amoureux au premier coup d'œil. Bien qu'étant un squelette, je n'ai pas d'yeux. On dirait toi tout courant, c'est pas gentil ça. En termes de design vibes, Sabaody c'est top 1 sur son animé. Mais l'île, en fait l'île a l'air trop cool. En fait l'île, on dirait un parc d'attractions géant en fait l'île, tu vois. Il y a vraiment l'ambiance parc d'attractions mais un peu en mode malfamé, tu vois. Je suis malveillant, mais oui. C'est quoi ces gratos? Ça sent vachement bon. Ce sont des gâteaux qu'on ne trouve que sur Grand Line. D'où le nom de Gratto. Vous voulez goûter, messieurs? Regardez ici, il est écrit première moitié de Grand Line. C'est le cadeau idéal à apporter avec soi dans le Nouveau Monde. Et pas besoin de se presser car il se conserve 3 mois. Mais je vais en acheter, en fait. Je vais en acheter pour chez moi, genre. Non, mais par contre, en vrai, je sais pas vous, mais moi, plein de fois, ça m'arrive. Genre, tu sais, de plus trop manger d'un truc pendant un moment, parce que tu vois, j'en ai moins envie. Et en fait, ça reste, et au bout d'un moment, c'est plus bon et tout, tu vois. Et en fait, ça me saoule, parce que je déteste faire du gaspillage, mais ça m'arrive sans que je le veuille, tu vois. Je pense que pour plein de monde, c'est pareil, tu vois. Ah, frère, c'est des gâteaux comme ça, ils te durent 3 mois, là, t'es safe, tu vois, genre. Ça respire la bonne ambiance, ouais, c'est ça. À part si tu croises les dragons célestes, là, les mecs de Marijou, là, pff. Ça doit être moins à l'ambiance, je pense. Hein. Les parcs d'attractions m'hantisent. Mais moi, tu vois, genre, j'aime bien et j'aime pas en même temps. Moi, je suis un peu agoraphobe, tu vois. Genre, j'ai un peu du mal quand il y a trop de monde et tout, tu vois. Je me sens pas bien. Mais quand il y a une bonne vibe dans la foule, ça va, tu vois. Genre, par exemple, si je suis à un concert, je suis pas en mode trop bien dans ma peau, tu vois. Mais globalement, tout le monde est un peu en mode en phase, tu vois. Donc, ça va, tu vois. Alors qu'une foule... un peu en mode, tu sens pas qu'il y a d'osmose dedans. Ah, ça me bloque, tu vois. C'est délicieux, j'adore. J'en veux encore. Ces gratos sont fameux. Daignerez-vous nous en offrir une autre boîte que nous y goûtions? J'espère que vous allez finir par m'en acheter. Regardez les deux, là. Regarde les deux morphales, là. Regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi ces deux-là, là. Les hôtels sont nombreux dans ce groupe 35. C'est pour accueillir tous les voyageurs en attente de l'autorisation de traverser Marijoie. Les hôtels que vous voyez ici sont drôlement faciles à construire. Il suffit d'enduire les bulles de savon d'un alliage spécial pour obtenir les fondations. En procédant ainsi, on obtient des bâtiments de forme ronde. Je crois que j'ai trouvé un centre commercial. Eh, franchement, tu vois, je vais te dire un truc. Genre, ils disent quoi? Ils disent... les hôtels sont là pour accueillir les voyageurs en attente de l'autorisation de traverser Marijoie. Je serais un mec de Marijoie, là, je serais un dragon céleste, je serais là en mode... ce qu'on va faire, c'est que, on va faire un petit partenariat avec les hôtels, on va leur dire, ok les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retarder au max, les papiers pour que les gens puissent traverser, tu vois. Donc on va faire en sorte que ça traîne. Par contre, en échange, on prend 50% du CA de l'hôtel, évidemment, tu vois. En vrai, le pire, c'est que je suis sûr que ça pourrait exister une combine comme ça dans One Piece, tu vois.
C'est... Tu mérites ta place dans un gouvernement. Mais parce qu'en fait, c'est tellement prévisible, tu vois. C'est tellement prévisible. C'est genre... ils sont là, ils font traîner les papiers. On vous met bien. Comme ça, les gens, ils restent bien longtemps à l'hôtel. Par contre, on prend 50%. Tu vois. Ils prennent 100%. Non, mais en vrai, ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent un truc comme ça, tu vois. Pour le coup. Je crois que t'as pas compris, ils ont pas besoin d'argent. Bah, quand même. Genre, dans l'idée, je pense que oui, un gouvernement comme eux, tu vois, bah, le gouvernement, quand je dis les riches, c'est genre, tu vois, il a forcément de l'argent de base. Mais un gouvernement, il veut que l'argent, il rentre aussi, tu vois. Genre, là, le gouvernement, il veut que l'argent, il rentre tout le temps, tu vois. Sinon, bah, c'est compliqué. Donc, pour moi, ce serait même pas étonnant. Le gang des papys qui racle la thune. Ouais, le monde leur appartient, c'est ça, quoi. Je crois que j'ai trouvé un centre commercial. Au revoir et merci. Des gras crackers et des gras chocos. Un porte-clés. Un fanion. Vous voilà bien équipé en souvenir, mais ça sert à rien. Pourquoi ils font ça, genre? Le vendeur me les a mis dans un sac bulle. Pas besoin de se fatiguer sur cette île, nos affaires flottent. Nous sommes passés Nami et Robin. Elles font quelques emplettes au Groove 30 et nous ont chargé du revêtement. Pas de problème, on s'en occupe. Je me demande pourquoi Kemi n'a pas voulu nous accompagner. Je la trouve beaucoup plus réservée depuis que nous sommes arrivés sur cette île. Qu'est-ce qui peut bien la tracasser? Si ça se trouve, il y a ici des vestiges d'une histoire peu glorieuse. En fait, j'ai l'impression... Tout à l'heure, il a dit quoi, Octi? Il a dit que quand il s'adressait à eux, il fallait qu'ils fassent genre que c'était des humains, c'est ça? Genre, je crois que Octi, tout à l'heure, quand il a dit à Luffy, c'est quand vous vous adressez à nous, vous faites comme si on était des humains. En plus, ouais, donc ça, on est d'accord. En plus, on voit qu'ils lui ont mis une robe pour cacher sa nageoire. Octi, il a mis un sweat pour cacher ses ventouses et ses tentacules. Donc en fait, il se camoufle en humain, tu vois. Donc, j'ai un peu l'impression, genre... En fait, c'est un peu comme une île de colons, en fait, tu vois. C'est une île de colons, j'ai l'impression, en mode... En mode, genre, t'es un homme poisson, tu te balades là, tu te fais capturer, tu te fais servir, quoi, tu vois. Surtout qu'en plus, juste avant, on avait vu les espèces de pirates, là, avec Duval et tout. En mode, ils font du trafic d'hommes poissons et tout, quoi, tu vois. J'ai cru que t'avais dit une île de Golemon. Une île de gros racistes. En vrai, s'il y a des gens de la noblesse dessus, c'est possible, hein. Pour l'étoile de mer, c'est mort le camouflage, j'avoue. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ça, tu vois. Genre, les hommes poissons, ils sont pas les bienvenus. Et genre, en mode, tu te fais choper, quoi, tu vois, et tu te fais capturer, quoi. Si ça se trouve, il y a ici des vestiges d'une histoire plus glorieuse. On vous a encore doublé. Je ne m'avoue pas vaincu, la route est encore longue. Rendez-vous au Groove 13. Fonce, Octi. C'est quoi tout ce vacarme? S'il vous plaît, je vous en supplie. Lâchez-moi, je ne veux pas mourir. Apportez-moi une hache, ou bien une scie. Quelque chose pour briser ce collier. Je promets de ne pas vous faire de mal. Je renonce à me rendre dans le nouveau monde. Attends, mais... Genre, on dirait il a un collier en fer autour du cou. Ma femme et mon fils attendent mon retour. Je veux rentrer chez moi. Aidez-moi, mon fils n'est encore qu'un bébé quand je l'ai quitté. Il ne sait même pas à quoi je ressemble. Ne te mêle surtout pas de ça. C'est sûrement un pirate qui a été capturé et vendu par la suite. Son maître l'a emmené sur cette île et il a pris la fuite. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression... On rentre dans des trucs tellement glauques, genre j'ai l'impression qu'il y a du trafic de pirates, trafic de d'hommes poissons, du truc d'esclaves... Non mais c'est quoi ça, genre? Non mais par contre, vraiment... Mais plus j'apprends des choses sur eux, là, sur le gang des papilles, les dragons célestes, les machins, et plus c'est pire, en fait. Plus j'apprends des choses sur eux, plus c'est pire.
À aucun moment, il se rattrape, quoi. Il y a du trafic de pâté, fais gaffe. De pâté, comment ça? Il devait pourtant savoir qu'il est impossible de s'échapper. Si seulement je pouvais enlever ce collier. Putain, vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez à quoi ça me fait penser? Il y en a qui ont vu Alice in Borderland ou pas? Il y en a qui ont vu Alice in Borderland. Oh, putain, mais c'est vrai que vous pouvez pas répondre. Vous pouvez pas. Je suis mort, tu sais. Je suis là en train. Je pose une question, tu sais. Et je suis là en mode. Je demande aux gens de répondre. Et il y a le mathématico dans le lit. Du coup, les gens, ils sont en mode. Mais je veux répondre. Ouais, ok. Bon, il y en a certains, ils ont vu, ouais. Et ceux qui ont vu, vous avez la rêve, du coup. Ok. En vrai, je dis rien. Je dis rien parce que ceux qui n'ont pas vu la série Alice in Borderland, foncez. Mais vraiment foncez, genre c'est incroyable la série. Mais ceux qui ont vu, vous avez la ref. Ceux qui ont vu, vous avez la ref, du coup. On est d'accord, ça fait penser de ouf à ça, hein. Vraiment. Oh, c'est... Waouh. Oh, le pauvre. Dans le Battle Royale aussi, non? Battle Royale... Alors, le nom me dit quelque chose, mais je me rappelle pas du truc précisément, tu vois. Épisode 3, le meilleur. Je crois qu'en plus, ouais, c'était épisode 3, en plus, il me semble. Le drama ou l'animé? Le drama, comment ça? Tu veux dire l'animé? La série, tu veux dire? Un petit changement d'OST. Attendez. Voilà, on va mettre ça. On va mettre ça. Les esclaves sont en permanence enchaînés. Si j'essaie de défaire leurs liens, un mécanisme explosif se met automatiquement en marche. Non mais c'est inhumain, genre. C'est inhumain un truc comme ça, genre. C'est vraiment inhumain, quoi. Alice, c'est un manga. Ah oui, non mais je sais qu'à la base, c'est un manga, ouais. C'est un manga et après, ils l'ont fait en live-action. Enfin, je sais pas si on peut dire live-action, mais ils ont fait une série, quoi, du coup. Mais oui, je parlais de la série, quoi. C'est inhumain, genre. Ça n'a rien à voir, c'est tellement inhumain que je vais manger un morceau pour me réconforter. Désolé. Voilà, ça fait du bien. Oh, le pauvre, il me fait trop de la peine. C'est affreux. Je voulais leur acheter des cadeaux avant de rentrer. Arrêter le métier de pirate et me ranger pour de bon. Un esclave s'est évadé. Poussez-vous, ne restez pas à côté. Mais ouais, bah là, non, mais là, il est mort. Je vois pas le monde dans lequel il est pas mort, en fait. Ah, oh, c'est horrible. Mais c'est inhumain, en fait. Mais en fait, genre... Mais dans quel monde? Dans quel monde, genre... Je me dis, c'est impossible, tu vois. Mais genre, est-ce qu'il y a des gens sur cette terre qui, quand ils lisent One Piece, ils se disent... Gouvernement mondial, ouais, ça va, ça passe, tu vois. Genre en mode, ils sont OK, tu vois. Je suis sûr que ça doit exister. En vrai, je suis sûr que ça doit exister. Je suis sûr que ça doit exister des gens qui défendent le gouvernement mondial dans One Piece. C'est obligé. Genre, comment est-il possible de défendre le gouvernement mondial, en fait? Toi, depuis 2 mois, tu me triggers. Comment ça? Pourquoi je te trigger? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Bah, en vrai, franchement, moi, je suis désolé. Quand je vois des trucs comme ça, mais plus je vois des trucs comme ça, plus le gouvernement mondial, mais j'ai envie j'ai envie de tout retourner, en fait, quoi. Fan de Marine, gouvernement mondial. Mais quoi? Attends, mais même mes propres modérateurs me disent fan? Mais non, mais même Garnis, il me fait dire ce que j'ai pas dit, mais j'en reviens pas. Non, mais par contre, c'est trop. Là, par contre, c'est trop.
Même mon modérateur, il me fait dire ce que j'ai pas dit. Genre, dites-vous, mon modérateur me dit que je suis fan de Marine, de gouvernement mondial, parce que j'ai acheté une casquette Marine que je trouve trop stylée. Parce que pour le coup, la casquette Marine, je la trouve trop belle. Genre vraiment, la casquette Marine, j'adore, tu vois. Et vu que j'ai une casquette Marine, je suis là en mode, ouais, voilà, fan du gouvernement mondial, let's go. Non, de toute façon, comme je l'ai dit, et je le répète encore une fois, pour que ça soit bien clair, je n'ai aucun camp, mais vraiment, hein, je suis même pas du camp des pirates. Genre, oui, je préfère les pirates, je les préfère, tu vois. Mais c'est pas pour autant que j'ai un camp ou quoi, tu vois. Genre, j'ai pas spécialement de camp dans One Piece en mode je m'identifie à un camp ou à un autre, tu vois. Genre, moi, ça m'intéresse pas trop, tu vois, genre, j'ai pas envie de choisir un camp ou quoi. Juste, il y a des persos que j'aime bien et d'autres que j'aime pas. Il est team Mugiwara. Bah, franchement, tu vois, j'ai même pas de team, en fait. Tu vois. Mais dans l'idée, si j'étais obligé de choisir une team, mais genre vraiment obligé de choisir, bah oui. Genre, déjà, team Mugiwara, clairement. Enfin, team chapeau de paille, bah là, bon, là, bien sûr, je pense que oui, tu vois. Mais si j'étais obligé de choisir une team, bah oui, team pirate, quoi, tu vois. Enfin, quand même. Enfin, après, c'est mon avis, tu vois. Mais si vraiment j'étais obligé de choisir une team, ouais, je choisirais team pirate. Mais j'aime pas le principe de que je choisisse une team, tu vois. Il y a des persos que j'aime bien, des persos que j'aime pas. 99% des pirates de One Piece tuent et volent. 90% du GM et Marine essaient de faire le bien et je préfère les pirates. Mais genre. Genre Zeke. Zeke, je suis. Non, tu trolls, Zeke. Zeke, tu trolls, je suis sûr. Non, tu trolls, c'est obligé, tu trolls. C'est obligé, tu trolls. Genre 80%, 10% des marines gouvernement mondial essaient de faire le bien. C'est pas possible. Juste après le message insolent du Modo, il y a eu un message de recrutement de Modo qui a peuplé tes miguets légendaires. La marine qui tue personne, mais oui. C'est une stat qui est dans le manga. Non, c'est vrai. Genre là, ce que Zeke a dit, c'est une stat du manga. MDR, ça va, tu m'as démasqué. Non mais par contre, non, par contre, ça peut pas être une stat du manga, c'était pour troll. Oui, ok. Mais arrêtez de me prank. Arrêtez de me prank en fait. Moi, je vais faire un arrêt cardiaque. Non mais vraiment. Genre là, c'était de la prank. Non mais en plus tu vois, là où il m'a foutu le doute, quand vous avez parlé de stats, c'est que je me suis dit, tu sais, il a pas dit 99% pour la marine, tu vois. Il a dit 99% pour les pirates et 90% pour la marine. Et quand ils ont parlé de stats après, j'étais là. Ouais, bizarre, tu vois, ce changement, genre je me suis dit, il y a peut-être moyen. Ah non. Il y a des pros GM dans ton chat. En vrai, tu vois, genre. Franchement, je continue, hein, vous inquiétez pas, je continue, mais. Dans l'idée, tu vois, le truc de team pirate, team marine et tout, je peux comprendre, c'est marrant, tu sais, c'est un peu le côté PSG contre Marseille, tu vois, Sony contre Nintendo, enfin, tu vois, c'est ce genre de truc un peu, tant que ça reste bon enfant pour moi, tu vois. Pour moi, tant que ça reste bon enfant, quand t'as team marine, team pirate, machin, tant que ça reste bon enfant, pour moi, c'est marrant, c'est cool, tu vois. Là où vraiment, après, ça part dans des insultes, des trucs à la con et tout, je trouve ça débile, tu vois. C'est pour ça que, souvent, ça part là-dedans, et moi, c'est pour ça que je suis pas fan de choisir un camp ou quoi, tu vois. Mais par contre, pour le coup, autant, tu vois, marine, je peux comprendre qu'il y ait des gens, ils soient vraiment à fond dans la marine ou quoi, parce que, tu sais, t'as le marine, t'as le petit côté un peu pas militaire, mais t'as le petit côté prestigieux, avec en plus les beaux uniformes blancs, tu sais, c'est stylé, tu vois. Genre, c'est stylé, t'as la casquette que moi, je trouve stylée. Dans la marine, t'as aussi des gens, tu sais, qui. Bah, moi, Smoker, tu vois. Genre, Smoker, j'adore. Smoker, c'est un marine, mais Smoker, j'adore. Pour l'instant, Garp, j'aime beaucoup, tu vois. Aokiji, il m'a déçu, mais il s'est rattrapé, tu vois. Donc, en fait, je me dis, dans la marine, t'as quand même des mecs où tu te dis. Ah, il y a peut-être moyen, tu vois, il y a peut-être moyen de faire un truc, tu vois. Y a peut-être moyen de faire un truc. Donc, tu vois, je me dis, des gens qui sont pro-marine, bah. En vrai, franchement, quand tu vois que certains, ils pourraient porter un peu un message, tu vois. Bien, de bien pour la marine, tu te dis ok, tu vois. Par contre, ceux qui me disent qu'ils sont pro-GM, je suis là en mode. Genre, t'es pro-GM, t'es vraiment en mode, tu peux défendre personne, t'sais.
pro-GM, tu peux défendre personne. Genre en mode pro-GM, t'es pro-gang des papis. Personne n'est pro-GM obligé. Mais franchement, je suis sûr que ça doit exister. Hein. Les gens, je suis sûr que ça doit exister des pro-GM. Hein. Il doit pas y en avoir beaucoup, mais je suis sûr que ça doit exister. Pro-GM et Marine, c'est les mêmes. Bah pour moi, non, c'est pas les mêmes. Je suis pro-GM, tu me rejoins. Non, pour moi, je pense pas que ce soit les mêmes. Parce que Marine, de ce que j'ai compris, c'est une branche du gouvernement, de ce que j'ai compris. Tu vois. Pour moi, Marine, c'est une branche, et c'est encore différent, je trouve. Sondage en cours. Ah, il y a un sondage. Attends, il y a un sondage. Ah, il y a la meilleure team. Bah attendez, moi, j'ai voté pour la meilleure team. Team Modo corrompu, je suis mort. Ah non, mais les gens, il y a la meilleure team. Non mais comment ça, la team 404, elle est à 9%? Non mais c'est une honte. La team 404 qui est 9, qui a 13%. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est les mêmes, si tu aimes la marine, t'aimes le GM, et inversement. Je sais pas. Moi, c'est pas la sensation que j'ai, en tout cas, tu vois. GM, j'ai vraiment l'impression que c'est le mal, et Marine, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui essaient de faire le bien, tu vois. Smoker, pour moi, c'est un mec qui essaie de faire le bien. Garp, j'ai l'impression qu'il essaie de faire le bien, même s'il est bizarre, tu vois. Pour moi, c'est pas totalement le mal, pour moi, la Marine, j'ai l'impression. Et oui, il y a aussi Révolutionnaire aussi, mais ça, je sais trop peu de choses sur eux, en fait, tu vois. Ah, attends, c'est la team Révolutionnaire qui a gagné? Sérieux? C'est la team Révolutionnaire qui gagne à 39%. Mais après, moi, les Révolutionnaires, je les connais pas encore assez. En fait, tu vois, franchement, en vrai, les gens, dans le principe, dans le principe même des groupes, moi, sur le papier, je serais team Révolutionnaire. Enfin, non, j'aime pas dire que je suis d'une team. Mais sur le papier, les Révolutionnaires, moi, je suis avec eux, tu vois. Enfin, tu sais, je suis là en mode, frère, le gouvernement, il est horrible. Bah, let's go, tu vois, on retourne tout, tu vois. Mais le problème, c'est que je sais rien sur eux. Et si ça se trouve, dans 300 chapitres, je vais apprendre que les révolutionnaires, ils sont horribles, tu vois. Genre, en mode, ils tuent, ils volent. Tant que ça leur sert dans le fait de renverser le gouvernement, ils font n'importe quoi, tu vois. Donc, ouais, voilà, je connais pas les tenants et aboutissants des révolutionnaires. Donc, pour moi, je peux pas dire encore. Je connais pas assez, tu vois. Je sais juste que Dragon, il est dans les révolutionnaires, voilà. C'est juste ça, quoi. Ok. Un esclave s'est évadé. Poussez-vous, ne restez pas à côté. Ne devrait-on pas lui venir en aide? Surtout pas imbécile, vous nous avez promis de rester à l'écart quoi qu'il arrive. On est tombé chez les fous. Qu'est-ce qu'on va faire, Octi? Les dragons célestes ne doivent pas être très loin. Chapeau de paille, descend de ton vélobule. D'accord, comme tu veux. On a voté car on connaît la suite aussi. Bah, c'est ce que je me dis, tu vois. Il doit y avoir des trucs que moi, j'ai pas vu encore, forcément, donc... Merci Abder et Sunskull, merci beaucoup pour les follow. Cette explosion, ça devait être Devoldias, le capitaine de l'équipage de l'Akumate, dont la tête est mise à prix à 60 millions de berries. Quelle honte. Et ça croit pouvoir survivre dans le nouveau monde. Putain, il était à 60 millions quand même, hein. Les voilà. Attends, c'est un clébard, ça? C'est un chien? C'est ça, un dragon machin? Mets les genoux à terre et n'établissent pas de croiser leurs regards. Tu ne dois pas non plus toucher à ce chien, ses maîtres sont juste derrière. Hé! Mais ce chien... Ce chien, là... J'ai déjà vu. C'est pas le chien qui pissait sur Wapol? C'était pas le chien qui pissait sur Wapol dans la mini-aventure? Non? Ah non. Ah putain, j'ai trop cru que c'était lui. Le chien est un être supérieur. Oh putain. Ouais, mais non, mais on est d'accord, il lui ressemble, ouais. Franchement, il lui ressemble. Je me rappelle vite fait de la tête du chien qui pissait sur Wapol. Et il lui ressemble vite fait, quoi. En gros, dans la ville, il y a plusieurs chiens.
Le chien s'appelle... Quoi ? Le chien s'appelle singe ? Le chien s'appelle singe ? Non mais... Saru, espèce de petit mal élevé. Ce sont eux. Oh non père, celui-ci aussi s'est finalement cassé. As-tu bien fait en sorte de lui donner chaque jour des tranquillisants ? Dragon céleste, princesse Charlia, Saint Roswald. Bien sûr, mais ils n'ont aucun effet sur les demeurés. What the fuck. Et donc lui, c'est un prisonnier lui aussi. Vu qu'il a le... Il a le truc explosif là. Il a le truc explosif lui aussi, donc lui aussi c'est un prisonnier comme l'autre là. Oh la gueule quoi. Oh la gueule qu'ils ont quoi. Oh j'ai des... Eh, vous savez quoi, je les déteste déjà. Pas prisonnier. Esclave. Oui, bon, c'est pareil. On va pas se le cacher, c'est un peu pareil, tu vois. Putain, je les déteste déjà. Il me faudra l'item Ra 404. Tu es de quelle région et quelle ville ? Je suis de Dordogne, moi. Je suis de Dordogne. Donc c'est en bas à gauche. C'est dans le sud-ouest. Vous allez devoir m'en acheter un nouveau ? Tu n'es vraiment pas doué pour les dresser, ma chérie. Tu me prives un à un de tous les capitaines de ma collection. Ah oh, j'ai envie de les saouler. J'ai envie de les saouler. Tu vas arriver dans la partie où tu vas rager sa mère. Oh, j'ai envie de les saouler. Oh putain. Spambane, c'est un ange à côté. Mais arrête. Mais t'as pas vu le pire ? Non, 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 t'es une actrice. Non, y'en a un qui est pire. T'es une actrice. Je te jure. T'es une actrice. Non. Pire que Spam Banane. Pire que ces deux-là. Toi, ces deux-là, tu les trouves pire que Spam Banane ? Non, alors oui, ils sont pires que Spam Banane et y'en a un qui est pire que ces deux-là. Mais tu peux leur demander, y'en a un que t'as pas vu qui va arriver, parce que c'est un mini spoil. Non, mais les gens, là, faut que j'investisse sur. Y'a quoi comme truc anti-stress ou anti. Oh, on achète un punching ball. Et je l'accroche là. Et genre, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'énerve, je donne un gros coup comme ça. Je suis désolé, j'étais un peu spoil en disant qu'il y en a un autre, mais il y en a un qui sera bien pire. J'avoue, Madame 404 qui a spoil. Oui, bah, c'est honteux. Désolé. C'est honteux. Tu m'as demandé s'il y en avait des pires, j'ai dit oui. Fallait pas poser la question. Oh mon dieu, mais je vous jure, j'ai envie de les soulever. Je sais pas vous, mais tu sais, le délire un peu en mode la meuf pourrie gâtée, tu sais, qui a aucune humanité en mode les esclaves, c'est larbins. Et le vieux papa gâteau de mort, là, en mode « Oui, oui, ma chérie, je vais te racheter un esclave, machin. » Ah, j'ai envie de les saouler. J'ai envie de les saouler. Après, tu demandes aussi, et c'est normal qu'elle te réponde « Oui, non, mais je rigole, mon frérot, t'inquiète. Je rigole. » Les modos qui sont de bad, madame 404, mais ça fait rare, 404. Là, ça va tranquille. Il y a bien pire que même madame 404 n'a pas vu, mais j'arrive pas à y croire. Ça, je peux pas y croire, c'est pas possible. J'ai envie de les saouler. Je te jure, mais non, mais par contre, vraiment, je vous jure que j'ai l'impression d'être dans Django Unchained. Genre, ceux qui ont la ref, qui ont vu Django... Attends, c'est Django Unchained, je crois, le nom du film ? Ou c'est juste Django, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si c'est juste Django ou pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, les gens, ceux qui ont vu Django Unchained ? Genre, c'est... Ça te dégoûte. Vraiment, c'est... En gros, sans spoil, pour ceux qui n'ont pas vu Django, en gros, c'est ça se passe à l'époque de... comment dire ? Genre, à l'époque c'est encore les cow-boys, entre guillemets, tu vois, vite fait. Mais surtout, c'est l'époque du gros début de la... Bah, de ouais, enfin, il y a un énorme esclavage, quoi, en fait. Il y a un énorme esclavage au niveau des Noirs, etc. Et tu te... Enfin, dans le film, tu te dis, mais c'est... Oh ! Ça, c'est une ampleur, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Et tu sais, c'est vraiment... et c'est DiCaprio qui joue dedans. DiCaprio, il joue dans Django. Et il joue d'une façon mais incroyable. Mais son rôle est fou. Et en fait, DiCaprio, il joue le gars qui a une plantation de coton, je crois. Comme ça. Et genre, ceux à l'époque qui étaient des riches qui avaient une plantation de coton, c'est genre, ils sont même pas riches. C'est genre, ils sont richissimes, tu vois. Et je vous dis rien, mais tu vois à quel point c'est des malades, tu vois. Et ça me fait trop penser à eux, tu vois.
ça me fait vraiment trop penser à eux, tu vois, en mode colon, quoi, tu vois, genre vraiment, c'est une dinguerie. Il y a Léa qui demande si tu veux faire un petit Among Us après le live. Bah, j'aurais bien aimé, mais à la base, j'avais promis à Blackstar de faire quelques games de LoL. Je n'y perds rien, celui-ci ne valait rien. Attends, je vais massacrer l'arrière de mon siège, ça sera mieux. Ça sera mieux parce que là... Attends, je suis en train de chercher ce que tu pourrais casser dans le part. Je vous jure que j'ai envie de les soulever tous autant qu'ils sont. J'ai envie de les soulever. Ce chapitre combien? On est au 497. Oh mon dieu, bonne idée, je vais me venger sur le repas. Je vais me venger sur le repas, c'est une très bonne idée. Stop les caméras. Comment ça stop les caméras? Une caméra de quoi? Je t'assure que là, c'est pas caméraman, hein. Là, j'ai envie de les soulever, c'est tout ce que j'ai envie là en ce moment. Ça me dégoûte, genre vraiment, ça me dégoûte. T'as fait une fixette sur Spam Banane, alors qu'il a fait 1% de ce qu'ils ont fait, mais c'est une dinguerie. Il passait son temps à pleurer et à ne parler que de ça. Je vous jure, à chaque fois que je relis un truc, ça me donne envie de les frapper. Tiens, c'est une feuille qui est marquée Dragon Céleste, comme ça tu la peux la décrire. Ah, j'avoue. Autant de fois que tu Let's go. Le bon truc. C'est une feuille avec marqué Dragon Céleste. C'est pas si, et du coup tu casses pas rien dans. Mais le problème c'est que tu vois, à chaque fois que je vais voir un truc, je vais la réduire en bouillie et du coup cette feuille elle va pas tenir longtemps, tu vois. Je peux t'en faire plusieurs si tu veux. Faut pas que tu t'arrêtes à chaque fois qu'ils font des trucs de Yas. Bah ouais, mais c'est dur, genre. Non mais le pauvre gars, tu sais, il était en pleurs, il voulait revoir sa famille et. Ça fait une heure que t'es sur le 97, ça me fume. Mais oui. Ça suffit, il ne peut plus bouger. Ce n'était qu'un simple humain. J'en ai la nausée! Mais non, mais pas! Mais... Voilà! Mais non, vraiment, c'était trop! C'était trop! La vermine! Attends, ne fais pas ça! Pour mon prochain esclave, je veux un géant! Tu devrais plutôt commencer par un bébé humain si tu veux mon avis! Non, je déteste les faibles! J'en peux plus! J'en peux plus. Non, mais cet arc va me rendre fou. Ah, mais elle, faut la goumer, hein. Non, mais en plus, elle est dégueulasse, frère. Avec sa houppette, là. Elle s'est pris pour Tintin, ou genre, comment ça se passe? J'ai envie de les fumer. J'ai envie de les fumer, je vous jure. Ton plat a l'air trop bon, je veux te le voler. Ah, c'est incroyable. Un bébé humain, carrément. Non, mais... On marche sur la tête, hein. Je déteste ce genre de spectacle. J'ai vu la marine l'emmener, si ça se trouve, elle va s'en sortir. Mais il peut pas s'en sortir, il s'est fait exploser le cou. Et elle lui a retiré dessus dans la tête ou je sais pas quoi, c'est impossible qu'il s'en sorte, genre. Même s'il survit, il finira ses jours en prison. Il aurait largement pu écrabouiller cet homme et sa fille, pourquoi n'a-t-il rien fait? Parce que si on s'en prend un dragon céleste... Un amiral de la marine réplique immédiatement avec toute sa flotte. Un amiral comme Aokiji? Oui, ou bien comme Akainu ou Kizaru. On ne sait jamais lequel va surgir. Surtout que le quartier général de la marine est juste à côté. Mais comment tu peux accorder une protection à des voilà, je dis pas le mot, mais comment tu peux... Comment ils peuvent être autant protégés, en fait? Il y a limite un Buster Call si tu les touches. Tu les touches, Buster Call. Non mais ça va, frère. C'est pas un dieu, quoi. Tu crois qu'ils ont le choix? Bah ouais, je me doute qu'ils ont pas le choix, tu vois. Mais attends, les dragons célestes, ils sont si importants que ça? Genre, tu m'aurais dit... tu touches au Gorosei. Tu vois, tu touches au gang des papis. Et là, il se passe ça. J'ai envie de te dire, le gang des papis, ils sont au sommet, tu vois. C'est le gang au sommet, c'est des connards, mais c'est un peu les chefs, tu vois. Donc tu te dis, bon, mais les dragons célestes, c'est même pas les chefs. C'est même pas les chefs, les dragons célestes.
Genre, les dragons celtes, ils sont en dessous du gang des papis. Je comprends pas. Je te jure, je comprends pas comment il peut y avoir autant de... Je sais pas. Ouais, je me doute que ça, on le saura plus tard, quoi, mais... Pourquoi est-ce que ces nobliaux ont tous les droits? Parce que le sang des créateurs coule dans leurs veines. Les créateurs sont ces 20 rois qu'il y a 800 ans bâtir cette organisation que l'on appelle aujourd'hui gouvernement mondial. Les dragons célestes sont leurs descendants et plus t'en passes, plus ils abusent de l'autorité qui leur est conférée. Attends. Attends, mais du coup... Le siècle oublié, c'était il y a combien de temps déjà? Le siècle oublié, c'était il y a combien de temps? De toute façon, c'est ce qu'on avait dit, hein. C'est ce qu'on avait dit, je crois que le siècle oublié... Le gouvernement a été créé juste après le siècle oublié de mémoire, il me semble. 800 comme par hasard. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Non mais, de toute façon, il me semble que avec le flashback de Robin, on avait appris... Il me semble qu'on avait appris que, justement, le gouvernement avait été créé juste après le siècle oublié, de mémoire. Je crois que c'est ça. Donc, bizarre, tu vois. Mais par contre, je savais pas que ça venait de 20 rois, donc les créateurs, les 20 rois qui ont créé le gouvernement, du coup. Bah, j'avais envie de te dire, hein. Dans un arc qui, globalement, a l'air d'être accentué autour de comment ça s'appelle ? De l'esclavage, des colons, des trucs comme ça. Forcément, hein. Forcément, il y allait avoir un truc en mode des sangs purs, des sangs pas purs, des machins, des mecs qui sont descendants droits et tout, des grandes conneries comme ça encore, tu vois. C'est arc troll. C'est par hasard, il vient de dire que c'est leur ancêtre qui avait créé, on le savait déjà. Ouais, non, mais bien sûr, c'est ce que je disais, tu vois. Non, mais quand je dis tiens, 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 c'était la référence, tu vois, la dernière fois, quand on en parlait, on se disait... C'est bizarre. J'ai oublié, juste après, il y a le gouvernement mondial qui arrive. Tiens, tiens. Étrange. Ouais, des moldus, mais direct, je pensais à Harry Potter quand j'ai vu ça. Les sangbourbes, quoi, c'est tellement ça, genre. Mais c'était obligé qu'il allait y avoir un truc avec le sang pur, le machin et tout. Quelle connerie, quoi. Quelle connerie. Oui. Prépare-toi, tu vas avoir beaucoup d'infos. Ah ouais? Ouais. Ok. Chapitre 498, les 11 supernovas. J'avouerai, Bruno livre un show bestial. J'adore. La gueule. Regarde, regarde, Kinder Bueno, là, la tête qui fait, là. Putain. Oh, merde. Non, mais le respect, quoi. Putain, en plus, il s'est mis du feu sur la fourrure. Putain, je suis mort. Ah non, mais ça me fume, tu sais, de les voir un peu en mode cirque, tu sais. Genre, ils ont plus d'argent, du coup, ils doivent improviser un petit cirque, tu vois. Le Spillane qui fait la manche. Oh putain de merde. Bazooka. Attends, quoi? T'es le plus fort, Luffy. Attends, je me suis encore fait One Piece Head, là? Il y a une transition, là, c'est pas possible. J'ai super bien mangé, je suis invincible. Ouais, ok, transitionned, ok. Ouais, j'étais en train de me dire, attends, qu'est-ce qui se passe, là? Il a attaqué les dragons célestes, ou... Ok, bon, ça me rassure. D'où peuvent venir sortir tous ces chasseurs de primes apparus sans crier gare. Vous êtes vraiment balèze. Et voilà le travail, il n'y en a plus un seul debout. Ça commence à bien faire, c'est la troisième attaque surprise. Mais par contre, c'est dinguerie, cette île. Cette île, t'es un pirate, t'es en danger, quoi. C'est vraiment... C'est le monde à l'envers, tu sais. T'es un pirate, t'es en danger, quoi. C'est... En fait, cette île... Mais vous savez à quoi ça me fait penser, cette île? En fait, cette île, c'est Jaya. C'est Jaya, mais inversée, en fait. Tu vois? C'est Jaya inversée. Genre, en mode Jaya, c'était un peu le repère malfamé des pirates. Si t'étais pas un pirate pure souche, ouais, frérot, t'es dans la merde. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est genre en mode, c'est l'île en mode où si t'es un pirate, oh là, attention, hein, tu vois, genre... C'est vraiment l'inverse de Jaya ici, quoi.
sans compter le fait qu'on ne voit plus aucun restaurant, magasin de souvenirs. Même les gens se font rares, il y a bien des boutiques qui se ressemblent et des habitations, mais tout paraît suspect. Ce n'est pas ici qu'on trouvera un artisan revêteur. L'archipel des Sabaodies est très étendu. Vous savez, certains secteurs échappent au contrôle du gouvernement. La marine ne s'aventure que rarement dans ces régions reculées. Nous sommes ici... Attends, nous sommes ici en le Groove 16. Comment ça, en? La phrase veut rien dire. Ah, dans. Ok, ouais, il manque le D. Ok, okay, j'étais en train de bugger de fou. Il manque le D. Merci Abder1400 pour le follow et merci Léa pour le sub offert, merci beaucoup. Ouais, j'étais en train de bugger, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le secteur qui s'étend du groove 1 au groove 29 est considéré comme une zone de non-droit. Ah putain, c'est là où est parti Zoro. Zoro, il est parti... Attends. Zoro... Zoro, il a cru... Ouais, attends, c'est ça. Zoro, il a cru que c'était le 1, alors que c'était le 41. Mais ça donne pas forcément l'idée sur là où il va aller, quoi, en fait. Oh putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu, quoi. Zoro, il est perdu. Non, mais par contre, non, mais c'est... Mais ça me fume, parce que, tu sais, en fait, l'île, on dirait un parc d'attractions. C'est tout... Il y a plein de verdure, il y a plein d'arbres, il y a des bulles de savon. Genre, l'île, elle a l'air toute gentille, toute mignonne, tu vois. Et dans l'île, frérot, tu te fais attaquer toutes les deux secondes. T'as des dragons célestes, t'as des esclaves, tu attaques par n'importe qui. T'as des putains de gens là qui se font crucifier sur les panneaux. T'es là en mode ok, genre. Eh mais attends. Non mais attends une minute, là c'est un marine ça. Attends, il a une casquette marine, il a une veste blanche. Longue en plus. Oh, c'est un marine. Bah oui, c'est marqué. Comment ça, c'est marqué? C'est marqué où? Enfin, moi, je lis pas ça, hein. Je lis pas ces écritures, moi, les amis. Hein. À droite. T'as descendu tout en bas, là? Mais en même temps, pourquoi ils l'écrivent comme ça aussi? Genre, s'ils l'écrivent à la verticale, je le vois pas. Non, les gens, non, je suis pas d'accord. C'est pas un flop validé, ça, non. Non, mais faut lire aussi. Mais c'est à la verticale comme ça sur le côté droit, je peux pas le savoir. Non, mais les gens, non. Non, les flops, là, c'est trop. C'est juste trop. Non, ça c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Je suis sûr que la première fois, vous l'aviez pas vu. Les détails sont importants. Mais franchement, ça se voit pas. En plus, en vrai, je mérite vraiment pas le flop. Parce que autant j'ai pas vu l'écriture, mais j'ai reconnu un marine. Ben, moi j'ai reconnu un marine. Je l'ai reconnu. Et pour. Si j'avais vu l'écriture et que j'avais pas cru que c'était un marine, là oui, la flop. En vrai, ça va. Je l'ai fait dans le bon sens. Mec, essaie de se défendre. Jetez donc un œil à cette carte. Les groupes sont répartis 10 par 10 selon leurs particularités. Ça n'a rien d'officiel, mais ça permet de se faire une idée de ce qu'on trouve dans chaque endroit. Ça me fume, quoi. Il y a un parc d'attractions, tu sais. L'île, c'est une putain d'île malfamée. Tu peux mourir à tout moment. Il y a un parc d'attractions, tu sais. Genre, flop céleste. Zone touristique, ok. Chantier naval. Garnison de la marine. Oula. Zone fréquentée par les membres du gouvernement. Hôtel. Marché humain, zone de non-droit. Ah ouais. Ah ouais, je vois, ok. Donc alors, attends, eux... Oh putain, je sais ce qui va se passer, du coup. Je sais ce qui va se passer. Parce que là, tout à l'heure, ils étaient au 41. Donc ils sont arrivés par la zone touristique, grosso modo. Zoro est parti. Explorer l'île. Sauf qu'il a cru... Oh putain, oh non. Zoro, il a cru qu'il devait revenir au numéro 1. Donc ce qui va se passer... C'est que Zoro, pour la seule fois de sa vie, il va se rappeler que c'était le numéro 1 et il va se dire « Oh, let's go, je suis trop fort, j'ai enfin réussi à me retrouver mon chemin. » Sauf que la seule fois de sa vie où il faut qu'il se trompe, il va pas se tromper. Et du coup, il va aller au numéro 1. Et le numéro 1, c'est littéralement dans la zone de non-droit et à côté de la marine. Ça peut pas être pire. L'endroit peut pas être pire. Non mais, les gens, mais c'est obligé que ça va être ça.
Genre, la seule fois où Zoro va se rappeler de l'endroit où il doit vraiment revenir et qu'il va réussir, c'est la seule fois où il faut pas, où il faut qu'il se trompe. C'est obligatoire que c'est ça qui va arriver. C'est obligatoire. Non, mais c'est obligé. T'aurais pas pu le dire plus tôt. On aurait demandé à Zoro et Sanji de venir à notre place. Ce n'est pas grave, notre destination n'est plus très loin, nous arrivons bientôt au Groove 13. J'ai trouvé que vous vous battiez très bien, Chopper et le squelette, la grande classe. Ce genre de compliment ne me touche pas, mais alors pas du tout. Vous allez me faire rougir. Ah non, puisque je n'ai pas de peau. La vache, qu'est-ce qu'ils sont forts. On ne fait pas le poids face à des types dont la prime atteint les 300 millions. Pour une fois que tant de grosses pointures sont présentes sur cette île en même temps, je me disais qu'on aurait au moins pu s'en faire un au moins. Zoro l'homme introuvable. Zoro qui se perd, c'est comme une loi de la physique. Ouais, mais justement, la limite, ce serait trop marrant que la seule fois qu'il arrive à pas se perdre, c'est le moment où il faut, limite, qu'il se perde tellement, tu vois. Je dois encore rencontrer l'humain qui peut préchoter les événements de Sabaody. Archipel des Sabaody, Groove 13. On est arrivé, c'est pas trop tôt. C'est le magasin là-bas sur la racine. J'espère qu'il est encore ouvert. Parce que ça doit bien faire 10 ans que je n'y ai pas mis les pieds. Et cet artisan revêteur, c'est aussi un homme poisson. Je suis impatient de faire sa connaissance. À vrai dire, ni moi ni Papag ne l'avons rencontré, mais il paraît que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je le connais depuis que je suis gamin. Eh bien, voilà un bar qui ne cache pas ses intentions. T'es sûr de toi, Octi? Je trouve ça vachement agressif, comme devanture. Ne vous en faites pas, les patrons sont des crèmes. Mais il y a écrit que c'est un bar, t'es sûr que c'est là? Riley, Shaki, vous êtes là. Promis, je vais vous payer. Attends. Je suis en train d'essayer de remonter dans mes souvenirs, mais c'est pas facile. Mais ce nom-là me dit un truc. Ce nom me dit quelque chose. Je sais pas d'où je l'ai vu ou entendu. Mais ce nom me dit un truc. Le deuxième, il me dit rien. Le deuxième, je connais pas du tout. Mais le premier, je suis sûr de l'avoir déjà vu ou entendu. Je sais pas où. Mais ça me dit un truc. Oula, bon, j'ai vu direct Emoticon Only, donc à mon avis, c'est qu'effectivement, j'ai pas dû me tromper. Ça doit effectivement être quelqu'un que j'ai peut-être déjà vu ou lu, ou j'en sais rien, genre. Ok. Bonjour. Qu'est-ce que vous prendrez? Ah, mais... Patronne du bar, ancienne pirate. Shaku, Yaku, Shaki. Ok, donc Shaki, c'est elle. C'est toi, Octi? Ça fait un bail, Shaki. Tu m'étonnes 10 bonnes années au moins. Asseyez-vous, je vous en prie. Je fais cracher une somme exorbitante à ces messieurs, je suis à vous. Prends ton temps, n'est pas pressé. Alors comme ça, tu t'es retiré de la piraterie, tu as fait le bon choix. Rien ne vaut une vie bien rangée. Et toi, Kémy, qu'est-ce que tu fais? C'est rare de voir des sirènes sur la terre ferme. Tu es la petite copine d'Octi. Quoi? La fameuse Enerface. Il ne m'a pas encore demandé ma main. Tu brûles les étapes là, Kémy. Elles mettent dans mon échoppe de takoyaki. Je vois. Excusez-moi, qu'est-ce que je vous sers à boire? Vos fèves de soja mitonnées sont un vrai délice, Shaki. Ça ne se fait pas de fouiller dans le frigo de ses hôtes, vous n'êtes pas chez vous. Ce n'est pas grave, laisse-les se servir. Le Fibrook, faites attention, elle va tenter de vous arnaquer. Je ne fais jamais payer les amis d'Octi.
Tiens, c'est pour toi. Une barbe à papa, ça me donne trop envie d'en remanger. Les barbes à papa, c'est le genre de truc, quand j'en vois, ça me donne envie de la manger, tu vois. Ça me donne envie d'en reprendre. Dis, madame, comment tu connais le plat préféré de Chopper? Vous êtes bien l'équipage du petit Monkey, n'est-ce pas? Alors, en vrai, j'étais en train de bugger, en train de me dire, mais attends, mais comment elle peut pas le connaître? Mais maintenant qu'il est célèbre, en fait. J'ai envie de te dire, maintenant que Luffy est célèbre, entre guillemets, genre, est-ce que c'est vraiment surprenant qu'ils la connaissent? Parce que pour moi, maintenant qu'il a... En fait, ça a fait le tour du monde, le truc d'Enies Lobby, pour moi. Le fameux, ce nom me dit quelque chose. Mais oui, mais ce nom, je sais plus si c'est sur Twitter. Ou si quelqu'un m'en a parlé, mais je ne sais plus. Mais je sais que... ça me dit quelque chose, ce nom, en fait. Mais je sais pas. Jean-Paul Monkey. Bah après, je me pose pas de questions, parce que, enfin... C'est... Franchement, c'est... En fait, c'est juste le nom, il m'est familier, mais j'ai... Y a rien qui me vient, en fait. En fait, j'ai beau creuser dans ma mémoire, y a rien qui me vient. Mais... En fait, c'est limite une chance d'avoir une mémoire de merde, tu vois. C'est limite une chance, en fait. C'est pas dans le manga que tu l'as vu. C'est le pseudo d'un de tes viewers. Mais par contre, mais vous savez que des fois, j'y ai pensé. Je me suis dit... je me suis dit, des fois, il doit y avoir des gens... Je les remercie quand ils se sub, je lis leur pseudo. Et il y a plein de fois, je me suis dit, ça se trouve, je lis le pseudo de perso que je connais pas encore. Tu vois. Ben, tu vois, par exemple, Marco Stark. Tu vois. Marco Stark, genre, si ça se trouve, depuis le début, quand je lis son pseudo, quand il se sub, eh ben, ça se trouve, peut-être que son pseudo, c'est une référence à Marco de Barbe Blanche. Tu vois. Ça t'est déjà arrivé, effectivement. Tu vois. Je me dis, en vrai, mais 100%, ça a déjà arrivé plein de fois et j'ai pas gagné. Ben, Lucci, ouais, voilà, Lucci, je sais. Il y a un Lucci dans le chat, je le connais, tu vois. Smokens. Smokens, je me doute qu'il y a un truc avec Smoker. Enfin, tu vois, c'est marrant, quoi. C'est. Il y en a plein. Tu lisais mon pseudo quand Lucci n'avait pas encore été retenu. Mais, ah, mais je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Je m'appelle Marco IRL. Ah, bon, désolé. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est alors, tu sais aussi qui je suis. Bien sûr, on ne parle que de vous en ce moment et je suis du genre à me tenir au courant. Je suis une vraie célébrité, Luffy. Bah ouais, c'est ce que je disais. En vrai, depuis Enies Lobby, ça a fait le tour du monde. Littéralement, ça a fait le tour du monde. Tu peux pas t'attaquer à Enies Lobby et que ça fasse pas du bruit, c'est impossible, genre. Il y en a bien plus que tu le penses. Par contre, j'ignorais que vous aviez un squelette dans votre équipage, qui plus est un squelette vivant. J'ai lu dans les journaux vos exploits à Enies Lobby. Quelle est la part de vérité? Vous avez vraiment cherché des noises au gouvernement mondial? Laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler, c'est trop long à raconter. Je vois, tu n'es pas du genre à te vanter, c'est tout à ton honneur. Mais dis-moi, tu as le même nom que l'officier Garp de la marine. Oui, c'est mon grand-père. C'est bien ce que je pensais. Tu sais, il m'a déjà traqué dans le passé. Oh, mais elle, ça se trouve, ça a été une pirate de ouf! Si ça se trouve, ça a été une pirate de malade, genre. T'imagines? T'imagines, à l'époque, c'est genre, c'était une pirate de zinzin, tu sais? Pour qu'elle se fasse traquer. Mais non, mais en vrai, attends. Pour qu'elle se fasse traquer par Garp, je pense que ça devait être quand même une bonne pirate, tu vois. Genre, Garp, il va pas traquer quelqu'un qui a 5, 5 millions de. Attends, oui, 5 millions, ouais. 5 millions de berries, tu vois. Comment ça, dans le passé, elle a quel âge? Mais j'avoue qu'en fait, elle avait pas l'air si vieille que ça. Mais maintenant qu'elle dit ça, en fait, j'ai l'impression qu'elle est plus vieille qu'elle en a l'air, tu vois. Ah ouais, pourquoi? Avant, Shaki était une pirate. Mais ça fait plus de 40 ans que je me suis rangé! 40 ans, mais ça te fait quel âge? Aujourd'hui, je me contente d'apporter mon aide aux petits jeunes comme vous qui se lancent dans l'aventure. Oh! Mais elle est ultra vieille! Non, mais par contre, elle fait vraiment pas son âge, hein. Elle a environ 60 ans. Putain, c'est une dinguerie. Qu'elle ait 60 ou 70, c'est une dinguerie. Par contre, elle fait vraiment pas son âge. Hein. Le secret de Kouréa. À propos de Shaki, ne dis rien, Octi, je sais pourquoi vous êtes là. Si Kemi et toi avez pris le risque de passer par la voie terrestre pour venir jusqu'ici, c'est parce que le petit Monkey et ses amis sont à la recherche d'un artisan revêteur. Ah bah, du coup,
Du coup, le nom, là. Le nom qui me dit un truc, là. Donc, c'est... attends, Riley. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça. Riley, du coup. Ben, s'ils viennent là, là. Et qu'il arrive en disant, est-ce que toi, t'es là? Est-ce que Riley est là? Et qu'elle sait qu'il vient à la recherche d'un artisan revêteur, c'est que ce Riley, c'est un mec qui fait du revêtement, du coup. Genre, en gros, c'est un peu un... à la Frankie, quoi. Riley, ok. Riley, ok. Donc, en gros, c'est un genre de Frankie, quoi. Dans l'idée. Enfin, pas charpentier, t'as compris, tu vois. Mais genre, un peu en mode manuel, tu vois. Genre, c'est un gars... C'est un gars, ouais, genre un peu dans le style Frankie, manuel, artisan, quoi, tu vois. Lis la prochaine bulle. Et vous voulez demander à Riley de s'en occuper, n'est-ce pas? Tout à fait, Shaki. Le souci, c'est qu'il est absent en ce moment. L'artisan qu'on cherche n'est pas là. Comment est-ce qu'on va faire pour aller sur l'île des hommes-poissons? Ne vous en faites pas, de toute façon, je le vois mal quitter l'archipel. Vous le trouverez sûrement dans un bar ou une salle de jeu. Ok. Je préfère attendre qu'il y revienne. Comme tu voudras, mais ça doit faire 6 mois qu'il n'est pas rentré. Ah oui. Mais attends, mais le gars, il part 6 mois de chez lui. Il reste dans l'archipel. Il s'en branle, quoi. Genre, tu sais, quand tu pars 6 mois, tu pars loin, quoi. Tu sais ce que je veux dire, genre. Le frère d'Iceberg. Marie infidèle. Ah, mais vous pensez que c'est sa femme? Ah, j'ai... Mais, non, mais par contre, le pire, c'est que j'ai pas du tout pensé, en plus. Mais en fait, mais oui, c'est totalement possible. C'est peut-être sa femme, en fait. En vrai, c'est... Mais en fait, j'aurais dû... Enfin, c'est logique, presque, en fait. Tu te dis, c'est logique que ça soit sa femme, entre guillemets. Parce que, genre, ils sont tous... Normalement, ils sont censés se retrouver au même endroit. Donc, j'ai envie de te dire, limite, c'est leur maison, quoi, tu vois. Parti acheter du lait. Le bâtard. Il a dû se trouver une petite femme dans le coin et rester auprès d'elle. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Ah bah non. Bah non, du coup. Eh bah non. Bon bah du coup, c'est pas sa femme. Oh putain. C'est sans doute dans la nature des pirates que d'abandonner le foyer pour de si longues périodes. Lui aussi, il était pirate. Enfin, un compteur de théorie d'une case. Là, j'avoue, le chat qui m'a donné fausses infos, là. Je suis pas fier de vous. Nous voilà bien embêtés. Je crois que nous allons devoir partir à sa recherche. Auriez-vous une idée plus précise d'où il peut être? Voyons voir. Si j'étais vous, je me limiterais à la zone couvrant les grooves 1 à 29. Comme il est en permanence surveillé par la marine, c'est le seul endroit où il est un peu tranquille. Attends, mais le 1-29, c'est pas la zone de non-droit, du coup? Non mais, t'imagines, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue que... Ouais, franchement, j'ai envie d'être un peu tranquille, je vais aller dans la zone de non-droit. Je crois être le seul qui t'a envoyé pas dans le mur. Ouais, j'avoue. Tu sais, c'est vraiment en mode... Ouais, je suis tellement surveillé par la marine que dans la zone de non-droit, je suis tranquille. Quoi? Oh putain. En dehors de ce périmètre, je sais... qu'il se rend parfois au Sabaody Park, donc ça je crois que c'est la fête foraine, en gros. Le parc d'attractions, c'est par là où on va commencer. Le parc d'attractions. Camille, qu'est-ce que je t'ai dit? Non mais, c'est gosse quoi. C'est vraiment des gosses. Comme les marines sont interdits d'y aller. Oui, mais en fait j'avais oublié que les marines pouvaient pas y aller du coup, donc... Je suis rincé. Quel que soit l'endroit où vous chercherez, je vous conseille de rester sur vos gardes. Selon mes informations, maintenant que vous avez débarqué sur l'archipel des Sabaody, 11 pirates dont la prime dépasse les 100 millions se trouvent ici. Tant que ça. Oui, ils sont 9, en plus du petit Monkey et de son ami Roronoa. Tant, quand même, hein. Mais une OST épique. Ok, attendez. Hop là. Je sais pas si c'est la mieux adaptée, mais on va mettre celle-là. Quand vous êtes arrivé à l'entrée de Grand Line, 7 routes différentes s'offraient à vous, vous en avez choisi une, et votre logpost vous a ensuite guidé jusqu'ici, c'est ça? Oui. C'est pourquoi vous ne serez pas surpris d'apprendre que pendant ce temps, d'autres équipages ont emprunté les 6 autres routes,
et ont dû, tout comme vous, surmonter de nombreux obstacles. En vrai, je vous jure, je rêverais de voir le trajet des autres, tu vois. Genre, tu sais, limite qu'il y ait des fillers, tu vois. Des fillers ou des OAV ou des trucs comme ça, où tu vois le trajet de d'autres pirates, en fait. Tu vois, ça pourrait être tellement stylé. Tu le verras jamais, pas le temps. Ouais, mais c'est trop dommage, tu vois. Genre, ça pourrait être trop stylé que tu vois le trajet de d'autres gens que tu... Tu sais, que genre, que tu connais après, tu vois. Genre, des mecs après que tu croises plus tard et tout, que tu dises, ah, ils ont fait ça. Merci, Chrompopoulos, pour le sub à Feralucci, merci beaucoup. Ouais, ou un spin-off, ouais, par exemple. Comme toutes ces voies maritimes finissent au pied de Red Line, tous les voyageurs qui désempruntent se retrouvent ici en vue de traverser cette muraille. Vous me suivez? Ce n'est pas tous les jours que des nouveaux venus du monde entier se retrouvent au même endroit au même moment. Kid, Luffy, Hawkins, Drake et Lao. Des noms qui, ces temps-ci, font régulièrement la une des journaux. Je m'en fiche, je ne lis pas les journaux. Donc eux, c'est censé être les... Bah oui, de toute façon, vu que Luffy est inclus dedans, bah c'est ceux qui font partie des grosses primes, on va dire, quoi. Ça se prononce l'eau, ok. L'eau. Putain, mais par contre, les prononciations, j'ai trop du mal à chaque fois. L'information peut parfois être une arme. Tu ne crois pas que tu devrais au moins connaître le nom de tes rivaux? En termes de primes, Luffy n'occupe que la deuxième place de ce classement? L'eau et Hawkins, ok. Ok. Ça veut dire qu'il y a sur cette île quelqu'un de plus fort que lui? Oh, par contre, attends, mais il y a quelqu'un qui a plus de 300 millions de primes? En vrai, c'est une dinguerie, par contre. Groove 24 dans un restaurant. Quel monstrueux appétit. Où stocke-t-elle tout ce qu'elle dévore? Cette femme est d'une vulgarité sans nom. Elle m'a coupé l'appétit. Faites la terre. Originaire de West Blue, capitaine de l'équipage Fire Tank. Capone Gang Big Beige. Je sais pas si comment ça se prononce. Prime 138 millions de berries. Mais lui. Bégué. Ok, bégué. Putain, mais les prononciations, les gens, c'est trop dur. C'est trop dur, les prononciations. Ouais, t'inquiète, Taiko, ils m'ont dit que c'était Riley, qu'on dit. Non, mais genre, il a 138 millions de primes, lui. C'est Al Capone de Wish, quoi. Al Capone de Wish. BG, ah, c'est BG, c'est pas BG, ok. Non, mais... Le gang BG, quoi. Le gang BG. Je suis mort. Alors que c'est tout sauf un BG. Mais vous savez à qui me fait penser? Est-ce que vous voyez dans Tintin, je crois que c'est Tintin, putain, comment il s'appelle? Tintin et, tu sais, quand ils sont sur une île, vous voyez ou pas? Genre le Tintin, quand ils sont sur une île et qu'il y a une éruption et tout, vous vous souvenez ou pas de celui-là? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Et genre, on dirait, non, pas Rastapopoulos, on dirait de l'autre, là, le gars avec le chapeau, là, le Karedas, je crois il s'appelait. Ouais, c'est ça, vol pour Sydney, c'est ça. Vol pour Sydney. Il me fait penser de fou au milliardaire, là, le Karedas, là. C'est un mélange des deux. Oh, putain. N'oublie pas que le chiffre est 1m72 et pas très stock. Ouais, mais là, bon... BG, je veux bien, mais... Aïe, aïe, aïe. 138 millions, c'est une dinguerie. Ça risque de nous attirer des ennuis faveurs. Le quartier général de la marine est tout près d'ici. Où sont mes plats? J'ai demandé à ce qu'on me reserve. Oh putain. Oh, non mais comment elle est... Oh la position, Oda, t'étais pas obligé. T'étais pas obligé de la mettre comme ça, genre. Ils font tout ce qu'ils peuvent en cuisine, capitaine. Qu'ils se dépêchent, je n'aurai bientôt plus rien à me mettre sous la dent. Apportez-moi des pizzas. C'est une ogresse, quoi. C'est une ogresse, quoi. Ouais, franchement, on est d'accord. La position comme ça, t'étais pas obligé, genre. Originaire de South Blue, capitaine de l'équipage de Bonnie. Jewerly Bonnie la gloutonne. Prime 140 millions de berries. Oh.
une dinguerie. Non mais par contre les primes sont hallucinantes. Enfin après, peut-être que tu vois, ils sont plus forts que je pense, mais ouais, je suis là en mode mais c'est chaud. Hein. Ok. Mais pourquoi il a renversé des spaghettis sur mes habits? Disons que c'était le destin de tes vêtements. Et que celui-là ne voulait pas te faire peur. Tu es quelqu'un, aujourd'hui, risquerait de nous porter malheur. Je suis désolé. Originaire de North Blue. Eh mais attends, à chaque fois ils viennent d'un endroit différent. Lui, il vient de West Blue. South Blue. North Blue. Ok, ils viennent tous d'un endroit différent, j'ai l'impression. Capitaine de l'équipage de Hawkins. Basil Hawkins, le magicien. Prime 249 millions de berries. Oh. Oh putain, mais c'est la course. C'est la course à la prime, quoi. Franchement, mais en vrai, ils ont... Le premier, il a l'air un peu ridicule, tu vois. Après, la fille, je pense qu'il faut se méfier dans l'idée. Et lui, il a vraiment l'air chaud. Par contre. Lui, ça a vraiment pas l'air d'être rigolo, lui. Ah, les traits noirs, c'est bizarre, par contre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bagarre? Si tu veux te battre, il va falloir attendre d'être de l'autre côté de Red Line. Arrête à Pou. Compris. Parce qu'on dirait que tu ne sais pas qui tu es en face de toi. Capitaine, pas ici. Il fallait me regarder comme ça. Il fallait me regarder comme tu le fais depuis tout à l'heure. Tu me fous la gerbe. Et plus vite je te supprimerai, plus vite je me sentirai mieux. Originaire de South Blue, capitaine de l'équipage de Kid, Eustace. Eustace, capitaine Kid. Prime 135 millions de berries. J'ai déjà vu sa tête par contre. Je crois que j'ai déjà vu quelqu'un sur Twitter qui avait une photo de profil avec cette tête. C'est pas 100. Oula, tout le monde qui s'affole là. Il y a tout le monde qui s'affole. Attends, c'est quoi le problème? Ah, c'est pas 135? Ah oh, putain, les gens, ça les a trigger de fou. Tu vois. Eh non, mais par contre, je vous jure que vous m'avez fait trop rire parce que je vous ai jamais vu écrire aussi vite de ma vie. Je vous ai jamais vu écrire aussi vite. J'ai dit 135. Je vous jure, j'ai tourné la tête. Je n'arrivais même pas à lire le chat tellement les gens réagissent vite. Mais en vrai, je me dis, si vous avez réagi aussi vite pour la prime, je pense que c'est que vous l'aimez bien, à mon avis. Si genre j'ai lu une mauvaise prime et que vous avez réagi aussi vite, c'est que vous l'aimez bien, je pense. Merci Patoche pour le follow, merci beaucoup. Mais oui, lui, je crois que j'ai vu quelqu'un. Je sais pas si c'est une personne, mais en tout cas, j'ai au moins vu quelqu'un qui avait une photo de profil Twitter, et je crois que c'était cette tête-là, il me semble. Parce que je me rappelle d'une coupe un peu Végéta, tu vois, et de lunettes de ski, genre. Ça me dit... Enfin, j'ai déjà vu quelqu'un qui a une photo de profil avec cette tête. Donc, en vrai, je me dis, si le gars avait une photo de profil avec cette tête, c'est que le gars, c'est pas un random, genre, en mode, on va pas juste le voir là, et après, finito pipo, tu vois, genre. Encore un qui n'a pas de sourcils. Putain, ouais, il a 315 millions de berries. Oh, il est plus que Luffy, quoi. Originaire de Grand Line et membre de la tribu des Lombras. Capitaine de l'équipage du On Air, Scratchman Apu, la marée rugissante. Prime 198 millions de berries. Oh, il a 315 millions, putain. Surtout qu'on a dit que Luffy était numéro 2 niveau prime, donc c'est lui le premier. Ouais, c'est ça, quoi. C'est lui le premier, du coup. J'entends rigoler, tu sais, à côté pour rien, genre. Groove 21. Le moine fou est déchaîné. Mais il est immense, lui. Non, mais tu... C'est quoi ce golem, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce géant? C'est le titan colossal. Regarde les dents de Apu. Ah, mais il a un appareil dentaire. Il a un appareil dentaire. Il a le fruit du démon de l'appareil dentaire. T'imagines, il a le fruit du démon de l'appareil dentaire. Il envoie des dentiers. Comme ça. C'est un piano. Comment
Comment ça, c'est un piano? Ah, j'avoue, on dirait un piano. J'avoue, on dirait un piano avec les touches. J'avoue, on dirait un piano de ouf. Oh, par contre, oh, lui, il a l'air énorme. Il a l'air de faire 8 mètres de haut, tu sais. C'est un délire. Si vous avez envie de vous défouler, faites-le dans le nouveau monde. Originaire de North Blue, capitaine de l'équipage de Drake. X. Drake, le pavillon rouge. Prime 222 millions de berries. Et pourquoi lui, ils l'ont pas présenté, du coup? Genre, lui, ils l'ont présenté contre lui, mais pas lui. Bizarre. Oh, mais il est immense! Mais frère, mais c'est quoi ce monstre? C'est quoi ce monstre? Tiens donc, Drake l'officier déchu. Tu peux le remercier, l'homme masqué vient de te sauver la vie. Attends, tu peux le remercier, l'homme masqué vient de te sauver la vie. Originaire d'une île céleste, capitaine de l'équipage des moines dépravés. Urouge, le moine fou. Prime 108 millions de berries. Bah en fait, limite, c'est un petit joueur avec sa prime, quoi. J'étais en train de me dire, waouh, ouais, lui, il va être trop chaud de fou et tout. Et en fait, limite, je crois que c'est lui qui a la prime la plus basse, en fait. Hein. Enfin, je crois, hein. Je crois que c'est lui qui a la prime la plus basse. Non, mais le gars, il porte des poutres en acier, quoi. Non, mais... Ok, originaire de South Blue, combattant de l'équipage de Kid. Killer, le massacreur. Prime 162 millions de berries. Mais en fait, mais cette île, ça va être un battle royale, en fait. Cette île va être littéralement un battle royale. Au final, tu vois, là, dans tous ceux que j'ai vus, alors eux, j'ai jamais vu. Jamais vu. Et il n'y a que lui. Il n'y a que lui que j'ai déjà vu en photo. Il n'y avait que lui que j'ai déjà vu en photo de profil Twitter, mais c'est tout. Genre, j'avais juste vu sa gueule. Par contre, tous les autres, je ne les ai absolument jamais vus, genre. Attends, ouais. Ouais, c'est bon, ça, c'était bon. Juste au moment où ça commençait à devenir intéressant. Dis-moi, Drake, combien d'hommes as-tu tué? Attends, lui, je crois que j'ai vu en photo aussi. Lui, je crois que je l'ai vu en photo sur Twitter aussi. Je suis sûr que c'est comme l'autre, là. C'est comme lui. Lui, je l'ai vu en photo de profil Twitter, c'est sûr et certain. Et lui, je suis pas sûr, mais je crois que je l'ai vu aussi. Originaire de North Blue, capitaine de l'équipage du Hurt. Trafalgar Law, le chirurgien de la mort. Prime 200 millions de berries. Je crois que je l'ai vu lui aussi. Je crois que c'est les deux que j'ai vus en photo de profil, il me semble. Parce qu'en fait, sa tête là, avec son bouc ici, et le chapeau, ça me dit un truc, le chapeau blanc là, bizarre là. Je sais pas. Je sais pas, je crois que j'ai déjà vu en photo, il me semble. Loi, le pull le plus vendu de One Piece. Des tonnes d'équipages pirates réussissent à pénétrer sur Grand Line, mais rares sont ceux qui parviennent jusqu'ici. Tous les obstacles que vous avez rencontrés en cours de route ont fait office de sélection préalable. Et seuls les meilleurs d'entre vous, ceux qui ont survécu au voyage, se retrouvent sur cet archipel. Si ça se trouve, parmi vous se cache le futur leader de toute la nouvelle génération de pirates. Quoi qu'il en soit, face à une telle quantité de jeunes loups, le nouveau monde n'a qu'à bien se tenir. Et si tu veux savoir pourquoi la prime de Capitaine Kidd est plus élevée que la tienne, la raison est simple. Lui et ses hommes n'hésitent pas à causer de sérieux dommages chez les civils. Ce n'est pas très glorieux, n'est-ce pas, j'avoue. Par contre, j'avoue, ça c'est pas ouf en vrai. Law mériterait une prime plus haute. Le personnage de Law peut-être, parce que le personnage est inspiré de Valentino Rossi. Ah, je sais pas. Après, moi, c'est vague, hein, tu vois, quand... J'ai pas de mémoire, j'ai une mémoire de merde. Donc en fait, quand je me rappelle d'un truc, genre par exemple, là, je me souviens avoir vu une photo de profil... Enfin, il me semble que j'ai vu une photo de profil de quelqu'un qui avait sa tête... Ça se trouve, j'y fous le merde. J'ai tellement pas de mémoire qu'en fait... mais après, ça me paraît bizarre, tu vois. Ça me paraît bizarre que je le reconnaisse. Si j'ai jamais vu, il y a un truc qui cloche, tu vois, genre.
Super important cette information sur les primes à retenir pour la suite. Ah, tu veux dire en gros que genre, quand tu t'attaques à des gens innocents, ta prime elle grimpe en flèche quoi en fait. En fait c'est GTA quoi, tu vois. C'est vraiment GTA en fait. Genre dans GTA, tu agresses des civils et tout, les étoiles ça monte d'un coup, tu vois. Genre quand tu causes des dégâts. Mais en fait c'est dégueulasse de faire ça par contre. C'est dégueulasse de faire ça, genre. Le gars, mais surtout qu'en plus, non seulement c'est dégueulasse, mais en plus c'est pas très glorieux, tu vois. Genre t'es là en mode, bon, je vais faire chier d'innocents civils, comme ça je me mets pas en danger, et en plus ma prime augmente plus. C'est pas toujours une question de puissance. Ah ouais, mais j'ai compris, hein, ça vous inquiétez pas. Hein. Tous les pirates sont pas aussi cool que les Mugiwara. Ouais, bien sûr, tu vois, mais pour moi, chez les pirates, pour moi, il y a toujours un peu une notion de fierté, tu vois. Genre, pour moi, il y a quand même une notion de fierté. Tu vois, Barbe Noire, regarde, ben voilà, Barbe Noire, c'est l'exemple typique. Pour moi, Barbe Noire, c'est l'exemple parfait. Barbe Noire, tu vois, c'est un mec qui a une ambition de folie, c'est un mec qui a l'air de rien, de renoncer devant personne pour arriver à ses fins, d'être un connard, entre guillemets. Mais Barbe Noire, dans un sens, il a de la fierté, tu vois. Barbe Noire, il est là en mode, je ne chasse que ceux qui ont 100 millions de primes et tout, tu vois. Genre, dans l'idée, alors je sais pas si c'est de la fierté ou si c'est parce qu'il veut monter vite, mais dans l'idée, pour moi, il y a quand même un peu de fierté, tu vois. Barbe Noire, il veut être là en mode, voilà, tu vois, j'ai séché quelqu'un qui avait beaucoup de primes. Alors que là, si tu vas attaquer les civils, ça augmente beaucoup ta prime, ouais, mais t'es là en mode, t'as pas fait grand-chose, quoi, tu vois. Donc je sais pas. Moi, ce comportement ne m'inspire pas, voilà. Le comportement de s'attaquer à des civils pour monter ta prime... Ouais, on a vu plus glorieux, hein, on va pas se le cacher, on a vu plus glorieux quand même, hein. Par conséquent, tu es le seul que j'ai vraiment envie de soutenir, mon petit monkey. Merci, c'est gentil, mais moi, je suis d'abord là pour prendre du bon temps. Vous ne devez pas être rassuré de savoir votre ami l'artisan dans un tel endroit. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Parce qu'il est 100 fois plus fort que vous. Oh, LMAX. En vrai, LMAX. Franchement, LMAX. Attends, non, mais 100 fois, mais toujours plus. Non, mais genre 100 fois plus fort que vous, tu sais. Genre, pourquoi pas 1000 aussi, quand tant qu'on y est, quoi. Pourquoi pas 1000 fois plus fort qu'eux, genre 10 000 fois plus fort qu'eux, c'est bon. Et 100 fois plus fort que vous, bah oui. Le gars, genre, il répare des trucs, là, je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'il fait, il est artisan, là, en mode, il s'occupe des bateaux, de mettre un truc dessus. Le gars, c'est un peu genre un artisan un peu franqui et tout. Genre, il est 100 fois plus fort, non, mais frère, tu te rends pas compte, crois-moi. David ne fait pas le moine. Clairement, elle dose de fou. Bah, 100 fois, c'est énorme. 100 fois, t'imagines? 100 fois plus fort que vous. C'est même pas 100 fois plus fort que Luffy, c'est 100 fois plus fort que vous. C'est une dinguerie. C'est énorme, 100 fois plus fort. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Non, là, j'ai l'impression que... Là, il y a des caméras, là. Là, caméra woman et caméraman dans le chat. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des caméras, là. Des belles caméras. Bon. En vrai, les gens, je sais que ça va vous décevoir, mais je pense que ça va être le dernier pour ce soir de chapitre. Parce que je me dis, si vraiment le 500 est aussi exceptionnel que vous me le dites, ça fera un début de stream incroyable, mais vraiment incroyable. Donc, je me dis, je vais peut-être le garder pour mardi, le 500. Surtout qu'en plus, bah là, bon, je suis un peu fatigué, je vous le cache pas. J'ai un peu encore la tête dans le cul. Du coup, je pense qu'on va faire le dernier ce soir. Donc le 499, et comme ça, mardi, on commence le 500. Et vu que vous avez l'air de dire que le 500, c'est une dinguerie, on va commencer sur les chapeaux de roue, quoi, tu vois. Merci Alpha pour le follow, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on se rattrapera plus tard. On se rattrapera plus tard. Chapitre 499, Sabaody Park. Non mais... Kaku se transforme en toboggan. Mais le CP9, le CP9, respectez-vous. Le CP9, respectez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Non mais frère, le CP9, ils font des trucs de cirque, avec les cercles enflammés, avec le chien qui passe dedans. Ils font des toboggans avec la girafe. C'est terrible. Barbodor a massacré deux villes de civils innocents. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, dans l'idée, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que Barbe Noire, il vise des gens qui ont une grosse prime, tu vois. Genre en mode pour l'ego, tu vois. Et là, l'autre, là, je crois que c'est Kid, du coup, il s'attaque en priorité à des innocents, enfin, tu vois, c'est bof, quoi, c'est vraiment bof, en fait. Non, ils me font trop rire, genre. C'est vraiment la fin du CP9, là. Kaku, respecte-toi, mais de fou. De fou. Aïe, aïe. C'est bien d'avoir un gros ego. Bah, en fait, bah, tu vois, la question de Moomin est très, très, très bien. Parce que Moomin, il a demandé, est-ce que c'est bien d'avoir un gros ego? Eh ben, je vais vous répondre. La base globale des gens vont vous dire non. Moi, je vais vous dire oui, mais ça dépend. Voilà. Parce que, en fait, si vous voulez, avoir un gros ego, c'est une des plus grandes armes que la vie peut te donner dans la vie, justement. C'est une des meilleures armes que tu peux avoir. Et ça peut être ton tombeau. Mais vraiment, ça peut être ton pire défaut, ça peut être ton tombeau, ça peut être ton fléau. Et à la fois, ça peut être le truc qui va te propulser jusque dans les étoiles, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, l'ego... Là, par exemple, je vais vous dire un truc. Dans ce que je fais actuellement, dans ce que je fais depuis quelques années, etc., si j'avais pas eu de l'ego... Pas mal placé, j'entends, tu vois. Mais de l'ego, j'aurais jamais réussi. Enfin, tu vois, j'aurais jamais pu en être là où j'en suis aujourd'hui. Genre, jamais, jamais, jamais. Parce que de l'ego bien placé, c'est important. Et de l'ego bien placé, tu le trouves dans le sport. Tu le trouves, par exemple, dans la compétition. Si t'as pas un minimum d'ego dans la compétition, tu n'iras nulle part. En fait. Maintenant, tu as mal compris ce qu'elle a dit sur Kid. Bah, moi, j'ai cru comprendre qu'elle avait dit sur Kid qu'il s'attaquait limite exprès aux civils pour gonfler sa prime, tu vois. Enfin, moi, c'est ça que j'ai compris. Tant que tu arrives à enfiler ta casquette. Non, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que le sport en compète, ça t'apprend à vraiment utiliser l'ego dans le bon sens. Dans le sens pour progresser, et pas pour te la péter, tu vois. Et quand t'as compris ça, tu vas très loin. Donc c'est bien, mais faut pas que ça se tourne mal, en fait. Des Legos. Arrêtez avec votre vanne sur les Legos, là. Moi, vous savez quoi? D'habitude, quand je fais des vannes de merde... vous mettez plein de flop 404, et ben vous savez quoi, c'est votre tour. Voilà. Voilà, vous avez fait une vanne de merde sur les Lego, je vous balance un flop 404 dans le chat, c'est mérité. Voilà. C'est mérité. Non, mais c'est rien, c'est mérité. Voilà. Je pense qu'elle voulait dire que Kid attaque tout ce qui bouge. Peu importe si c'est civil, tant que ça monte sa prime. Ben, dans ce cas-là, alors, j'ai un peu plus de respect. Si c'est ça, j'ai un peu plus de respect. Genre parce que je me dis, il choisit pas exprès les civils, tu vois. S'il s'en fout, bon, ça fait pas de lui quelqu'un de bien, hein, on va pas se le cacher, tu vois. Mais s'il s'en fout, au moins, ça va à ce niveau-là, tu vois. Comment tu trouves Kid? Et moi, il me fait penser un peu à, pas à Vegeta, tu vois, mais genre la coupe un peu en mode de, comme ça. Il y a un côté Saiyan, tu vois. Il y a un côté Saiyan. Au revoir, soyez prudents. Dites-vous bien que la marine est aussi au courant de l'arrivée sur l'archipel d'un paquet de grosses pointures, le contraire m'étonnerait. Ce n'est pas très bon, ça. Vous pensez qu'ils peuvent nous attaquer à tout moment? Je ne crois pas. C'est le destin qui vous a réunis ici, et un peu de chance aussi. Vous arrivez pile au moment où le quartier général de la marine est entièrement pris par une autre affaire. Le but de Kid n'est pas de monter sa prime, c'est juste qu'il se fiche de faire des dommages collatéraux. Oui, mais justement, tu vois, c'est ce que je disais. Du coup, dans un sens, bon, ça reste un pirate mauvais, mais il choisit pas exprès les innocents, tu vois. Bon, c'est déjà ça, quoi. Ça comme ça. Tu préfères Kid ou Law? Bah pour l'instant en design, je pense quand même Kid. Il me fait penser à un Saiyan, du coup en design j'aime bien. Genre, il me fait penser à un Saiyan. Attends, mais pris par une autre affaire, comment ça, genre? Genre, il leur arrive quoi en ce moment? Il se passe quoi là avec la marine là? Qu'est-ce qu'ils font là? Tant que que ne se produit pas le problème de taille, je doute qu'ils concentrent leurs forces sur vous. Faites attention à ne pas provoquer de vagues. Me semble d'ailleurs mieux adapté que soyez prudent. Putain, et en vrai par contre, genre elle a l'air d'être forte, enfin genre elle est ancienne,
elle a l'air d'être forte, elle a l'air de savoir beaucoup de choses, tu vois. Que elle-même, elle leur dise de faire gaffe, de pas provoquer de vagues, c'est là où tu te rends compte à quel point ils sont sur un champ de mine. Vraiment, je vous le dis, la sensation que j'ai sur cette île, si j'étais à leur place, la sensation que j'aurais, c'est que j'aurais la sensation d'être sur un champ de mine. Mais vraiment, je vous jure que cette île, j'ai l'impression que c'est un putain de champ de mine. Genre, tu fais un pas de travers, ça te pète à la figure, quoi. Tu vois. C'est... Et genre, pour qu'elles-mêmes, elles leur disent, je trouve ça chaud. Je me dis, attends, elle sait à quel point ils sont forts et tout. Et genre, elle est là en mode, elle les met en... Elle leur dit, attends, fais gaffe quand même, hein, genre, bon, tu vois. Ah ouais, non, mais vraiment. Merci, monsieur Anonymous, pour les 2 mois d'abonnement. Et merci, Olcio Valiant, pour les 3 mois. Merci énormément, les frérots, pour les subs et le soutien. Merci beaucoup, je sais que... Je n'incite jamais les gens à se sub, mais comme je dis, comme là je le dis de temps en temps, vous vous rendez pas compte à quel point quand vous prenez un sub, bah c'est un énorme soutien. C'est merveilleux. En plus de votre présence, qui est déjà énorme, bah, quand vous prenez un sub, alors là c'est champagne. Non, c'est vraiment merci beaucoup pour le soutien, c'est vous régaler de fou. Merci à tous pour tout, pour les précieux conseils. À bientôt, on part à la recherche du mystérieux artisan. Mais même elle qui les met en garde, vraiment je trouve ça dingue. Vraiment. On espère que ça t'aide, Hunter. Merci, les frérots. Vraiment, vous êtes incroyables. Vous êtes la meilleure commu du monde. La meilleure. Vous êtes sûr de ce que vous dites, messieurs les chasseurs de primes? Oui, sûr et certain. Le vieux chapeau de paille était accompagné d'une sirène. Quand on y repense, ce ne sont pas des pieds que nous avons vus quand elle a retiré ses chaussures, mais des nageoires. Ah, ils les ont observés, quoi. Je vois, le problème, c'est que les types qui l'escortent ne nous laisseront pas faire. C'est quoi cette tête de dégénéré? C'est quoi cette tête de teuteux, genre? Non, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est Robin des Bois! Non, mais frère, il a le chapeau de Robin des Bois, il a la plume de Robin des Bois, il a l'arc de Robin des Bois! Il a le costume vert de Robin des Bois! Oh putain! Ah, salut, Kana! Comment ça va? Oh putain! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Robin de Wish! C'est Robin de Wish! Robin des Grooves! Robin Dibois! Oh mon dieu, mais la gueule qu'il a! En plus, ah oui, mais en plus, c'est les gars qui se sont fait taper! Donc ça doit être le chef des mercenaires, du coup! Ouais, j'avoue, il a des clous sur l'épaule, en plus, cet idiot, genre! Robot a des bains! Oh mon dieu! Ouais, c'est le chef des mercenaires, alors. Une sirène sur la terre ferme, ça reste une occasion en or. Dans la mer, on peut toujours courir pour les attraper. Merci pour le tuyau, les gars. On s'était mis d'accord pour vous reverser 10% du prix de la vente de l'échange en échange de l'info, c'est bien ça? En fait, si vous pouvez y grimper à 20%. Non, on reste sur 10%, ce sera amplement suffisant. Groupe de ravisseurs, chef des Houndpets, Peterman. Mais... En fait, on dirait un mélange de Robin des Bois et de Peter Pan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre. C'est vraiment, on dirait Peter Pan mélangé à Robin des Bois. Peter Pan raté. En vrai, ouais, mais Peter Pan, lui, c'est pas trop l'arc, tu vois. Peter Pan, je crois qu'il avait quoi? Il avait un couteau, non? Peter Pan, je crois. Il me semble qu'il avait un couteau. Pitié Pan. Oh putain, c'est quoi ses pieds? Non mais frère, non mais par contre j'avoue, non mais il y a un moment, non mais il y a un moment par contre, le leg day à la salle, là. Le leg day à la salle, il y a un moment, il faut le faire quoi messieurs, genre. Oh mon dieu, putain. Peter Pan. Il va dans la même salle que Kuma, ouais je crois, ouais. Ça y est, on est arrivé, le Sabaudi Park. T'as vraiment l'intention de chercher le vieux? J'ai comme un doute. Rappelle-toi, la dame nous a justement dit qu'il aimait venir ici. Elle dit ça au cas où nous ne le trouverions pas dans la zone de non-droit. La grande roue. C'est la première fois que je la vois de si près. Ah, oh, c'est trop stylé. Parc d'attractions. Suivez-moi les amis. Non mais, c'est une dinguerie, genre. On va s'éclater. Dis plutôt que tu n'as aucune envie de le chercher. Kevin, il n'est pas question que tu y ailles. Non mais tu sais, genre ils sont là en mode ils risquent leur vie à tout moment sur cette île. Petit parc d'attractions, let's go.
il n'y a pas de machine pour les jambes dans le monde de One Piece. Mais c'est ça, quoi. Les jambes, tu les laisses à l'abandon. Finalement, ce petit train n'avance pas si vite. La vue, quant à elle, elle est... Ah, putain, Brook. Brook, t'as l'impression qu'il est aspiré, tu sais, par le Mafuba dans Dragon Ball. Regarde-le. Et il me fume. Non, mais... Ils sont en vacances. Ils sont en vacances, les frérots, genre. Enter demain, du coup, réact scène de l'animé, comme tu as dit. Ouais, demain, demain pareil. Demain, on va voir les scènes de l'animé. Les scènes de l'animé qu'on n'a pas encore vues. On était globalement à Water 7 et Enies Lobby. Donc, on a pas mal de petites scènes en animé à voir demain. Ça va être bien, bien cool. Genre, il y a beaucoup de scènes d'Enies Lobby qu'il faut que je vois en animé, à mon avis, je pense. Donc, ça sera demain 19h, du coup. Ça va remplacer le stream One Punch Man et Vinland Saga pour l'instant. Je crois bien qu'on n'a jamais monté à bord d'un engin aussi lent. La vue quant à elle... Ces jambes, t'as l'impression qu'elles sont emportées, quoi. Non mais Réa, il est à fond, lui. Il est à fond. En vrai, j'ai peut-être pas continué à mettre un truc épique, là. Genre... Parce que là, bon, truc épique pour un parc d'attractions, bon... On va pas se le cacher, c'est pas le meilleur truc, le plus adapté. Attends, mais... Je sais pas, c'est... Je sais pas c'est trop ce qui s'est passé sur le dernier, mais ok. Ouais, c'était salaud. Tu as vu Luffy contre Lucci? Ah non, non, vraiment, Enies Lobby, je crois qu'on a rien vu. On a vraiment rien vu en vidéo, Enies Lobby. Je crois qu'on est encore à Water 7 dans l'idée. Ils ont cassé le manège. Ah, ils ont cassé le manège! Ah oh mon dieu. Les salauds. Tu es heureuse au point d'en pleurer, Kemi? Oui, j'en rêvais depuis que je suis enfant, je ne suis jamais monté aussi haut. Je m'en souviendrai toute ma vie, merci. C'est sans doute parce qu'Octi, Papag et toi êtes si forts qu'on m'a autorisé à entrer. Qu'est-ce que ça a l'air bien, la grande roue. Moi aussi, tout ça me rappelle mon enfance. Tous les enfants, sirènes et hommes poissons rêvent de pouvoir un jour y grimper. C'est vachement haut. C'est méga haut. C'est super haut. En fait, ça fait de la peine parce que t'as l'impression que les hommes poissons, ils se cachent, tu vois, pour pas être asservis. Et genre, tu sais, ils regardent la grande roue en mode... Tu sais, ils ont des nageoires et tout, donc en fait, ils peuvent pas aller en hauteur, en fait. Tu vois, ils peuvent pas goûter ce que c'est. Que d'aller en hauteur, en haut d'une montagne, en haut d'une grande roue, tu vois, pour voir, avoir une vue, en fait. C'est triste, en fait. C'est trop triste. Venez, on essaie celui-là. La gondole. Oh là là. En vrai, ça manque un peu, les parcs d'attractions. Ouais. J'y suis pas allé depuis longtemps, ça me manque un peu, en vrai. Merci, Coxor, pour ton abonnement avec Prime. Merci beaucoup. Mon frérot Coxor, merci énormément et bienvenue. Oula, non mais... Est-ce que tu peux faire un sourire en V plus V que ça? Pour manger, ça doit pas être pratique. Hein. Ah, par contre, en vrai, les parts de pizza... Les parts de pizza, tu les mets comme ça, tu les mets direct. La part de pizza, tu la fais rentrer d'un seul coup, comme ça. Là. Je pense que tu vois pas du bon point de vue. Ah ouais? Ouais, c'est un bec, c'est ça, quoi. Groove 24. Uru, je regarde là-bas. Tiens, des dragons célestes. Ils n'hésitent pas à s'aventurer dans la zone de non-droit. Quelle bande d'emmerdeurs. On n'a pas d'autre choix que de s'agenouiller et de les laisser passer. Je vous jure, mais juste de relire ça, ça me trigger. Je vous jure que juste de voir que tout le monde s'agenouille devant eux en mode ils ont tous les droits, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Vraiment. Charlia et Père sont partis sans moi. Je me demande bien où ils ont pu aller. Vous n'avez pas à vous en faire, monsieur, nous savons où nous allons. Dragon céleste Saint-Charlos. Mais il s'est pris pour qui, en fait? Mais il s'est pris pour qui? C'est elle que disait Madame 404 tout à l'heure, elle disait qu'il y en avait un troisième. Elle disait qu'il y en avait un troisième tout à l'heure qui était encore pire. J'avais pas vu. J'avais pas vu ici. Non mais juste de le voir, j'ai envie de le soulever.
Le GOTY ultime, arrêtez. Arrêtez, vous essayez de me trigger, je vous connais comme si je vous avais fait. Tu vas l'adorer, celui-là. Oh non, mais là j'ai déjà envie de le soulever, là. Juste de voir qui fait ça. Non, mais lui, ça a l'air d'être une tête à claque. On a tous envie de lui soulever sa daronne. Bon, ça me rassure. Oh là là, j'ai envie de le soulever. J'ai envie de le soulever, déjà. Il a même pas encore trop parlé, j'ai envie de le soulever. Dis-toi qu'ils ont décoration. C'est-à-dire... Tu veux dire qu'ils sont décorés en mode... ils ont des médailles et tout. Tiens, prends ça. C'est de ta faute si on se retrouve à la traîne, tu avances aussi vite qu'une tortue. En plus de ça, tu trembles comme une feuille, je vais avoir des courbatures. Ah, il m'énerve trop. Je vous jure, il m'énerve trop. Vous là-bas, pas si vite. Pourquoi est-ce que vous bougez, misérable humain? Mais t'es quoi, toi, abruti? Toi aussi, t'es un humain, pauvre débile. Le papier hunter. Mais le papier, il est là-bas. Il n'y a plus de papier. Non, mais il est con, quoi. Genre, misérable humain. Mais toi aussi, t'es un humain. Idiot. C'est un dragon céleste. Oui, mais ça reste un humain quand même, tu vois. C'est un titre, dragon céleste, genre. De son point de vue, c'est un dieu. Ouais. C'est un sacré dieu, ça. C'est un saint. Tu ne trouves pas bizarre la bulle autour de leur tête? Bah, c'est le truc qu'ils avaient tout à l'heure, Luffy, non? C'est pas ça? Genre, moi, je le vois comme ça. Genre, la bulle que tout à l'heure Luffy a utilisée pour se mettre dedans et tout machin, eh ben genre, en gros, c'est une bulle qui se met sur la tête pour faire genre en mode on est au-dessus du game, tu vois, genre. Non, ils ont dit, c'est pas pour respirer le même air que les humains. Ouais, enfin, voilà, c'est ça, en fait, pour moi. C'est genre, en gros, ils se mettent la bulle de savon, là, ils se la mettent en mode on ne respirera pas le même air que ces vils chiens, quoi, tu vois, genre... Ils l'ont expliqué, t'étais pas concentré. Non, mais c'était pour voir si vous suiviez, du coup. Vous avez bien compris. C'était un petit contrôle, c'était une interro-surprise. C'était une interro-surprise, les gens, vous inquiétez pas. Je vérifiais si tout le monde était concentré au fond de la classe, là. Non, en vrai, tu vois, même si ça avait été expliqué avant, en vrai, ça se sent. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes que limite tu te dis, ils prennent cette bulle pour genre se dire, ah, je respire pas le même air que les humains, tu vois, genre. Donc dans tous les cas, j'aurais compris, hein, les gens, ça vous inquiétez pas, ça se voit. Hein. Ça se voit que s'ils ont tous une bulle et qu'ils sont tous. Qui pètent tous plus haut que leur cul, c'est que c'est ça. Hein. Veuillez nous pardonner pour cette fois. Ce blessé a perdu beaucoup de sang, il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons rejoindre l'hôpital qui se trouve de l'autre côté de la rue. En effet, il n'a pas l'air en forme. Il faut vite lui administrer. Un médicament. Je vous jure que j'ai des envies de meurtre. J'ai envie de le soulever. Je me contiens de fou. Je vous jure. Mais lui, la correction qu'il mérite, mais c'est celle de Spam Banane, et encore. C'est pas une bulle de savon, mais un scaphandre. Oh. Voilà qu'il commence à faire des siennes. C'est de la courtoisie à mon égard et de la vie d'un homme du peuple, rappelez-vous. Rappelez-moi lequel est le plus important. Rien n'est plus important que la courtoisie à l'égard d'un dragon céleste. J'ai envie de le soulever, mais je vous jure, je suis en train de bouillir au fond de moi, là. Toi, tu seras ma nouvelle femme. Ah bah il manquait ça aussi. Il manquait le côté pointeur. Ah bah oui, évidemment. Ah bah attends. Franchement. Il manquait que ça en vrai. Il manquait pas grand chose déjà. Merci Tawitch pour le follow, merci beaucoup.
Bah oui, bien sûr, il manquait que ça, tu vois. Il manquait le petit côté hogback, en mode on oblige la meuf à me suivre, à être amoureuse de moi, pointeur et tout. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Ah oui, bien sûr. Je vais vous demander de bien vouloir remplir les formalités, faisant de vous sa 13e femme. Au passage, tu renverras chez elle les numéros 1 à 5, je m'en suis lassé. V-Word, surtout pas pointeur. Non mais, genre, ça se trouve, la meuf, elle a 16 ans, quoi, tu vois. Ça se trouve, la meuf, elle a 15 ans, j'en sais rien, hein, je sais pas, tu vois. Mais ça m'étonnerait même pas de lui, tu vois, genre, vu comment il est, ça m'étonnerait même pas, donc... Et oui, le consentement, oui. Bah, le consentement, c'est pour les faibles humains. Le consentement, c'est pour les humains moins que rien, tu vois. Dragon Céleste, le consentement, oh, ça n'existe pas. Non, vous ne pouvez pas, je... Une minute. Elle et moi, nous sommes fiancés. Vous, encore un qui ose se tenir debout face à moi. Marie. À l'assassin, mon chéri. Aidez-le, s'il vous plaît, au secours. Quel joyeux bazar, je constate qu'ils méritent leur sale réputation. Je vous jure, je me contiens. J'essaie d'avancer parce que j'en vois plein qui piaffent d'impatience, qui disent « Ah, t'as pas intérêt à t'arrêter à chaque case et tout. » Je me fais violence, les gens. je m'en peux plus. Oh mon dieu. Parle pas mal de Saint Carlos. Mon dragon céleste préféré, c'est le Goat. Oh mon dieu. Qu'y a-t-il ? Tu as quelque chose à me reprocher ? Partez devant et amenez-la au port. Entendu. Lâchez-moi. Je vous en supplie. Quelqu'un, aidez mon fiancé. C'est les potes de Zoro, ça. Ça, c'est les bottes de Zoro, ça. Je reconnais. C'est les bottes de Zoro. C'est les bottes de Zoro. Je crois. Je crois que c'est ça. Mais attends, 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 par contre. Quand Zoro est parti, il a pas eu le brief de... Il a pas eu le brief de Octi, là, qui lui disait de pas faire d'esclandre et tout, non? OST, faut que je mette quoi comme OST? OST épique? Bon, allez, OST épique. OST épique. Non, mais, Zoro, il était pas là quand ils ont fait le brief. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Il était pas là quand ils ont fait le brief, donc il sait pas qu'il faut surtout pas se faire un truc. Oh, la bourde! Oh, je sens la connerie qui va arriver! Oh, la connerie qui va arriver à 3 km, là! Oh, c'est... Mais oui, ils étaient sûrs que ça allait être lui, c'était sûr. Regardez-moi ce type. Capitaine Apu. C'est Zoro, le chasseur de pirates originaire d'Isblue. Il marche en plein milieu du chemin comme si de rien n'était. On dirait qu'il ignore à qui il a affaire. Ça m'a chauffé pour son matricule. J'adore. Oui. Zoro, tu es un goat. Même si tu ne le sais pas, que tu sais pas ce qui se passe, tu es un goat. Oh, les gens, je vous jure. Je rêve que d'une chose, même si ça les fout dans la merde. Je rêve que d'une chose, c'est que Zoro, il lui mette la correction de sa vie. Zoro, le mec le plus à l'aise. Comment? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il veut peut-être que je lui indique le chemin. Let's go! Zoro, tu es notre maître à tous. Tu es notre maître à tous. Non, vraiment. Vraiment, c'est... Depuis Shiller Free, la remarque, c'est clairement mon préféré, mais encore plus au-dessus de Crocodile, mais là, c'est obligatoire. Oh là là. Zoro qui ose dire ça, j'avoue, j'avais pas fait gaffe, le CSC. Il veut peut-être que j'ai indiqué le chemin, le CSC est présent, mesdames et messieurs. Le CSC est abominable. Attends, y a Soul qui m'a donné un... Y'a Soul qui m'a donné une musique à... Ah! Attendez. J'arrive pas à copier-coller... Hop, voilà. Apparemment, Soul m'a donné une musique à mettre. Qui serait apparemment adaptée. Zoro... Bon, bah, Zoro thème. Bon, voilà, au moins... Zoro thème, là, je pense que... Je pense que ça va aller niveau son. Ok. Attends. Je vais faire ça. Voilà. Vous me dites hein, si c'est trop fort. Hein.
Crocodile qui reste dans ton top. Ouais, franchement, oui. Il reste dans mon... Il est au moins... Crocodile, il est top 2, normalement. Depuis Zoro à Thriller Bark, Zoro est passé devant. Mais Crocodile reste top 2, quand même. Non, mais par contre, le CC... Le CC est tellement monstrueux. Ouais, ça a l'air d'être bon, du coup, la musique, ok. Ok, il tire dessus direct, ça marche. Ça va pas à la tête, s'il fait ça. Non mais par contre, c'est... Je vous jure, c'est trop grave. C'est... En fait, genre, ce que je trouve hallucinant... Ce que je trouve hallucinant, c'est genre... T'as la meuf, là, de tout à l'heure, qui leur a redit « faites attention » et tout, alors que vraiment, elle a l'air en mode au courant, ancienne pirate et tout, genre vraiment qu'elle leur dise eux-mêmes, elle-même, « faites attention », c'est que vraiment, c'est une dinguerie, tu vois. Et là, t'as les ceux qu'on a vus tout à l'heure, là, ceux qui ont des grosses primes et tout, ils sont paniqués et ils l'empêchent de le faire. Mais genre en mode, mais tu touches un dragon céleste, il se passe quoi? Genre c'est la... Il balance des bombes atomiques ou qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai l'impression si tu les touches, c'est genre en mode, c'est... J'ai l'impression que c'est encore pire que Enies Lobby. Ouais, Amiral, d'accord, tu vois. Mais... attends, Enies Lobby, ça avait plus d'impact, quand même, tu vois. C'était plus fort de brûler le drapeau d'Enies Lobby et de faire tout ce truc, plutôt que de faire ça. Tu sous-estimes un amiral? Ah bah, je sous-estime pas les amiraux. Mais je dis juste que, tu vois, pour moi, Enies Lobby, le geste était plus fort, tu vois. Pire qu'un Buster Call. Genre, pour vous, un amiral, c'est pire qu'un Buster Call. Genre, un amiral qui se pointe, c'est pire qu'un Buster Call. Large. D'accord. D'accord, ok, bon, bah, pas de problème, hein. Ça marche. Ok, bon, bah, je dis plus rien, alors. Ok, ça marche. Ok, un amiral, c'est pire qu'un Buster Call. Pas de soucis. Pas de soucis. Merci, Zeliop, merci beaucoup pour le follow. Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie, hein. Amiral qui arrive avec sa flotte, c'est pire qu'un Buster Call. Oh, c'est une dinguerie. Alors, elle, c'était celle de tout à l'heure qu'on nous a présenté au début, du coup. C'est quoi? C'est Bonnet, je crois? Non? Tu te souviens du 1v1 Okiji, le fils? Ah oui, c'était du no match. Hein. Mais, tu vois, j'ai pire qu'un Buster Call. Moi, j'ai du mal à imaginer, tu vois. Bonnet, c'est ça. Ok. Bonnet de bain. Jewerly Bonnet. Ok. Bonnie. Jewerly Bonnie. Ok. Jewerly Bonnie. Ça marche. Une gamine. Grand frère, non, ne meurt pas. Grand frère, fais le mort. Oh! Genre, elle est en train de faire une combine. Ah oui, ils avaient mis la gloutonne, je crois, ils avaient mis, ouais. C'est pas pire, c'est différent. L'animal, il vient. L'animal. L'amiral, il vient que pour toi. Pourquoi as-tu tenu tête à un dragon céleste? Tu sais très bien que la mort est la seule issue possible dès lors qu'on s'en prend à eux. Je l'ai touché. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il avait réussi à esquiver mon coup. J'ai dû rêver. Il est mort. Bon débarras. Putain, il joue le jeu? Attends, mais comment ils ont fait que ça, par contre? Comment ils ont fake le sang? C'est malin, tu m'as empêché de l'attaquer. Empêché? T'en as d'autres des comme ça? Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête? Tu veux qu'un amiral se pointe sur l'île ou quoi? On est des accords tacites entre pirates, alors tâche au moins de les respecter. Tu veux qu'on ait nous aussi des ennuis? C'est du jus de tomate. Tout à l'heure, j'ai cru que t'étais une gamine. Ouais, j'avoue, en fait, elle lui a mis du jus de tomate, quoi. Mais par contre, qu'il ait joué le jeu à ce moment-là, ça me surprend de lui, tu vois. Qu'il ait compris à quel point il fallait rien faire, ça me surprend. Mais en vrai, les gens, genre... Je lance un caillou dans la mare, hein. Mais pour moi, genre, un mec comme Barbe Blanche, tu vois. Un mec comme Barbe Blanche,
Et Shanks, je sais pas trop où il en est niveau puissance, tu vois. Mais je me doute que Shanks, il fait partie des top, tu vois. Des mecs comme Barbe Blanche et Shanks, tu vois. Je me dis, si Barbe Blanche est considéré comme l'homme le plus fort du monde, il est censé être supérieur à un amiral, tu vois. Si Shanks est à peu près, enfin pas de son niveau, mais que bon, il a un très bon niveau qui se rapproche un peu de Barbe Blanche, Shanks, ça doit être un peu pareil. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, Barbe Blanche, il croise ce mec-là, il le bouffe tout cru, en fait, il s'en fout. Barbe Blanche, il va être là en mode, ah, il y a un amiral qui va venir pour moi, bah vas-y, viens. Viens, frérot, y a pas de problème. Ouais, on est d'accord, Barbe Blanche, il s'en fout. Ok, bon, ça me rassure, pour le coup. Ça me rassure. L'éternel débat. Bah, après, tu vois, c'est que je me dis, Barbe Blanche, ils ont mis noir sur blanc, homme le plus fort du monde. Tu vois, je me dis, homme le plus fort du monde, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Il y a une question d'équilibre. Ils peuvent, mais ça veut dire la guerre, genre la très grosse guerre. Ouais, après, peut-être que ça, ils voudraient pas, tu vois. Mais dans l'idée, je pense que, tu vois, Barbe Blanche, le mec qui lui fait ça, il le soulève, quoi, tu vois. Et il s'en fout, en fait. Non, mais après, mais les gens, tant que ça reste un débat avec des arguments, y a pas de problème. Dans le chat, tant qu'on débat de ça, pour moi, y a pas de mauvais débat. Tant qu'on débat de ça avec des arguments, y a pas d'insulte ou quoi, y'a aucun problème de parler de ça. T'as lu la bulle en bas, en haut à gauche. Oui, je l'ai lu, ouais, t'inquiète. Ça ne va pas la tête. Si ça va, je ne suis pas blessé. Je te parle de ce que t'as dans la crâne, crétin. Un vrai débile, je te jure. Faudra remercier Jewery Bonnie. Grâce à elle, on a évité le pire. L'homme qu'elle vient de sauver n'est autre que Zoro, le chasseur de pirates. Il fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Tu n'es pas assez loin pour débattre de ça et les gens vont spoil. Ouais, ça je peux comprendre, ouais, par contre, ouais. Oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, les gens, j'ai compris. Le problème, c'est les spoils, c'est pas le débat. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu vois, on peut débattre de tout. Tant que ça spoil pas, on peut débattre de tout, techniquement, tu vois, genre. Oui, j'ai entendu dire que les membres de cet équipage étaient tous plus ou moins timbrés. Mais de là, s'en prendre un dragon céleste, il faut être complètement fou. Ça ne m'étonne pas qu'il ait survécu. L'ombre de la mort ne plane pas encore sur lui. Pendant un bref instant, j'ai senti une colère dévastatrice émaner de cet homme. Une vraie bête en furie. Ah, il parle de Zoro, là, du coup. 120 millions pour le numéro 2 de l'équipage. Pourtant, il n'a pas l'air d'être du genre à obéir à quiconque. Ça laisse présager de l'autorité de son capitaine. Oh là là. Et là, ils sont en train de brosser Luffy dans le sens du poil. Là, ils sont en train de brosser Luffy. En vrai, vous savez ce que j'aime beaucoup dans cet arc ? Dans cet arc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un côté un peu Battle Royale, tu vois. En mode, il y a plein de vrais équipages, tu vois. Genre, c'est une île où t'as plein de vrais équipages en mode avec des gars qui pèsent, tu vois. Tu sais, qui sont un peu dans le même style que Luffy, dans les mêmes primes, dans les mêmes forces, tu vois. Genre, t'as l'impression qu'il y a un peu un regroupement de tas de mecs qui pèsent, en fait, tu vois, sur cette île. Et j'aime trop, genre, ça donne vraiment une sensation de Battle Royale, tu vois. Bon, tu sais où se trouve l'hôpital. L'hôpital ? Oui, il faut que j'y amène ce type, il est dans un sale état. Mais tu ne le connais même pas. Marie... N'importe quoi. Un pirate qui joue aussi les âmes charitables, j'aurais tout vu. C'est pas le meilleur arc, mais c'est mon préféré. Mais franchement, moi, le délire un peu en mode... T'as plein de gros équipages avec des gros capitaines qui se regroupent et tout, qui ont un accord, tu sais, qui sont là un peu en mode Battle Royale, je trouve ça incroyable, genre. Tous les gens qui pèsent sont là et il y a du gros jugement. Ah non, je pensais pas du tout à ça. Tu n'as encore rien vu. Ah, je me doute, hein. J'ai jeté un petit coup d'œil en ville tout à l'heure, et j'ai vu flotter des vélos dans des bulles. Moi aussi, on pourrait en acheter avant de reprendre la route. Il vaudrait mieux les tester d'abord. Tiens, l'escargophone, ça doit être Nami. Allô, c'est moi, c'est Chopper. Les glaces, il y avait trop de parfums différents. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de t'affoler. C'est toi, Sanji, il est arrivé quelque chose de terrible. Je ne comprends rien à ce que tu dis, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? On a enlevé Kemi. Mais elle était avec eux. Elle était avec eux. Attends. Elle était où? Ah, c'est lui! C'est lui qui l'a enlevé. 100% c'est lui qui l'a enlevé.
En fait, j'avais pas fait gaffe qu'il avait l'air de la regarder. En plus, je suis con, tout à l'heure, ils en ont parlé. Ils étaient là en mode, ouais, faut l'enlever et tout. On a vu que c'était une homme-poisson, machin, tu vois. Ok. Bon. Ah, je sais que ça vous fait mal au cœur, les gens, mais... En vrai, je pense que c'est mieux comme ça. Que je commence par le 500 mardi, je pense que ça va être vraiment cool. Mardi, ça va être une dinguerie, genre. Pour moi, commencer par un chapitre que moi veut authentique, je pense que ça va être une dinguerie. T'as pas lu. J'ai pas lu la page d'avant. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je pensais que c'était la fin. C'est bon, calmez-vous. C'est probablement un groupe de kidnappeurs qui a fait ça, je ne sais pas pourquoi. Mais il paraît que la vente de sirènes d'hommes poissons est tolérée ici. Même si je ne s'agit pas de criminels. Kimi va être vendue. Elle va finir esclave pour le restant de ses jours. Tout ça à cause de nous. Il y a plein d'endroits sur Archipel qui pratiquent le commerce humain. Mais d'ailleurs, attends, c'est pas elle qui disait qu'elle s'était fait enlever 30 fois ou je sais par quoi? Elle s'était fait enlever 30 fois et tout, genre. On ne saura jamais où et quand la vente a lieu. On ne sait même pas qui sont ceux qui l'ont kidnappé. L'archipel est très vaste, il va falloir se séparer pour. Contente-toi de me dire exactement où vous vous trouvez et ne bougez pas de là. Dans certaines situations, mieux vaut laisser faire les pros. Je vais faire appel aux Exocet Riders! Non mais par contre, ça c'est génial! C'est génial! Genre en mode, ils viennent de les vaincre et tout, le gars il lui a donné une bonne apparence, ils vont être contents limite de les revoir en mode, voilà. Et Sanji, il va les faire venir, ils vont s'allier, ça va être trop bien! Ça va être trop bien! Oh là 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 là! Ah, ils vont faire venir les Exocet Riders, il va y avoir une alliance, ça va être fou!